Là, c'est très fort. Je vais peut-être baisser mon retour alors. Je m'entends avec une belle voix là, de crooner. Là. Voilà. Comment ça va les amis? Ah là, je peux crier là. C'est bon, tu peux hurler sans te casser les oreilles. Ça va. On a eu des mini problèmes de son. Un stream qui n'a pas ses petits problèmes techniques au début, ça n'est pas un stream. Voilà. Et comme on était en bonne compagnie, là, on s'est mis à trois, voilà, et on a cherché, isolé, trouvé. Ouais, puis on a trouvé tout simplement. C'est voilà. Fou, hein. Comment c'est le son pour vous là et l'image? Est-ce que vous voyez le beau gosse qui est à ma droite? Voilà. Ah, faut que je remonte un peu le micro, il est un peu bas. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez? Il est là, il est parfait. Ok. Est-ce que vous voyez l'autre breton, le plus petit? C'est vrai, là, à gauche. C'est un stream breton, là. C'est un stream 100% breton, quoi. Gérald de Rive, c'est lui. On voit surtout la moustache. Mais elle est pas nouvelle, cette moustache. Ça date d'un petit moment. On s'est pas vu depuis que je l'avais, en tout cas. Ouais. Donc, j'essaie de mettre correctement ce micro. Bon, écoute, la moustache a un succès. Mais elle est pas nouvelle. Ça fait un moment. Hein. Mais non, peut-être la dernière fois que j'étais venu chez toi, il n'y avait pas encore la moustache. Peut-être. La dernière fois que j'étais venu chez toi, il n'y avait pas la moustache encore. Ouais. Stream 100% breton. Où sont les crêpes? Il n'y a pas de crêpes, mais je t'ai ramené du cidre de chez moi. Quand je vais en Bretagne, à chaque fois, je ramène du cidre. C'est du cidre carné, du coup, que je t'ai ramené. Carné. Et carné. Et donc ça, c'est du coup, c'est leur cidre bio. Mais qu'est-ce que ça veut dire, carné? Carné, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est la maison. C'est Pays Bigoudin, donc c'est vraiment à côté de chez moi. C'est fait à 20 km de chez moi. Théo m'a dit, c'est le meilleur des meilleurs. Et donc voilà. Et c'est vraiment le meilleur. Alors pour ceux qui connaissent, je pense que vous savez que c'est un excellent cidre. Et donc celui-là, c'est le bio que je t'ai ramené. Et bio. Ouais, exactement. Mais ouais, si tu pourras le déguster, tu m'en diras des nouvelles. Mais c'est excellent. Mais si on se l'ouvrait? Tu veux qu'on se l'ouvre? Moi, je fais une année sans alcool. Ah, c'est pas le dry January. Ouais, moi, je fais une année sans alcool. C'est dry depuis août. 2024. Ouais, depuis août. Hey. Ouais, exactement. Mais on en reparlera si tu veux. Ouais, c'est intéressant. Ouais, on en reparlera. Ok, si d'accord. Tu veux. Bon, alors c'est pas pour ce soir. Et comme j'ai des bouteilles en cidre en trop en ce moment à la maison, je me suis dit, je vais ramener ça à Sam et ce sera. Parfait. L'ami Rivenzi est dans Simplay pour me faire découvrir un nouveau jeu. Ouais. Mon premier City Builder. C'est ton premier. J'ai la pression. Bon, après, il y a beaucoup de premières avec moi parce que je découvre avec passion cet univers avec littéralement 36 ans de retard. Puisque, comme vous le savez, et c'est pour ça que j'ai lancé cette émission, la dernière fois que j'ai joué aux jeux vidéo, sérieusement, c'était en 1988. Waouh. Ok. C'était sur genre Atari, c'était genre sur. Commodore 64. Je suis de 95, donc 88, j'avais moins 7 ans, donc je pouvais pas tester malheureusement Sam, ce que tu as essayé à ce moment-là. Et là, je suis en période de rattrapage, ouais. et parfois avec des surprises incroyables, comme ces derniers temps, pas plus tard que la semaine dernière, Ted Etienne qui me fait découvrir Detroit Become Human. Incroyable. Et tu m'as dit que toi aussi t'avais joué. J'avais adoré. C'est un de mes meilleurs souvenirs de stream. Je pense qu'il y a des gens de ma communauté, je pense qu'ils savent. J'avais découvert, je l'avais fait en live aussi, le jeu, et le jeu est exceptionnel. On l'avait fait, je crois, en deux après-midi. Il faut deux gros après-midi. Et c'est un des jeux, si je pouvais l'oublier pour le refaire, je le ferais, tu vois. Parce qu'en plus, c'est un jeu à scénario, etc. Et si je pouvais complètement oublier ce jeu, Yo Escobarix, je le ferais pour le refaire, il est incroyable. Et en même temps, tu pourrais te dire que tu peux le changer un peu de choix et peut-être le visiter différemment ça. Oui, aussi, mais moi, je ne trouve pas tout à fait pareil non plus. En fait, j'aime bien quand tu dans ce genre de jeu, construire ton histoire, qu'elle soit imparfaite ou bien, tu la laisses. Et t'es en mode, c'est ça, moi, mon aventure. Alors, parce qu'après, quand tu la refais, je trouve que, du coup, t'explores toutes les options. Mais c'est dommage parce que c'est pas ce que t'aurais fait initialement. Alors, quoi, Ted vient de faire ça, puisque Ted donc, est venu dimanche nous le présenter. Ouais. Et avant-hier, je crois, il l'a rejoué. Parce qu'en fait, le stream qu'on a fait ensemble, il avait envie de le rejouer. Il l'a rejoué, donc quelques années après. Et il l'a refait intégralement. Il a eu le temps de il a eu le temps de l'oublier. Ouais. Et il l'a rejoué. Ah, mais t'as vraiment tellement une dégaine de No Life avec sa casquette sur la tête, son hoodie et tout. Ça c'est la nuit dernière, Théo. Je lance à 20h30, je crois, et je cut à 2h30. Regardez-le. Regardez-le. Alors la casquette, c'est pas que pour le look. C'est aussi parce que, du coup, tu sais, on a les petites lumières en face. Mm. Et comme c'est des streams parfois très, très longs et que je passe de plus en plus de temps sur les écrans, ouais. Et en fait, ça me protège les yeux des lumières directes. Ouais. Et donc, et quand je joue à Valo, ça me permet non pas d'être meilleur, mais d'être moins mauvais. Ouais. Ça te concentre. Ouais. Et comme ça, ça évite de voir ta tête trop concentrée, le mec un peu vénère, quoi, tu vois, genre trop énervé. Je vais monter faire un, let's go. Donc, on est à peu près au 20e jeu...
Putain, c'est des images. Mais rien de voir cette image-là. Je suis très surpris que tu aies accroché à Valorant. Parce que c'est quand même un jeu qui est exigeant. C'est très mystérieux. C'est vraiment étonnant. Parce que j'aurais dit plein de types de jeux, tu vois, mais peut-être mais pas oui. Valorant. Mais moi, le premier, Théo, c'est-à-dire que quand Juliette Ars est venue me présenter ce jeu, avant le stream, tu me dis, tu penses que tu vas jouer à Valorant? Je dis, bah non, je tire sur des gens. Non, a priori, non. Et en fait, je trouve que le truc est quand même hyper addictif. Tu vois, c'est fou, mais parce que t'as envie, t'aimes bien jouer aux jeux en boucle et tout. Oh, oui, du coup, t'as pas connu la période Call of Duty? Non. Oh là là, comment t'aurais été, t'aurais kiffé. Hein. Et quand on parle de Black Ops et tout, oh là 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 là, comment t'aurais kiffé cette époque-là. Tu sais, c'est l'idée de pouvoir progresser à chaque fois. Des grandes bombes nucléaires là, maman. En plus, une partie, c'est pas long. C'est-à-dire que tu peux te foirer complètement sur une partie de 30 minutes, tu peux t'en relancer une, c'est pas grave. Tu tombes sur des équipes parfois géniales qui te carrient incroyablement. Et parfois, c'est une catastrophe. T'en as un qui va être, j'apprends plein de nouveaux mots en plus, AFK, pendant 30 minutes, qui va être coincé dans un coin. Putain, j'apprends tellement de nouveaux mots. Oh, quel bonheur. Mais c'est rigolo, hein. C'est rigolo que tu découvres ces jeux-là après, avec un regard d'adulte et tout. Et oui, et c'est même une chance, parce que du coup, je prends 35 ans d'évolution de cet univers, mais en pleine phase d'un coup. Et parfois, je suis en mode, je fais waouh, quoi. Mais tu sais que c'est étonnant, parce que ça doit te reconnecter avec plein de trucs de notre génération. Oui. Parce qu'en fait, nous, il y a des choses qui nous semblent évidentes pour nous, dans le langage, dans la manière de parler, même la manière dont sont disposés les jeux, les menus des jeux, etc. Il y a plein de choses. Nous, on l'a expérimenté au fur et à mesure des années, tu vois, d'un jeu à l'autre, d'un jeu de tir à l'autre, de différents types de jeux. Et toi, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour toi, alors que moi, j'ai grandi avec ça. Les gens qui viennent te faire découvrir ce jeu-là ont grandi avec. Donc toi, ça doit te raccrocher à nous, ce qu'on a, avec clairement, ce qu'on a grandi, quoi. Et alors, le problème, c'est que c'est tout d'un coup. C'est-à-dire que, du coup, j'ai plein de choses à appréhender, à comprendre d'un coup. Oui. Sur un jeu sur Valo, par exemple, clavier-souris, je n'avais jamais joué. Comprendre les indications de son, tu vois, le bruit, et réussir à les analyser, ça a été très compliqué. Non, c'est fou, parce que ça, c'est quelque chose, c'est arrivé au collège pour moi, tu vois. Ah ouais. D'être en mode, oh, je peux entendre mes amis sur Call of Duty. Ouais. Et à l'époque, on découvrait ça, on était en mode, wow, on peut entendre les pas. Du coup, on avait des atouts dans le jeu qui te permettait de pas entendre tes bruits de pas, etc. Et donc, c'était fou, mais du coup, tu découvres ça bien après. Et oui, c'est trop bien. Mais que du bonheur. Donc là, c'est encore une première ce soir. Comment ça, mon casque à l'envers? Bon. T'as ton fil à droite. Mais oui, mais c'est pas très grave ce soir. Non, ça ira. Ce soir, c'est pas important. Mais comme il est puriste et que le chat a toujours raison, j'inverse. T'as raison en plus. Donc une première ce soir, mon premier City Builder. Ouais. Donc littéralement jeu de construction et de gestion de ville. Exact. C'est exactement ça, c'est un jeu de construction. Alors, vous connaissez la série SimCity, qui a largement inspiré City Skyline. Donc... J'ai joué il y a longtemps. À SimCity? Et ben voilà, dis-toi que c'est la version développée. Et donc, nous, on va jouer à City Skyline 2, qui est sorti en 2023. D'accord. Donc, c'est un jeu que moi, j'ai adoré. City Skyline 1, et j'attendais avec grande impatience City Skyline 2. Et en plus, nous, on l'a découvert avec la communauté, avec les cerveaux, on l'a découvert d'une certaine manière, parce que nous, on fait du roleplay sur City Skyline. Ok. Et donc, à chaque fois, quand nous, on crée une ville, je suis le maire de la ville, et en fait, on développe la vie politique de la ville. C'est pour ça qu'on m'a parlé de toi, parce qu'on m'a dit, exactement, cool, il y a Rive qui vient chez toi pour te présenter ce jeu. Donc, c'est monsieur le maire qui va jouer avec monsieur le président. Puisque, exactement, je suis maire Enzi. Et donc, en fait... C'est toi le maire. C'est moi le maire. Et en fait, on a des élections. Maire Enzi, mais oui. Et oui, ils sont là. Et en fait, on a des il y a les impôts, évidemment, qui tombent tout à chaque fois. Hein. Chaque prime était un impôt, donc n'hésitez pas à claquer vos impôts ici sur cette chaîne. J'adore. Et donc, l'idée, c'était que nous, on avait un Discord. Chaque parti politique avait un channel Discord. Ok. Et donc, chaque parti politique pouvait se présenter aux élections. Non. Et donc, il y avait après, selon le pourcentage qu'ils obtenaient aux élections, ils avaient un impact ou pas dans la ville. Donc, nous, on a eu, par exemple, le premier parti d'opposition qui était le parti communiste. On a un parti communiste qui s'appelait le CT Loli, donc qui était un mélange de communistes, mais fans de K-pop. Et donc, du coup... C'était le CT Loli. Je ne m'attendais pas. C'était des communistes fans de K-pop. Donc ils sont là, ils sont avec leur emote dans le chat, hein, bien sûr, okay. On les voit. Et donc, ils ont créé une vétubeuse communiste coréenne, etc. Ouais. Et donc, ils ont monté ce délire-là. Et ça allait très loin. Et du coup, ça a eu un impact sur la gestion de la ville. Exactement. Du coup, ils avaient leur quartier. Ils avaient, dans le premier RP, la première saison, ils avaient le quartier Charbon, qui était le quartier pour les communistes. Ils ont lancé une grève. Ils ont renversé le maire à un moment donné, j'ai dû revenir, on a dû détruire le parti. Enfin bref, il y a eu plein de choses. Et on a eu le parti Oval, on a des partis de droite aussi, donc ils sont conservateurs.
Donc on essaie de créer, on crée une vie politique. C'est incroyable. Et donc, vous faites du RP sur ce jeu. Exactement. Quoi. Et donc on a des réunions, on avait des réunions du conseil municipal qui venaient en mode non, on n'est pas d'accord avec ça. On avait des écologistes aussi. Donc quand on cassait les arbres, ils n'étaient pas d'accord. Ils nous cassaient les bonbons à chaque fois parce qu'on pouvait rien faire. Ils voulaient des éoliennes. Il y a Rations qui dit en fait, Rive a fait un jeu sur le jeu. Exactement. En fait, en gros, c'était un support le jeu et donc on a fait deux saisons. T'as peut-être été le seul ou un des premiers à faire ça, non? Parce que... Sur ce jeu-là, ouais. Oui. Ouais, exactement. Mais parce que sur les jeux de gestion, comme ça, j'aime bien rajouter une dimension RP pour faire participer les personnes. On avait même des employés municipaux aussi qui étaient là. Donc, à un moment, tu as dit, moi et les cerveaux. Les cerveaux, c'est le nom de la communauté. De ta commune. Ouais, exactement. Les cerveaux. Depuis longtemps, ouais. Parce que Parce qu'ils ont des gros cerveaux. Parce qu'ils ont des gros cerveaux et qu'ils aiment bien me reprendre souvent. mais bon, prenez pas trop la confiance, d'accord? On est chez Samuel, donc tout le monde reste calme. Et non, c'est employé municipal, sachez-le. C'est pas municipaux. Voilà, nous, c'est les employés municipaux. Mais oui, en fait, je t'ai pas corrigé. Non, c'est municipal chez nous. Parce que c'est municipal. C'est les employés municipaux. Et c'est pas municipaux. Non, c'est municipal. C'est un truc du jeu. Exactement. J'adore. C'est employé municipal. Et donc, on a cette ville-là et donc on a créé le RP. Sur ce jeu-là, exactement. Et c'était trop bien. Parce qu'on n'est pas bébêtes, oui. Et donc, ils ont fait des grèves, ils ont fait des... C'était insupportable, il fallait les gérer. Il y avait les parties de droite. Et du coup, c'était très drôle parce qu'il y avait les parties de droite jouer le jeu. Mais toi, tu peux pas être... Tu peux pas... Si, moi, j'avais mon parti aussi. Tu peux pas perdre ton mandat? Parce que t'es monsieur le maire. Si, j'ai déjà perdu mon mandat. Donc, il y a eu d'autres maires que toi? Ben, en fait, en gros, il y a eu des maires, il y a eu des moments où je me suis fait enlever, il y a des moments... Quoi? Oui. Ça allait long. Mais sache que... Il y avait des mandats où je me suis retrouvé en 1-1 et c'est le chat qui a voté. Et le chat pouvait très bien choisir de me dégager. Mais j'étais suffisamment bon maire car je n'ai jamais perdu une élection. Sachez-le que j'ai toujours gagné mes élections quand il s'agissait de les gagner. Je te propose qu'on continue d'en parler. Elles ne sont jamais truquées. Je te laisse prendre la tablette, si tu veux. Je vais remercier tous ceux qui sont là. Je vais remercier Joe d'assurer la réalisation ce soir, de nous avoir réglé les problèmes de son parce qu'on avait un truc super bizarre au début. Ouais, c'est le jeu en fait. Je crois que c'est vous dans le chat. J'ai peur que ça vienne avec le jeu, mais non. En fait, alors vous nous avez signé un grésillement dans le chat. On est allé voir en fait. On s'est rendu compte que ça venait pas du PC de stream de Joe, ça venait pas du PC de gaming qu'on utilise, et en fait on s'est rendu compte que bizarrement ça venait du jeu. Oui, très étonnant. Donc le petit grésillement, ça venait du jeu, donc on va lancer le jeu. Si le grésillement revient, on va baisser le niveau du jeu et puis ça. Exact. Mais merci en tout cas au chat. Je voulais quand même profiter de montrer un petit truc que Rive fait en ce moment. Je sais pas s'il veut en parler vite fait, mais ouais, carrément. Mais ça c'est la reconstitution de. Ça c'est la reconstitution France 1940. Et ça, c'est un nouveau format qu'on a lancé sur YouTube, parce que sur YouTube, du coup, je parle de... Tu fais de plus en plus de trucs sur YouTube. Ouais, exactement. Hein, j'aime beaucoup faire des formats. Tu sais, je parle d'histoire sur ma chaîne Twitch déjà. Et donc, on s'est décidé de lancer dans les documentaires, donc pour parler de sujets un peu plus complexes, prendre le temps d'écrire aussi. C'est un super exercice que je n'avais pas fait avant. Et donc ça, c'est un nouvel exercice, un nouveau format qu'on a lancé avec l'Inca, donc qui stream aussi. Et donc, on se plonge 24 heures dans une période historique. Et donc là, on était habillé en français de 1940. On était sur la ligne Maginot. Et donc, on a vécu comme des soldats de 1940 pendant 24 heures. On a dormi dans la ligne Maginot. On a découvert cette ligne qui se trouve à l'est de la France, qui avait pour but de défendre la France au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui a été contournée lors de l'offensive allemande. Mmh. Et donc, voilà, donc on était en uniforme d'époque. Peut-être que tu interroges des spécialistes, des historiens. Effectivement, là, c'était des passionnés. Donc, c'est des gens qui sont en charge de ce fort où on se trouvait, le fort du Galgenberg. Et donc, nous, on rigole parce qu'on est avec l'Inca, donc lui découvre complètement. L'idée, c'est d'amener des gens qui ne connaissent pas forcément l'histoire dans une période historique. Et donc, ça, c'était le premier épisode de cette série qu'on a envie de lancer. C'est l'Inca était un peu ce candide à qui on a fait remonter le temps. Et puis moi, j'aime bien l'histoire, mais je ne suis pas spécialiste de la ligne Maginot. Donc on avait des spécialistes avec nous qui étaient nos guides. Et donc voilà. Cet épisode, il est en ligne depuis combien de temps? Il est en ligne depuis 3 semaines. OK. Ouais, depuis 3 semaines, il est en ligne. Et tu as déjà annoncé on n'a pas encore annoncé le prochain. Parce qu'on ne sait pas encore... On sait quand on va tourner. C'est pas de suite, mais on sait dans quelle période on va déjà. Ok. Voilà, donc on ira. Il y a une période médiévale qui est bouclée. Donc on a la date, on attend juste de la tournée, et il y en a d'autres qui arrivent. C'est topissime. Donc ouais. Donc voilà. Allez voir la chaîne YouTube de Rivenzi qui s'appelle quoi? Rivenzi tout court. Donc voilà, n'hésitez pas. Théo, merci. Joe, merci. Merci à vous d'être là ce soir. Merci à Boulanger et Lenovo Gamme Légion qui sont nos partenaires.
voilà, qui nous accompagne depuis le début. Ils sont jolis les PC en vrai, voilà. Pour le coup. Ils sont très jolis. Puis ils sont compacts aussi. Je peux dire ils prennent pas trop de place, ouais, ça, c'est bien ça. Ouais, et puis ça marche, je m'en sers beaucoup maintenant. Oui, toi aussi, oui, en ce moment. Jour et nuit, voilà, et ça tourne du feu de Dieu. Et puis c'est grâce à ces deux partenaires eh bien, qu'on peut faire 31 simplets cette saison. Voilà, let's go. Avec des petites surprises qui arrivent. Trop bien. C'est parti. Donc on joue à Cities Skylines. Skylines 2. Exactement. Sorti en là. Sorti en 2023. 2023, il n'y a pas très longtemps. 2023, effectivement. Alors, Cities Skylines 2, l'idée, c'est quoi? C'est un jeu exceptionnel où l'idée, c'est de construire ta ville. Tu es chef du plan d'urbanisme de ta ville. Donc, je te propose de sélectionner une carte. Donc, tu as différents types de cartes. Ah, trop bien. Tu as la basse plaine, les cols d'eau, delta de fleuve, tu as les monts. Enfin, voilà, c'est un peu le style que tu peux avoir. Il y a un truc avec le archipel, beaucoup d'îles. Ouais, effectivement. C'est peut-être pas le plus simple pour débuter parce qu'il faut que tu fasses des connexions entre chacun. Tu peux commencer par basse plaine, c'est très bien. Ou. Basse plaine, sinon tu as la richesse du coral aussi qui peut être chouette aussi avec ce bras de mer qui rentre, avec ce petit fleuve qui sépare ta ville en deux, ça peut être. Allez, let's go. Ça peut être sympa richesse aussi. Du coral, je sélectionne donc. Et tu fais sélectionner une carte. Ok. Ensuite, tu peux renommer ta ville. Oh bah bien sûr. Comment tu choisis. Attends, alors là, attends. Donc c'est la ville. Là, c'est Lidbury à la base. Lidbury. Et nous, ça va être, je sais pas moi. Le chat, c'est parti. Alors, Chibreland, Chibre City. Bon, oui. C'est Monsieur Chibre. Et qui sera le maire de Chibreville. Chibreville. Sam City. Je vous rappelle que ce stream est sponsorisé. Quoi. Je veux dire, Chibreville. En vrai, Chibreville, tu sais que c'est pas. Ça pourrait être une ville en Normandie, Chibreville. Ouais. Mais tu sais, on sait pas trop, ça, ils l'ont fait vite fait. Gibraltar. Gibraltar. Ah, c'est très, pas mal. Très, très bien. C'est pas mal en vrai. C'est très bien, Gibraltar. Gibraltar. Allez, parce qu'en plus, il y a le détroit de Gibraltar. C'est pas mal. Elle est pas mal. Gibraltar. Gibraltar. Le thème. Alors, le thème. Alors, le thème, c'est le thème de tes bâtiments, soit européen, soit nord-américain. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Moi, j'avais fait européen dans ma save, donc je propose nord-américain, histoire de changer un petit peu. Je ne les ai pas trop vus, circulation à gauche. Non. Nous ne sommes pas en Angleterre, hein, donc nous ne ferons pas ça. Catastrophe naturelle. Ça, ils ont instauré ça dans ce City Skyline 2, il n'y avait pas avant. Mais je te propose qu'on le garde parce que c'est assez rigolo sans que ce soit trop méchant non plus. C'est quoi tout déverrouillé Tout déverrouillé, en fait, c'est. Tu vas débloquer des choses au fur et à mesure quand ta ville va augmenter. Ouais. Je te propose qu'on se garde un peu de choses histoire que tu te découvres au fur et à mesure. Ok, donc je déverrouille. Non, voilà. Argent et, limité. Ça, c'est un truc de triche un peu. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment. Parce qu'en fait, t'as des gens qui sont spécialistes sur le jeu. Alors. Ils développent le jeu de leur ville, mais eux, c'est très esthétique. C'est-à-dire que leur ville va être vraiment magnifique, très réaliste, très travaillée. Je pense à Bill Silverlight, que certains doivent connaître dans le chat, qui est spécialiste de ce jeu. Là, il leur faut des sous, du coup. Ouais, eux, il leur faut des sous. Et donc voilà. Donc, tu peux faire démarrer la partie. Je pense qu'on est bon. Le tutoriel, c'est moi qui vais te faire le tutoriel. Le tuto, c'est Rive. C'est parti. Et let's go. Tadam. Je bouge mon micro. Ah, si, c'était présent, il est DLC, les catastrophes. Ah oui, ben, j'avais pas tous les DLC. Je bouge mon micro à droite, je le rapproche de Rive parce que je l'ai mis un petit peu au milieu de jour, je m'en excuse, ça a frotté un petit peu. Hop, je le mets là. Et je le dirige vers Théo. Ouais, c'est bien, mais je sens. Alors, dézoome un petit peu avec ta molette, tu vas voir. Tu peux, ah oui, on va avoir une vue. Tu peux dézoomer. Donc là, tu as à peu près une. D'accord. À quoi ressemble ta zone de jeu. Tu peux, en appuyant sur ta molette, tu peux pivoter. Tu sais, tu peux. Maintenant, cliquer sur ta molette, tu peux réussir à pivoter, voir un peu. Comment ça se passe. Ah donc, on est manifestement au bord d'un océan. Exactement, mer, hein, exactement. Voilà. Autour d'un côté d'un bras de mer. Donc, là, le petit carré que tu as là, oui. Pour l'instant, c'est la surface de ta ville pour le moment. Donc, je te propose, tu peux te déplacer avec le ZQSD, tu peux avancer. Mais ce carré-là, il est à moi. Il est à toi, c'est ta parcelle. C'est mon premier carré. C'est ton premier carré de ville. D'accord. Tu peux gérer un peu l'inclinaison avec ta molette, tu sais, pour qu'on voit un petit peu plus du dessus. Là, on est un peu trop à l'horizontale. Ouais. Comment je fais ça? Tu cliques sur ta molette. Ouais. Et voilà, comme ça, tu peux ajuster pour que tu puisses bien te mettre comme ça. Là, qu'est-ce que t'en penses? On est pas mal. Et donc là, tu peux continuer à bouger. De toute façon, c'est un jeu, il faut beaucoup bouger avec sa caméra. Il faut beaucoup, là où tu veux regarder. Ok, ok. Donc voilà. Donc là, on est là. Pour l'instant, c'est ta parcelle, elle n'est pas très grande, mais tu pourras l'agrandir au fur et à mesure. On va pouvoir l'agrandir. Tu vois, là, tu as une route qui arrive dans ta parcelle, ici. Donc ça, c'est ta... Première route, c'est par l'autoroute, c'est là que viennent les gens. Pour l'instant, ils ne font que passer dans ta ville, hein, ils y passent, mais ils ne s'y arrêtent pas.
Donc, là, tu me mords, t'as un échangeur. Ouais, qui emmène donc, peut-être vers d'autres villes. Peut-être vers d'autres villes, effectivement, tout à fait. Reef City n'est peut-être pas très loin, Ponce City n'est peut-être pas très loin non plus. Mais en tout cas, à Gibraltar, nous allons décider de poser la première pierre de Gibraltar, bien sûr. Dans quel pays se trouve Gibraltar, d'ailleurs? J'aimerais quand même bien qu'on se pose la question. Gibraltar, c'est un... Bah, c'est... Gibraltar est dans quel pays? Normalement, Gibraltar, c'est... Ah non, Gibraltar. Oui, mais on essaie de se rapprocher de Gibraltar. Le Boukistan... C'est le sud de l'Europe. Non, c'est pas... À Chibre. Sur la fameuse île de Chibre. Oui. Gibraltar. Le Chibristan. On peut dire que c'est... Moi, je dirais sud de l'Europe. Évidemment. Le sud de l'Europe, ouais, ça marche très bien. Latin, quoi. Alors, ce que je te propose de faire, c'est qu'on trace nos premières routes. Yes. Pour qu'on puisse un peu... On commence par les infrastructures routières. On va commencer par les routes, par une petite route. Alors, ce que je te propose, regarde ce que tu peux faire. Quand tu appuies sur ta molette, comme ça, tu peux... C'est un peu plus simple, je trouve, quand tu es un peu plus en position zénitale. Oui, d'accord. Vois. Comment tu as fait ça? Hop, tu maintiens sur clic et après, tu... Voilà. Ah, OK. Tu orientes en bas, en haut. Donc là, je vais me mettre au-dessus. Ouais, tu peux te mettre au-dessus et retourne au-dessus de ton carré. Ouais, ça, c'est mieux comme ça. Voilà. OK. Et donc là, tu peux voir. Donc là, l'idée, c'est qu'on se dise que... Prends un peu de recul sur... Comme ça? Ouais. Alors là, tu vois, ce qui est pas mal, c'est que là, tu as une autre route qui est là-bas. Il faudrait connecter. Donc, pour l'instant, tu peux pas parce que tu peux pas acheter ce carré-là. Ah. Donc, ce que je te propose pour l'instant... D'anticiper un peu. C'est que tu prennes une route ici. Comme ça? Exactement. Il y a différents types de routes, ouais, je vois. Différents types de routes. Donc là, tu as les petites routes dans ton premier onglet. Ouais. Au-dessus, tu as un deuxième onglet, tu vas voir ici, exactement. Celui-là. Et là, tu as les routes de taille moyenne. D'accord. Donc ça, on va dire que les petites routes, c'est un peu pour des routes de quartier, des petites servir routes, les petites maisons. D'accord. Exactement. Pour l'instant, on n'a que les routes moyennes, donc je te propose que tu cliques sur route moyenne. Ouais. Tu te prends une grande route, zoome un petit peu avec la molette, tu avances un petit peu. Comme ça? Voilà, exactement, pour qu'on puisse un peu plus voir où ce que tu es. Tu peux zoomer encore, hein, tu peux vraiment beaucoup zoomer dans le jeu. Voilà, avance un petit peu. Et l'idée, c'est que tu me traces une route qui va vers le bord de ton carré. Quoi. Comme ça, au moins, on a une première... Tu peux partir du point de ta route ou de la route qui est déjà là. Comme ça? Non, ici, tu peux commencer là-bas. Ah oui, d'accord. Ah oui. Exact. D'accord, je comprends. Tu cliques, tu maintiens. Et j'emmène? Et t'emmènes là-bas. Ah, oh, mais il ne se passe rien. Attends, clique, juste clique. OK. Voilà. Dézoome un petit peu avec ta molette pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, parfait. Et là, tu peux juste laisser... Il se m'arrête là. Voilà, tu t'arrêtes. Je ne peux pas aller plus loin pour l'instant. Exactement. D'accord. Et je reclique. Exactement. Et là, j'ai créé ma route. Voilà. Et là, tu as une route. OK. Donc là, tu as une première route. Donc là, c'est bien. Tu peux faire clic droit. Voilà, c'est très bien. Ça a désélectionné. D'accord. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, pour simplifier la vie, on va faire un petit rond-point. Comme ça, les gens pourront après. C'est comme dans la vraie vie. Il faut faire la même chose. Ici, là. On va faire plutôt au milieu. Comme ça, ça va desservir le reste de ta ville. Le rond-point. Parce que ma ville, elle sera sur ce carré-là tout autour, seulement. Ouais, exactement. Ou est-ce que je vais acquérir d'autres carrés? Tu vas acquérir d'autres carrés. D'accord. Au fur et à mesure. Ouais. Donc, c'est comme ça. La route qu'on vient de créer, c'est pour un peu anticiper. Okay. Parce que si tu es un peu déjà au bout de ta route, ça va être un peu, compliqué. El famoso rond-point. Nous allons faire un rond-point. On adore les rond-points. Mais c'est une maladie française, ça, il exactement. Paraît. Exactement. Ouais. Donc là, zoom un petit peu sur ta... N'hésite pas à utiliser la molette, qu'on soit un peu plus proche. Okay. Hop. Là, par exemple. Voilà, zoom un peu encore pour que les gens voient bien. Voilà, et tu poses ton rond-point là où tu penses. Ah oui, on voit bien là. Voilà. Effectivement. Ici. Parfait. Ça me paraît pas mal. Nickel. Voilà. Et maintenant, je te propose de prendre de reprendre ta route. Secondaire. Enfin, toujours. Ouais, toujours route moyenne. Moyenne. Exact. Donc d'ici. Exactement. Et voilà. Et tu essaies de dézoomer un petit peu. Voilà. Et là, tu. Et je vais. Et voilà. Je fais une droite. Tu fais une boîte. Une droite. Un bon axe, ouais. Une droite. C'est une ville un peu nord-américaine, donc peut-être un petit peu. Au départ, tu fais carré, un peu plan orthonormé, un peu carré, histoire de. Voilà. Et hop, je clique droit pour désélectionner. Exactement. Donc voilà, donc à partir de là. Et donc maintenant, tu peux passer dans l'onglet Petite Route. Ici. Et l'idée, ça va être de faire nos premiers quartiers résidentiels. Oh, donc peut-être de faire. Les maisons. Exactement, de faire les maisons, d'accueillir les premiers. Comment c'est quoi le gentilé des habitants de Gibraltar? C'est quoi les habitants et habitantes de Gibraltar C'est le chat qui répond, c'est le chat qui les Chibriotes. Les Chibriotes, c'est joli. Les Chibriotes. Ah, les Chibretons. Dans le jeu, vous voyez le nom du compte ou pas? Que j'ai réussi à mettre ton vrai nom de compte. Je vois, non, on voit pas je le vois de la ville de Gibraltar. Non, on voit juste que Gibraltar. Parce que le président de la ville, c'est Mister CH. Ah oui, c'est moi. Mister CH. C'est mon nom quand je joue à Valorant. Mister CH. De Mister CH.
parfait. Parce que du coup, c'est un clin d'œil à ce surnom. Je le rappelle que vous m'avez donné, c'est pas moi qui l'ai choisi. Mm-hmm. Hein, c'est vous, ça c'est votre responsabilité. Mister CH, bien sûr. Et du coup, souvent quand on stream sur Valo, les autres joueurs me demandent d'où je viens. Mm-hmm. Je dis la Suisse. Bien sûr. CH. Bien sûr, CH. Mister CH. Mister CH, donc président des Chibriotes. Excellent. Président des Chibriotes. Donc maison. Ouais, zoom un petit peu avec ta molette, voilà. Oh, et donc, l'idée, ça va être de tirer. Donc là, tu vois, c'est bien parce que là, on a le rond-point. Les gens, maintenant, vont pouvoir venir avec leur voiture. Ils peuvent déjà rentrer dans la ville. Pour l'instant, ils ne peuvent pas s'installer parce que tu vas voir que tu as des cases qui sont de part et d'autre des routes. Ouais. Et l'idée, ça va être d'en assigner des. Il y a trois grands types de bâtiments. Il y a les bâtiments jaunes qui sont les bâtiments industriels, les bâtiments bleus qui sont les magasins, et les bâtiments verts. Et vous voyez en bas à gauche là, tu as les besoins de ta ville, ici. Ça, où ça ? Exactement là. La barre là ? Exactement, c'est la demande. Demande de logement de faible densité. Là, j'ai une grosse demande de logement. Et ça, c'est les bâtiments verts, c'est les logements. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'ensemble, on se dise, on va créer nos premières résidences. Donc je vous propose d'aller plutôt. Peut-être les mettre au bout du carré pour l'instant, tu vois, comme ça on pourra mettre ailleurs les autres zones. Fais quoi, route donc là ou... tu prends une petite route, voilà, route à deux voies. Ok. Je te propose et là tu la mets où, toi ? Moi je pense que on pourrait les mettre peut-être un peu plus loin, peut-être parce que les magasins je les mettrais plutôt proche du rond-point, peut-être plus au fond. Là. Pas près de la mer. En partant d'ici. Ouais. Par là. Ouais, exactement. Donc, tu pars de ta grande route et puis tu me traces quelques petites lignes droites, des petits carrés, histoire de. Est-ce que ça a du sens de faire ça, par exemple ? Comme ça ? Il y a un petit carré à droite, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà. Alors là, tu verras... Ah non, j'ai fait une moyenne, là. Non, c'est non, t'inquiète, regarde. Mais elle est trop grosse, ma route. C'est pas une petite, si ? Si, c'est une petite. C'est une petite, ça ? C'est une petite. D'accord. Pourtant, elle me paraît grosse par rapport à... Non, elle est bien. Tu peux faire clic droit pour désélectionner. Ouais. Alors, tu feras attention parce que... Zoom un peu, tu vas voir. Ouais. Va au niveau de ton intersection entre tes deux petites routes. Ah bah oui, ça va pas là. Non, parce que regarde, ta petite route n'est pas connectée à ta moyenne. Ah, ça va pas ça. Ouais, donc tu prends l'extrémité de ta petite. Là ici ? L'autre côté, celle qui est côté route. Ouais, attends. Voilà. Là. Et tu la connectes, va la connecter avec la moyenne. Comment je fais ça ? Tu vas voir, tu fais clic droit et ça va se coller tout seul, tu vas voir. Et tu tires. En fait, tu prends la pointe et tu dragues jusqu'à... Oh. Marche pas. Fais juste clic, la pointe, tire vers le... Et tu fais là, clic, une fois. Ouais. Après, tu amènes vers la route, la moyenne. Ouais. Mais en maintenant clic. Non, pas maintenant, juste tu cliques une fois. Pardon, c'est moi. Bah regarde, non. Essaye, Théo, parce que moi, ça... Regarde. C'est marrant parce que quand tu l'as dans les doigts, ça semble évident, mais quand tu dois le verbaliser... En fait, c'est ça. Pour tirer une route, c'est juste un clic. Ouais. Pour désélectionner, c'est clic droit. Ouais, ça, ok. Et là, du coup, tu vois, je fais... Ça, je l'ai pas, le petit coup de main, là. Hop, le petit coup de main. Et puis, tu vois, je zoome ici pour bien connecter. Ah, excuse-moi, je n'allais pas jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Il faut aller jusqu'au... Exactement. Je m'arrêtais, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. À la bordure. Ouais, exactement. Ah, ok, bien sûr. Et tu verras, c'est bien fait parce que, du coup, ici, on a une... Il y a des feux et tout. On a notre première intersection, on a les feux. On a les passages cloutés. C'est génial. Et on peut tout gérer. Alors, on ne peut pas encore tout faire parce qu'on n'a pas tout débloqué. Mais donc, on pourra, si on veut enlever les feux rouges, on peut enlever les feux rouges. Si on veut que ce soit des stops, des priorités à droite, ça, on peut faire. Ou des ronds-points, on peut faire exactement ce qu'on veut. Ensuite, si tu veux, tu peux faire des routes aussi courbées. Donc, ça, c'est tu tires ici. Oh, un avion. T'as un avion, exactement. Mais là, on pourra même avoir un aéroport plus tard. Donc, là, par exemple, tu peux faire des trucs un peu courbés. Ouais. Tu cliques une fois ici et après, tu vois, ça te fait des courbes comme ça. Donc voilà, donc c'est très... Alors, il faut prendre le petit coup de main, mais une fois que tu as compris un peu le truc... Voilà, mais... Donc là, tu as les différents types de voies qui sont ici. Donc moi, j'utilise principalement les deux premières. Okay. Les deux premières. On va rester pour l'instant sur la et droite. Et les bandes vertes de part et d'autre de la route, c'est quoi ? C'est toutes ces petites cases, ces petits carrés ? Et bien justement, c'est... C'est là où on pourra mettre les logements. C'est là où on pourra mettre les logements, regarde. Ici. Donc là, j'ai appuyé sur... Hop, tu vois les petites zones ici, donc je vais te laisser faire. Tu vois, tu as les petites zones, donc le petit carré de couleur où j'ai cliqué. Donc là, ça t'ouvre le menu. Ouais. Donc ça, ce menu-là, exactement, c'est le menu logement. Et pour l'instant, j'en ai qu'un. Et tu as des zones commerciales. Zones commerciales, c'est tout. Donc, c'est ce que je disais, et tu as les zones industrielles. Mais là, la demande, elle est clairement de logement. Elle est clairement, donc pour l'instant... Donc je clique. Tu prends ça. Je zoome. Tu zoomes. Et ce que je te propose, c'est que tu vas utiliser le petit... Tu sais, tu as le pot ici, qui remplit automatiquement. Ça, là. Et tu vas prendre plutôt ça. Ça. Celui qui est juste à côté, exactement. Okay. Et tu vas prendre ce carré-là. Tu l'as ? Ouais, et tu vas me tirer, comme si tu voulais encadrer, sélectionner sur Windows ou quoi, tu maintiens et tu ouvres en entier là.
Par exemple, tout ça ? Exactement. Tout ça, c'est des logements. Tout ça, ça va être des logements. Ça, c'est parti. Et il en faut des logements. Il en faut. À Gibraltar, il faut des logements. Et là, il y a une grue qui apparaît. Des grues qui vont apparaître. Donc là, on va avoir les logements. Mon premier programme immobilier. Exactement. Refait aussi de l'autre côté de la route. Pareil. Pour avoir un autre, le deuxième programme immobilier du président de Gibraltar. Un peu équilibré. Voilà. Attends, mais je crée des logements. C'est très bien, exactement, ça. Exactement. Ouais. Tu crées des logements. Service de l'eau. Nous rencontrons actuellement des problèmes de pression d'eau. Veuillez patienter. Tout à fait. Alors, mets sur pause un instant. Alors, comment on fait ça? Tu vas en bas à gauche. Ouais. Le bouton bleu. Là. Exactement. Ah, on peut poser le jeu. On peut mettre en pause. Pour réfléchir. Là. Ok. Là, tu vas avoir des gens. Sauf que actuellement, les gens là. Ils ont pas d'eau. C'est un président, ils n'ont pas d'eau ni électricité. Pop. Ça va être insalubre. Hein. Vous voulez créer des choses insalubres, monsieur le président? Vous voulez loger des gens qui n'ont pas les moyens dans des taudis? Dit comme ça, non. Dit comme ça, non. Pas ça. Donc comment on va faire? Après, il y a des pays où... Il y a des pays où ils le font. Nous, nous ne le levons pas à Gibraltar. J'adore. Les chibriotes ne veulent pas, veulent avoir de l'électricité et veulent avoir de l'eau. Enfin, je crois dans le chat, hein, vous me dites... Et la fibre pour pouvoir jouer. Tu sais que tu peux avoir des antennes 4G et tout, hein, dans le jeu? Yes. Pour jouer. Et la fibre, ça me va sans, oui, bon, on verra plus tard. Donc tu vois, tu as l'onglet route en bas, tu as déjà pas mal utilisé. Ici là, ouais. Ouais. Tu as l'onglet, petit éclair, donc il y a l'onglet électricité. Et là, il y a l'eau. Exactement. Je commence par quoi? Je propose qu'on commence par l'électricité, on peut commencer par l'électricité. C'est génial. Donc là, dézoome un petit peu avec la molette. Ici là? Ouais, exactement. Donc là, tu vois, ce qui est en jaune, c'est ton réseau électrique. Ok. C'est un délire, c'est énorme ce qu'on est en train de faire. On est dans le BTP en fait. Les gens proposent de mettre la fibre optique. Oh oui, la fibre optique bien sûr. 4 fois plus rapide que la fibre. Hein. La fibre optique. On veut. Donc là, dézoome au max, dézoome un peu pour que les gens se rendent compte. Donc le réseau électrique, c'est très bien fait. C'est en jaune Skyline, là. C'est en jaune. Donc on voit exactement. Le long de la route pour l'instant. Passe par la route. Principalement l'électricité. Enfin, la rue a été baptisée rue des Saules. Tu peux renommer tes villes, tes rues si tu le désires. Voilà. Rue du Chibre, rue de Gibraltar. C'est quoi la fête nationale de Gibraltar? La fête municipale? Déjà, c'est le 20 mai, c'est le jour de mon anniversaire. Ok, donc ce sera le 20 mai. Donc tu mets route du 20 mai. Route du 20 mai. On verra. Il va renommer. Rue de la Gaule, oui, bravo. Oh, oui, bravo, rue de la Gaule. Fait, là. Alors, comment je fais? Là, relie. Alors là, il va falloir relier, mais pour ça, alors dézoome un petit peu que je vois un petit peu où est-ce que tu en es. Il y a les poteaux. Tu as le poteau. Câble électrique, ligne haute tension, tu as différents types de lignes. Tu as la station de transformation. Donc ça, la station de transformation, par exemple, là, tu as tout à droite, tu as une petite centrale à charbon. Ouais. Et en fait, la haute transformation, elle permet, le réseau de transformation, le petit boîtier électrique que tu me demandais, ça permet de transformer l'électricité en haute intensité, en basse intensité pour les logements. Comme dans la vraie vie. Exactement. Donc là, tu as principalement le choix pour ton réseau électrique, soit éolien, soit centrale à charbon, qui ne produit plus facilement, mais qui n'est pas accessible encore. Si, tu as la petite centrale à charbon. Ah, la petite, là. La petite centrale à charbon est disponible. Donc, c'est soit éolien, soit centrale à charbon. Tu me disais, charbon pollue plus. Pollue plus, mais plus stable en termes de rentabilité électrique. Ah ouais, mais bon. C'est toujours la même question. Non, mais à notre époque, aujourd'hui, Théo, c'est vrai que l'éolien, il faudrait un mix. Il faudrait un mix énergétique. Comme on dit. Donc, ce que tu peux faire, tu peux prendre une éolienne, par exemple. Pour commencer. Clique sur l'éolienne. Okay. Tu vas voir, là, je le zoome. Ouais. Dézoome un petit peu pour qu'on voit. Et donc là. Toi, t'as les flèches qui te montrent le sens du vent. Non. Et t'as de la chance parce que toi, t'as du vent. Mais c'est terrible. Toi, t'as du vent. C'est formidable. Où est-ce que je peux la placer? Alors, trop près des habitations. Pas trop près des habitations. Les gens sont pas contents. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on les mette pas loin de la côte. Mais oui, bien sûr. Pas loin de la côte, ça. Donc à gauche, là. Dans ton carré. Attends, là. Où la côte? Dans ton carré là-bas, là. Ici, là. Ouais. Donc tu peux, avec tes touches, tu peux nous emmener vers la côte. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Alors du coup, là, tu produis. Là, t'as un taux de rentabilité qui est énorme parce qu'elle produit maximum 5 mégawatts l'éolienne. Ouais. Là, comme t'as dit. Mais je suis quasiment. Ah, attends, quasiment au maximum. Et ça varie? Oui, selon là où tu poses. Attends, ça veut dire que si je la mets dans l'intérieur des terres? T'as plus, là. J'ai plus. Ouais. Et après, c'est toujours à réfléchir. Est-ce que. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas mettre sur la côte? Est-ce que après, tu vas mettre. La Riviera avec une petite machin, donc est-ce qu'on le met sur la côte? Tu vois, il faut un peu prévoir aussi. Tu moi, vois, je pense qu'il faut, moi, je dirais à l'extérieur du carré, tu vois. Bon. Tu peux pas me poser à l'extérieur du carré parce que. Non mais je veux dire en bord, tu vois. En bord de carré. Moi, je dirais, faut pas niquer la côte. Peut-être le long de la route. Là, j'ai un bon moment. Le long de la route, c'est pas dérangeant. Ouais, mais tu vois, la route, elle va se poursuivre là, je peux dire là. Donc là, on se garde une plage. Donc là, on se dit, on garde la plage pour les gens qui auront les moyens, histoire de. Et on a un rendement de fou, là. 5 mégawatts. Là, tu t'en mets 2, là, tu t'en mets 2-3. Je clique. Ouais, exactement. Là. Tu peux en mettre une autre. Attends, on est toujours à 5 mégas, celle-là?
Ah, attends, je peux ou pas? Là, tu peux. Ils me disent que c'est chevauchement d'éléments. Ah, chevauchement d'éléments. 5, ouais. Bah ça, voilà. 2. Parfait, t'en mets une troisième. Une troisième. 5 mégas. T'as, j'ai un rendement de fou là. Et là, t'as 15 mégawatts du coup. C'est là, bon en fait. Bien. Là, c'est bon. Est-ce que la charbon, elle m'aurait donné combien? Charbon, vas-y, va sur le truc de charbon. Elle t'aurait donné. Si je la place. Bah, elle est pas. Elle, ça dépend pas du vent, donc du coup, ça va se voir autrement, mais il faut, faut que tu cliques sur le menu pour te. C'est ici là. Pour qu'ils te disent combien ça t'aurait donné. Combien? Production. 20 mégawatts. Ouais, 20 mégawatts. Donc tu vois, ça t'aurait. Là, donc 4. Mais là, j'ai 15 mégawatts. Est-ce que c'est fluctuant ou pas? C'est de l'éolien? Alors, normalement. Normalement, non. Non, c'est. Moi, par exemple, sur ma partie, ouais. J'avais aucun spot pour les éoliens. Du coup, j'étais obligé de partir sur du charbon. D'accord. Donc ça. Ah. Ça je peux te dire que. T'as le prix aussi, tu vois. Ouais, exactement. Là, c'est 100 000 à l'achat et t'as un entretien de combien? 70 000 par mois, c'est cher. Ouais. Et l'éolienne, 25 000 à l'achat. C'est 15 000 par mois. Et 15 000. Mais t'as plus d'éolien, parce qu'elles produisent moins à l'unité. Elles produisent moins, donc tu as 4. T'en as 4 pour le prix d'une centrale de charbon. Exactement. Donc. En fait, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, ouais. C'est plus écologique. Mais c'est plus écologique. Moi, c'est vrai qu'on n'avait pas le choix. Les écolos ont pas mal gueulé quand on a dit qu'on pouvait pas mettre de l'éolien, tu vois. Donc là, d'ailleurs, j'ai la représentante des écolos qui est dans le chat. Et elle a pas mal gueulé parce qu'on pouvait pas mettre de l'éolien parce que ça marchait pas, en fait. Est-ce que là, est-ce qu'il faut que je relie ces éoliennes au réseau électrique? Oui, logiquement, oui. Je relie les éoliennes. Donc pour ça, t'as le câble électrique. C'est ça, hein. Exactement. Je te propose de zoomer un petit peu pour que tu vois mieux. Voilà, rapproche-toi des éoliennes, zoom un petit peu dessus. Voilà. Voilà, parfait. Et là, non, là, il faut que je fasse une route, du coup. Alors, ce que tu peux faire, déjà, tu peux prendre le câble, tu relies tes éoliennes entre elles. Ouais, exactement. Donc, un espèce de. Comme ça? Ouais, exactement. Tu peux relier comme ça. C'est bien ce que j'ai fait. Alors, prends le temps de. Parce qu'en fait, tu as un système toujours un peu. Dans les éléments sur cette escalade, tu as une forme d'aimant qui fait que. Essaie d'abord de relier un élément après l'autre. Ah oui. Et le jeu, en général, arrive à comprendre. D'accord. Là, bon, là, je recommence. Donc là, tu fais la première avec la deuxième. D'accord. Bien dessus. Maintiens pas ton clic forcément. Tu cliques une fois. D'accord. Et après, ça vient le. Ah. Et là, est-ce qu'elle est reliée là? Alors, je là, là, elle est reliée peut-être. Je vais zoomer un tout petit peu. Ah oui. Voilà, comme ça on voit mieux. Là, elle est reliée. Là, elle est reliée. Donc, je clique. Ok. Ah, attends, ça va pas relier. Non, ça va pas relier. C'est un peu. Voilà, c'est... clique une fois. Hop. Là, ah, non. Pas le c'est clic gauche, hein. Ouais, c'est clic gauche. C'est clic ah ouais. Gauche. Marrant. Peut-être qu'il faut dépasser un petit coup. Non, vas-y. C'est une sorte de force à mettre dans le doigt, peut-être. Tu vois, il y a un truc chelou. Chevauchement d'éléments, ça dit. En fait, tu pars d'ici à d'ici. Ouais, faut bien partir. C'était peut-être mon départ qui était problématique. Qui est pas bon. C'était mon départ qui était pas bon. Tu vois, tu fais pas l'arrivée. Ça. Et tu peux même faire. Donc là, tu vois, là, tu l'as mis en dehors du hors sol. Tu vois ton câble. Ouais. Avec les boutons page up et page down. Ouais. Tu peux enterrer tes fils. Tu vois, c'est que ces deux boutons là. Ok, ok. Tu peux les enterrer. Et en fait, ça c'est des boutons importants parce que c'est les boutons hauteur, que ce soit pour les routes, pour les câbles, pour tout ça. Donc là, tu vois, tu peux prendre le câble ici et le relier. Ah oui, t'as pas besoin de construire une route. Exactement. En fait, tu fais ça et hop, je suis relié. Et ça aussi, ça a un coût ou ça va? Le câble, c'est zéro. C'est zéro. C'est des trucs que sinon... Donc voilà, donc ça c'est bon pour l'électricité. D'accord. On y est arrivé. Donc là, on a 15. Là, Gibraltar possède de l'électricité. Ok. Est-ce qu'on nationalise l'électricité ou pas? On verra plus tard, évidemment. On peut faire ça? Non. Dans le DLC Rivenzy et politique, oui. Dans le jeu de base, on ne peut pas. Donc là, j'ai mes maisons ici. Donc l'électricité, c'est bon. Maintenant, il y a l'eau. Donc okay. Tu as le petit onglet eau juste en dessous. Qui est. À côté de l'électricité en bas, regarde. Là. La route. Ici. Exactement, parfait. Qu'est-ce qu'on va créer là? Alors. Canalisation d'eau. Exactement. Donc, regarde les routes, c'est pareil que pour l'électricité. Tu as un tuyau d'eau et un tuyau d'évacuation d'eau usée. Ouais. Et un tuyau combiné. Exactement. Pas mal ça. Donc, moi, j'utilise tout le temps les tuyaux combinés. Bah oui. Juste comme ça, c'est plus simple. Alors, il faut de l'eau, donc il faut une station de pompage des eaux. Exactement. Il nous faut une station de pompage des eaux. Donc, clique sur la station de pompage des eaux. Le château d'eau, c'est. Et tu as une station de pompage des eaux et tu as. Regarde à droite, tout à droite, l'autre, tu as l'évacuation des eaux usées. Ça aussi, il faut. Exactement. Et ça, c'est... Ça fait des dépenses. Exactement. Donc, il nous faut les deux. Donc, il y a Master Symmetry, installer l'eau, je suis obligé de boire mon urine depuis 3 jours. S'il vous plaît, il faut qu'on se dépêche. Donc, je te propose de commencer d'abord par le station de pompage d'eau. Ouais, ok. Ça tombe bien, tu as un accès à la mer, donc, à l'eau, donc c'est celui-là, exactement. C'est là, hein. 25 000 dollars, punaise, ça coûte cher. L'extrait de l'eau d'un lac ou d'une rivière. Exactement. La chemine vers la ville par des conduites d'eau peut être améliorée grâce à une pompe supplémentaire, ok. Tout à fait. Donc tu cliques. Bon, là, c'est de l'eau douce ou c'est de l'eau salée?
Ils mettent de l'eau douce à chaque fois. D'accord, ok. Alors, zoom un petit peu pour voir. Alors, tu verras que c'est important. Tu vois, tu as des petites flèches dans l'eau, là. Ouais. Ça, ah, c'est oui. Le courant. Ah, donc courant il faut très important, ah, bah oui, faut notamment pour l'évacuation des eaux usées. Oui, oui. Parce que si tu envoies tes eaux usées vers ta station de pompage d'eau, ouh. On peut avoir des problèmes. Ah, malin, malin. Donc, là, tu poses ta station d'eau, voilà, tu peux en poser pour une. Pour le pompage, ça va, là. Très bien. On est bien, là. Pose ça ici. OK. Là, il n'y a pas une histoire de... Pour l'instant, ah, tu regarde, peux poser si. Ça ici. Selon sa position... Elle peut récupérer de l'eau, ouais. Ouais. Là, je suis au maxi, par exemple. 100 000. Tu peux poser ici. Tu vois ? Je suis au top du top, là. T'es au max. Je pose. Parfait. Service de l'eau, l'eau coule à flot. Il y aura bientôt de l'eau potable dans toute la ville. Encore très bien. Il l'a raccordé. Exactement. Donc, ce que tu peux faire, c'est prendre ton tuyau... double ton tuyau... Ouais. Il te demande un tuyau... Non, là, il te demande un tuyau simple. Ah bon ? Donc, tu peux prendre un tuyau simple. OK. Et comme pour l'électricité, c'est la même chose. Je relis au réseau. Tu relis au réseau. C'est tout. Exactement. Donc là, je m'applique, je clique bien. Là, ça me paraît pas mal. Et là, je relis exactement. Ici. Exact. Je m'applique. Ça a l'air haut. Ça a l'air okay. Tu peux zoomer un petit peu pour mieux voir. Je ne vois pas très bien. Comme ça, tu... Voilà, pour bien... Ça va créer des nœuds, tu vas voir. Voilà. Tu peux mettre même au milieu, c'est là parce que je pense pas. Comment ouais, ça là, t'es sûr, là, c'est bon. Là, je suis bien. Hein. Ouais, là, t'es bien. Clique, voilà, parfait. Donc là, c'est relié. Donc là, clic droit pour quitter. Parfait. Tu peux dézoomer un petit peu avec la molette. Donc là, c'est bon. Donc là, on est relié normalement. Attends, quoi qui me dit que t'es pas relié encore ? Zoom un peu là-bas pour voir. Ouais. Parce qu'ils peuvent être un peu... Zoom un peu parce que non, tu vois, t'as un tout petit peu raté. Oh, merde ! Regarde, le nœud, là, tu peux cliquer. Des problèmes de nœud à Gibraltar. Exactement. Dans la station, ça commence à faire beaucoup. C'est sans fin, c'est sans fin, les jeux de mots. Dans la station de pompage, on a un problème à Gibraltar. Ça commence à être compliqué. Donc là, je peux corriger ? Ouais, tu viens toi. Ici ? Exactement, clique. Ouais. Tire-moi ce gros câble là sur Gibraltar, je t'en conjure. Et là ? Et là, tu peux venir le connecter là, tu vois, pour le coup. Voilà. Parfait. Ici ? Exact. Là ? Ouais. Voilà. Parfait. Ok. Donc là, normalement, tu es Là, c'est bon ? Lié. Quoi ? Il faut que tu mettes une route aussi. Faut que tu mettes une c'est pour ça qu'il y a un truc avec une exactement, route qui vient là. Pourquoi il faut une route ? Parce que pour venir entretenir, pour que les gens puissent venir entretenir Ça, c'était. Il n'y avait pas besoin dans le 1. Mais c'est beaucoup de soucis, beaucoup de soucis. C'est beaucoup de soucis, monsieur. Mais oui, monsieur le président, si vous voulez briguer ce mandat, il va falloir prendre. Ah oui, là on voit, on la voit bien. Là. Exactement. Donc là, il faut se créer une route. Tu prends une route, voilà. Une route quoi, à deux voies ou une route. Ouais, une route normale. Une petite route. Une petite route, c'est largement suffisant. Petite route. Monsieur le président. Et donc, oui, parce que le budget. Exactement. Allez, tirez-moi cette route de la station de pompage. Donc là, je relis à là, par exemple. Ouais, tout à fait. Hein ? Donc je zoome pour faire la chose proprement. Tu prends. Tu crois là c'est ici, c'est pas mal là. Je pense, ouais. Voilà. Et. Tu peux dézoomer avec la molette. Un petit peu, là, et on peut relier. Ici, qu'est-ce qu'on pense ? Ouais, c'est très bien. Je suis peut-être un peu trop loin là. Parfait. Ça me paraît pas mal là. Ah, non. Ah. Chevauchement d'éléments, ça te dit. Mais là, ça chevauche. Quoi ? Non, c'est parce qu'il dit ses chevauchements d'éléments là-bas, là, regarde, ça s'affiche en rouge. D'accord. Est-ce que tu dois chevaucher un élément ? Alors attends, je vais regarder. Ah, parce que ça juge que tu chevauches l'arrivée, alors attends. Des fois, il faut être un peu tatillon sur le départ, voilà, ici. Tu vois, là, t'étais ici. Ouais. Là, ça te dit chevauchement, il faut être juste devant, là, tu vois. Mais t'étais bien, sinon. Et donc là, parfait. Et donc ici, normalement, c'est relié, c'est bizarre qu'ils te mettent que le... La station de pompage à pas relier. C'est quand même étonnant cette histoire. C'est quoi, je vais te mettre un truc ici. Ah mais parce que t'avais... Excuse-moi. Hop. Ces petits câbles... Hop. C'est plus propre quand tu le fais toi, hein. Bon écoute, ça dépend, hein. Là je le fais parce que ça me plaît, mais d'habitude on le fait vraiment à l'arrache aussi, hein. Théo, il est allé dans la pièce du fond où je stream le matin. Il a vu le câble management. Et en fait, ça ressemble un petit peu à ce que je suis en train de créer ici, quoi. Ouais, non, mais tant que t'en fais pas, ça fera l'affaire. Donc là, on a créé la station d'eau potable. Excellent. Là, la station d'eau usée. Là, il faut qu'on regarde parce qu'il ne faut juste pas... Alors là, c'est le... Là, c'est le sale. Il ne faut pas que l'eau usée aille vers la station de pompage. Très mauvaise idée que je mette la station ici, par exemple. Ah bah, c'est gastro. Là, ce serait dramatique. C'est gastro pour tout le monde. Écoute, la maladie, etc. Ouais. Là, on voit que le courant part par là. Ouais. Donc, je te propose qu'on puisse le mettre, qu'on le mette ici en attendant. On pourra déplacer plus tard quand on voudra faire la plage, etc. Bah oui, c'est etc. ça, oui. C'est pas grave. Non, pour l'instant, pour l'instant, on est pas trop en mode rivière. Step by step, comme on dit. Et là, tu crées... Hop, et donc là, je crée le petit câble... D'eau usée. D'eau usée, et je le relie au réseau d'eau usée, et on est bon. Okay. Donc voilà, donc maintenant, nous avons
l'eau fraîche, l'eau usée. Ouais. Assez éloigné l'un de l'autre. Assez éloigné l'un de l'autre. C'est bien et ça. Plus tard, on pourra le mettre plus tard, tu vois, par là. Parce que là, tu vois, tu as du courant dans la rivière ici et ça pourra s'écouler par là-bas. Donc pour l'instant, on est bon. On est bon. Donc là, pour l'instant, tu as maintenant tout ce qui est infrastructure, c'est lancé. Donc maintenant, on va dire que là, tu vois, tu peux remettre play ici. Ah oui, parce qu'on avait, gelé. Exactement. On avait gelé les constructions. Et donc quel est l'intérêt de faire pause là dans le jeu? L'intérêt de faire pause, c'est. Là, on a relancé. Et l'intérêt de faire pause, c'est de pouvoir. Tu vois, quand il y a des gros manques, bah, typiquement d'eau, d'accord. Tu vois, et ben, on n'arrivait pas à régler ce problème-là. Parce que le temps passe. Exactement. Et c'est gênant quand le temps passe. Quand le temps passe, c'est gênant parce que ben, tu vas perdre de l'argent et les gens ne vont pas s'installer. Et des fois, si tu ne résous pas les problèmes, par exemple d'eau, les gens viennent de s'installer et si tu n'écoutes pas leur demande, ben, à un moment donné, ils vont se dire ben, on se casse. Ça râle. Et donc, ça râle et ça rase la maison. Et alors, c'est une façon, pas de tricher, mais c'est une façon un petit peu de prendre le temps. Il n'y a pas un mode de jeu où justement on peut pas freeze. Pour que justement on soit sanctionné quand on joue trop lentement comme moi. Non, on peut faire pause. Exactement, tu peux tout le temps faire pause. Par contre, il est un peu capricieux ce tuyau. Parce qu'il veut pas se connecter à. Je me suis fait refourguer une station de pompage de gaz. Elle est mal qui, tissue, cette qui marche pas. Je te jure. Ou alors j'ai fait un truc qui. Ça c'était tu vois typiquement sur le premier c'était un peu plus simple je trouvais de gérer le... Ah, c'est bon. Non ? Tu vois, il faut connecter ça à ça, et des fois... Ouh. Si, c'est bon. Non, regardez. Non. La route va pas jusqu'au bout, on dirait. Si, elle va jusqu'au bout, mais... Mais c'est juste que... Parce qu'en fait, je vois que mes gens, tu vois, typiquement, je croyais que c'était branché, mais je vois que les gens demandent toujours de l'eau. Donc, je me dis, ah, donc ça bizarre. Va pas. Donc ça va pas. C'est-à-dire qu'on a un problème de connexion ici. Mais, tu vois, je vois qu'il y a le nœud ici, qui est là. Ah, c'est une question de hauteur. Ça peut être une question de hauteur. Ah. Je suis au max. Hein. Tu vois, je peux baisser un peu la hauteur. Et pourtant, j'ai toujours le souci. Reconstruire la pompe. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais reconstruire la pompe. Hop, parce que ça me veut pas. Monsieur le maire, monsieur le président, on doit refaire la pompe. Est-ce que ça veut dire que j'ai dépensé? Vous avez récupéré votre argent. Ah, j'ai récupéré. Ne vous inquiétez pas, elle était frauduleuse. Nous avons, moi, j'imagine bien la seconde position, quoi. Ok, monsieur le maire, vous avez construit une station de pompe qui est frauduleuse, pompe, voilà. Etc. Bien sûr. Non, mais c'est bon. Elle a duré 24 heures, quoi. Avec l'argent de la ville. Voilà, c'est bon. Elle a été. C'est bon. Normalement, c'est bon. L'eau est arrivée. Ça râle plus. C'est bon, ça ne râle plus. Ça ne râle plus. Donc, on est bon. Donc, ça, tu as créé tes premières. Et là, ça construit. Exactement. Donc, là, ça construit. Et si on zoome, on va peut-être voir quelque chose. Tout à fait. Hop. Le contribuable, exactement le contribuable. Donc là, ça construit, il y a des petites maisons qui sont en train de se faire, ça va prendre son temps. Okay. Si on veut, tu vois, en bas à gauche, donc tu peux faire pause. Ouais. Tu peux aussi accélérer le temps si tu as envie. Okay. Tu as trois niveaux de vitesse pour aller plus vite. Si tu as envie que ça se construise plus vite pour voir les maisons. Ah bah on voit là, ça commence exactement, à apparaître. Ça commence à apparaître. C'est trop bien. Ouais, ça commence à être pas mal. Alors l'étape d'après, après, c'est alors quoi? L'étape d'après, je te propose. D'autres maisons. Tu peux faire d'autres maisons. Ouais. On peut peut-être de l'autre côté. Regarde, de l'autre côté, je vois que tu as des carrés qui sont disponibles dans les petites routes. L'idéal, c'est de faire les maisons résidentielles, les petites maisons résidentielles autour de petites routes. Tu vois, ma première voiture. Exactement. Là. Les gens s'installent. Là. Merveilleux. Oh, les gens s'installent. Fais clic droit sur la route pour voir. Là. Ok, ça fait rien. Juste pour que tu puisses bien voir les maisons, parce que là, tu as encore le quadrillage. T'as vu, regarde, il y a une voiture qui s'est installée. Ils commencent à venir, les gens, ça y est. J'adore. Ils arrivent. Parce que... Voilà, on voit mieux. Voilà, les premières maisons, elles sont là. Oh, c'est les grandes maisons, quand même. Ça, c'est les grandes maisons. Là, c'est les gens qui ont les moyens, quand même. De plein pied. À Gibraltar, les gens ont les moyens. En tout cas, on est plutôt dans la haute tranche pour les impôts, du côté de Gibraltar. Il y a Lenny McCoy qui me parle, c'est qui Lenny McCoy? Ça, c'est les habitants. Ils utilisent Twitter pour faire des demandes, pour dire comment ça se passe dans la ville. Donc, en général, c'est toujours assez sympathique. Ça a construit très vite. Hein. Ça a construit bien. Donc là, tu vois, tu as 12 rue des Saules. Le nombre de résidents. Exactement. Voilà, là, il y a plein d'informations qui vont être données. Tu peux te balader un peu sur les informations, tu vois, à gauche. Donc, tu as la maison. Là, c'est quoi le niveau de satisfaction? Voilà, pour l'instant, ils sont neutres. Neutre, OK. Après, tu as un autre menu en dessous. Donc là, au-dessus, ah, c'est
Donc ça, c'est les adresses ? Exactement, c'est les adresses. Le membre du ménage, il y en a trois. Là, tu as les différents habitants, tu as les travails des habitants, où est-ce qu'ils travaillent, où est-ce que machin. Et donc, ça te permet de gérer ta ville au fur et à mesure. Donc, tu as l'âge, plutôt adulte, éducation peu instruite. Mais du coup, tu vas pouvoir construire des écoles. Employés, ben, exactement. Incroyable. Lini. Donc ça, c'est Lee McCoy qui parlait tout à l'heure. Là. Exactement. Ah, c'est une famille, en fait. Tout à fait. Voilà, c'est une petite famille de trois personnes qui sont dans ses premières maisons. Okay. Donc au début, on fait très attention, évidemment, aux gens, quelle personne est là. Au fur et à mesure, quand tu commences à avoir des villes de plusieurs centaines de milliers d'habitants, on voit les choses un petit peu autrement. Ah oui, ça va être la station de pompage. Bah, exactement. Bah, oui. Il n'y a que des gens de la station de pompage pour l'instant. Ah oui. Ah oui, ça, on l'a vu, ça ? Ou pas ? C'était marqué, en vrai ? Tu peux pas voir où il travaille, Non, c'est pas encore poussé jusque-là, c'est genre l'entreprise dans laquelle il bosse, dans quel domaine. Est-ce que le maire a une maison ? Bah, je pense que oui, je me suis réservé la plus belle. Celle qui est avec les panneaux photovoltaïques. Où il y en a une là ? Attends, il y en a une piscine là ? Ouais, il y en a une qui a une piscine. Voilà, déjà. Ça peut être là. Ah oui, mais attends, on voit que dès le début, il y a un petit peu de piscine. Si c'était marqué. Ah, c'était marqué carrément. Oh, incroyable. Trop stylé. De quoi ? C'était marqué où on voyait les gens travaillaient. Ah, oui, c'était écrit. Loyer élevé. Les occupants de l'immeuble ont des difficultés à payer leur loyer. Pour l'instant, parce que tu n'as pas encore... Pas les emplois. Par exemple, tu vas voir qu'on va pouvoir développer au fur et à mesure la ville. D'accord. Ce que je te propose, c'est que, tu vois, reprends le petit Rubik's Cube, la petite case Rubik's Cube. De l'autre côté, je vois que on peut réinstaller d'autres maisons, par exemple, ouais. Parce que tu as toujours une demande de loyer qui est importante. Ok. Donc reprends, des maisons, et refais-moi des petits quadrillages de l'autre côté de la route, là-bas. Je zoome, là. Exactement. Peut-être un peu plus loin. Ici, là. Un peu plus loin, regarde, là, t'as des carrés, voilà, typiquement. Tout ça, par exemple. Ouais, tu peux faire tout ça. Tout ça. Parfait. Ça enlève des arbres ou pas, quand je fais ça? Oui, ça va enlever des arbres. Ah. Mais c'est la vie. Bon, d'accord. C'est, okay. C'est l'aménagement, monsieur. C'est l'urbanisme. Hein. Je peux pas regarder un arbre, tu vois, et faire mon tour. Si tu as envie, mais bon, ça, tu pourras replanter des arbres, d'ailleurs, si tu as envie. Ah. Tu pourras replanter. D'accord. T'en fais pas. Chaque arbre sera replanté. Ne vous en faites pas. Ah ouais, j'aimerais bien. Et tu peux englober les deux parties de la route en même temps, si tu veux. Regarde, tu peux faire le pareil, mais de l'autre côté. Comme ça ? Exactement. Comme parfait. Ça. Voilà. Et ça te fait. Et ça y est, et les grues, c'est reparti. Et les grues, c'est reparti. Et donc, tu vois, t'as ta jauge de demande immobilière qui a baissé. Ça veut dire que voilà, on va dire que c'est laquelle c'est celle qui était au-dessus, c'est la barre verte. Ah oui, elle a baissé, puisque maintenant, vu que tu as répondu aux attentes, c'est bien. Par contre, j'ai une grosse demande commerciale. Une grosse demande de commercial, de magasin. Ouais. Et industriel, ça commence aussi. Et ça commence aussi industriel. Donc, je te propose que magasin. On utilise peut-être cette grande allée. Ouais, ici, tu parles de... Même recule encore un petit peu, je pense. Tu parles de quoi, la grande route, là ? Ouais, la grande route, je te propose que peut-être tu fasses quelques petites zones de... Mais oui. Voilà, tu peux mettre ici, par exemple, tu peux remplir ce carré-là et tu nous fais un premier carré de magasin. Juste un carré ? Ben non, tu sais, une zone, tu tires comme pareil que pour les maisons. Aussi grosse que ça ? Pareil. C'est pas surdimensionné, là, c'est bon ? Tu peux faire plus grand, en vrai. Ouais. Parce que là, ta barre qui est bien remplie, il faut pas hésiter. Mais je peux faire de côté de la route ? Oui, tu peux faire de la route. Fais comme tu le sens. C'est toi qui fais là où tu as envie de mettre tes petits carrés. Moi, j'aime bien que c'est un petit peu géométrique. J'aime bien. Il commence déjà à avoir son petit truc. Ouais, t'es bien rangé. Tu commences à donner la team géométrique. Bah, tu peux faire même le carrefour. Tu peux faire une sorte de carrefour de carrefour de magasin. Carrefour market, quoi. Exactement. Là. Petit carrefour de magasin. Du coup, est-ce que ça va faire baisser ma jauge ? Oui. Oui, ça fait baisser ma jauge de demande de commerce. Et on voit les premiers magasins de Gibraltar. Qu'est-ce que c'est les premiers magasins à Gibraltar ? Bah, j'ai des idées, mais... C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces premiers magasins ? Ah bah non, mais c'est alimentation. Pour les chibriotes. Ah, moi, je sais pas, mais l'hiver, j'ai envie de bouffer non-stop, quoi. Je ne pense qu'à ça, du gras, du sucre, galette des rois, cette année, c'est la fête. Toi, t'aimes bien la galette des rois, la frangipane et tout ça ? Ça dépend lesquels. Ouais, moi, je suis pas très galette des rois, tu vois, pour le fond. Qui est venu ici ? Attends, j'ai une invitée qui est venue avec une galette des rois maison, K.O. Oui. K.O. est venue me faire découvrir. Wow. Attends, le jeu, c'était... Oh, incroyable. A Plague Tale. Ouais, A Plague Tale. Très bien. A Plague Tale. Très bon jeu. Et à un moment, elle vient avec une... Joe me dit, elle a une surprise pour toi. La surprise, c'était une galette des rois. Je dis, waouh. Trop bien. Et à un moment, elle me dit, mais je l'ai faite. Ah, elle l'a ça c'était fait maison, ok. Elle l'a faite. Très bien. Et donc, elle avait une espèce de... Donc là, à l'intérieur, donc aux amandes, mais crème pâtissière. Wow. Un peu fouetté, un peu léger. Pop, 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 pop. Voilà, excellent. Moi, je ne sors pas de l'hiver. Queen Yaman, en ce moment, je suis en Queen Yaman. Ah, le Queen Yaman, là, c'est excellent. Tout ce qui est un peu grand. Là, hier, on s'est baladé avec les enfants, on allait voir un spectacle de lumière. Je suis tombé sur un petit kiosque saucisse thaïlandaise. Saucisse je me suis pris une saucisse thaïlandaise, des frites, des petits beignets de poulet. On a zappé. Ce genre de saucisse thaïlandaise. Oh là là. Ce genre de saucisse thaïlandaise, bien sûr. Saucisse thaïlandaise, je te jure, je sais pas ce que bien c'était. Sûr. C'était une saucisse avec des épices un peu sucrées. Bien sûr. Étonnant.
Non, c'était, en fait, c'était un spectacle sous lumière asiatique. Oui, oui, les saucisses thaïlandaises. Non, c'était là. Mais du coup, c'est, elle faisait quelle taille, cette saucisse? Allez sur Google. Est-ce qu'elle était grosse, cette saucisse thaïlandaise, Samuel? Elle était énorme. Mais je te jure, mais... C'était une très grosse saucisse thaïlandaise. Mais je te jure. Elle était où, cette saucisse thaïlandaise, quand tu l'as trouvée? Les gens, c'était marqué. C'était un monsieur qui, vendait cette saucisse thaïlandaise ou c'était une madame? C'était un couple. Ah. Mais est-ce qu'on a bien vérifié qui était? Je te jure. Et c'était un peu épicé, sucré. Ah, j'imagine. Ouais. J'imagine que c'était bien assez donné. J'ai pris ça. J'ai pris une saucisse thaïlandaise. Bien sûr. Des petits beignets de poulet, des frites, mayo, ketchup. Mm. Qu'est-ce que j'ai pris? On n'a pas pris de vin chaud. Bien sûr. On a pris de vin chaud. Et on dessert une crêpe Nutella, quoi. Mais en ce moment, je mange mal. Ah là là là. Mais c'est les fêtes, hein? C'est l'hiver. C'est l'hiver. C'est normal. L'hiver, on a envie de manger. Je ne connaissais pas, moi, la saucisse thaïlandaise. Mais bah, c'est très bon. Ah bah c'est KO, ah là, bah voilà. Ça décline. La galette. Il faut créer des saucisses de Gibraltar. Oh, mais oui, la ville peut être spécialiste dans la vente de saucisses de Gibraltar. Cette galette, c'est une dinguerie. C'est une tuerie. Donc là, tu vois, tu es en train de construire tes commerces. Là, j'ai une demande de industriel. Créer des emplois. Tu as le bien-être de ta ville. Alors, industriel, ça va être de l'industrie lourde. Donc... Pas tout près des maisons. Donc, pas tout près des maisons. Donc, on va dézoomer un petit peu, on va regarder où est-ce qu'on peut-être... C'est quoi, c'est un plan d'eau, ça? Ça, ça va être... c'est des ressources naturelles. D'accord. Mais lequel, ça, c'est quoi? C'est gisement d'eau souterrain. Donc, peut-être pas faire sur les gisements d'eau souterrain. Ah, si je peux pomper de l'eau là-bas aussi, ok. Tu peux pomper de l'eau, là, effectivement. Plutôt dans l'intérieur des terres, alors il fait quoi, mon carré, exactement? Alors, ton carré, tu vois, rezoome un petit peu dans ton carré, légèrement. Tu vois, sur la gauche, peut-être là-bas. Ici, dans ce coin-là, peut-être qu'il y a moyen de développer cette zone industrielle un peu à l'écart des habitations. Tiens, moi je ferais bien. Attends. Donc là, il faut d'abord que tu fasses une route. Tu sais qu'on refasse un peu un quartier comme tu as fait là. D'accord. Donc reprends l'onglet route. Les routes, c'est là. Exactement. Petite des route. Route moyenne, parce que tu vas avoir des camions qui vont passer, tu vas avoir des employés qui vont passer, donc ça va faire beaucoup. Pourquoi j'ai des poteaux télégraphiques là? Hein? Pourquoi j'ai des poteaux télégraphiques là? Ça, c'est des. En fait, tu vas voir que plus tard dans le jeu, si tu es en excédent d'électricité, dans ta ville, tu vas pouvoir, ça c'est de l'électricité qui vient de l'extérieur, tu vas pouvoir revendre ton électricité à l'extérieur. Ça c'est pas moi qui l'ai fait, ça on est d'accord. Non, c'est le jeu qui l'a fait. Donc, on voit ça plus tard. Une route qui relie les habitations. Ouais, moi je te propose plutôt qu'on regarde. Oui, tu peux faire qui relie les habitations. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, on peut. Tu vois, donc là je repars de là. Là le nœud il est fait. Ouais. On est d'accord. Hein. Exact. Tu pars d'ici. Fais clic droit. Ouais. Prends plutôt une petite route pour aller pour des habitations, parce que tu vas voir on va prendre une route moyenne pour autre part. Comme ça, les gens qui veulent aller au travail, ils ont directement l'accès à la zone industrielle comme ça. Tu me tires un grand trait. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Jusqu'au bout? Jusque là. Là, tu peux plus parce que regarde, dépassement de la zone limite. Là, je suis bon. Parfait. Voilà. Bien droit. Bien droit. Exactement. Tu me refais une route perpendiculaire à celle que tu viens de me faire, mais en moyenne cette fois. C'est-à-dire perpendiculaire comme ça? Exactement. Comme il traverse le terrain là, qui fait la moyenne. Comme ça, on va essayer de l'amener jusque vers le rond-point là-bas. Alors, c'est parti, moyen c'est là. Voilà. Ok, donc là, il faut que je parte de là. Ouais, par là. Ici. C'est parfait. Au milieu à peu près là. Exactement. Hop, et je vais jusqu'au bout. Essaie d'aller jusqu'à peut-être l'embranchement de ta route là-bas. Tu peux aller vers là-bas avec tes touches. Pour mieux voir où est-ce que tu vas la connecter. Je propose que tu la connectes là. J'ai connecté là, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, là c'est bon. Hop. Parfait, ville minuscule. Votre effort porte vos fruits. Et votre ville a fait ses premiers succès. Oh. Tu remportes donc 600 000 dollars et tu récupères un peu plus de parcelles. Et grâce à mes industries? Exact. Grâce aux habitants qui sont arrivés au fur et à mesure. Parce qu'à Gibraltar, messieurs, dames, tu peux fermer, nous avons 11 habitants. Merveilleux. Ah oui. C'est le début. 11 habitants qui ont produit 600 000 dollars. La productivité, elle est. C'est une ville. Insane. C'est une ville exceptionnelle. Exceptionnelle. Merci Abydos pour le raid. Attends, je fais une petite pause pour. J'ai remarqué aucun sub depuis le début de la partie. Je vais optimiser un petit peu ça. Et je m'en excuse. Abydos, merci pour le raid. Blackout, Sinan Chum, Alexandal, Lupacez, Crête75, The Vadami. Merci. Guy Broche a offert 5 abonnements à la commu. Guy, merci. K Dumonti, Remsti, Lou Solitaire, Jeski45. Rachauve, Little Ready, merci beaucoup. Et merci à un certain Joe Coco. Bah, ça, c'est un pseudo de beau gosse, ça, qui nous a fait un raid tout à l'heure au début. Là. Merci beaucoup. Merci, les amis. Pardon de. Mais t'inquiète, j'avais un peu oublié. Ok, tu fais de bouquet. Regarde, je te fais quelques petites routes. Ouais, ouais. L'idée, c'est qu'on va autour de cette. On se fasse un petit quartier d'industrie. Hop là. Et donc, là, j'ai fait deux routes. Donc là, les routes moyennes. Donc, je te l'ai mis ici, comme ça, il y a deux arrivées, les gens qui arrivent là. Mmh. Les gros camions. En fait, c'est toute une histoire dans Tiscarine d'optimisation. Ok. L'idée, quand même, c'est d'éviter que nos camions rentrent dans nos quartiers résidentiels. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que je t'ai proposé que
On est une route qui vient directement de l'autoroute pour que les camions aillent directement dans la zone industrielle sans passer par nos zones résidentielles. Et une route pour les habitants. Et toi, tu as fait la route des habitants pour que les habitants de la ville puissent directement aller travailler. Bien joué. Et donc, maintenant, ce que je te propose, c'est que là, on va faire le quartier industrie ici. Donc, c'est ici. Exactement. Industrie, c'est ça. Ça, t'es bien. Voilà, je l'ai pris. Et maintenant, tu peux... tu peux me tirer un... Pareil, un petit... Tu me fais un bon quadrillage de, tu vois, d'industrie. Par exemple, comme ça. Très bien. Voilà. Là. Voilà, tu peux faire ça un peu partout. À l'intérieur, dans ce quartier-là. Là. Voilà. Hop. Ici. Très bien. Hop, ici. Là, tu vas même pour aller un tout petit peu plus vite parce qu'on sait qu'on veut mettre là de l'industrie un peu partout. Là, on peut y aller là. Tu peux prendre le pot de peinture, tu descends, hop, tu remontes un petit peu, tu vois, dans outils. Voilà. Ça, alors, ça. Non, celui de gauche. Celui-là. Voilà, exactement, ouais. Remplissage. Et là, ça va te remplir. Ah ouais. Alors, pas celui-là parce que ça va t'amener jusqu'à tes habitations, c'est trop, ce sera trop. Par contre, tu peux le faire ici dans tes petites cases. J'ai compris. Du coup, tu peux un peu jongler entre les différents types de remplissage pour aller plus ou moins vite, pour être plus précis. Et là, tu m'as dit, j'y vais, quoi. Et là, tu peux y aller parce que, en fait, mon quartier industriel, il n'est que quartier industriel. C'est-à-dire, tu sais, je vais pas mettre des magasins mélangés à des habitations, etc. Ok. Parce que tu vas voir que le sol va de plus en plus, dans ton quartier industriel, va en pâtir. Ah. Donc, moi, je mets jamais d'habitation, absolument jamais dans le quartier industriel. Là, je remplis, hein. Là, j'ai. Exactement. J'ai plus de demandes d'industrie, mais c'est pas grave. Tu peux anticiper un petit peu. D'accord. Parce que tu veux. Et du coup, comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je mets tout ce quartier-là, comme je sais qu'il y aura pas de magasins. Donc, on y va. Ni de trucs, je mets tout. Et en termes de budget. Et en termes de budget, t'es bien. J'ai ce qu'il faut. Ouais, t'es quasiment 1 million. Donc. Au début, c'est facile le jeu en termes d'argent, il n'y a pas trop à se soucier. Et donc pour l'instant, c'est bon, je pense que tu peux faire échappe. Ouais. Et donc, au fur et à mesure. Et là, on va voir les industries se créer. Là. Exactement, tu vas voir tes premières entreprises qui vont se créer. Alors tu vas voir différents types d'emplois qui vont se créer dans ta ville au fur et à mesure. Au départ, on a de l'industrie plutôt lourde qui va arriver. Ah oui. Et tu vas te rendre compte, après, on aura des bureaux. Donc le tertiaire va arriver au fur et à mesure. C'est pas tout de suite, ce sera dans quelques temps. Ce sera les industries vieux, ce sera les bâtiments en violet. Mais pour l'instant on est au début. Résume un peu sur ton sur ton carrefour, ouais, comment sont tes magasins un peu là. Donc là, attends, c'est ma zone de magasin, ça, je sais plus. C'est tes premiers magasins, ouais, ceux-là, exactement. Les maisons sont quoi? Elles sont là? Ouais, non. Tu peux recliquer sur le petit Rubik's Cube si tu veux voir quel bâtiment appartient à quel truc. Donc là, magasin, c'est à gauche. Magasin, c'est bleu, donc c'est au niveau de ton carrefour. Ah oui, c'est là. Exactement. Alors, voilà. Ah ben, c'est là, tu peux voir un peu tes petits magasins. En fait, c'est des centres commerciaux. Exactement, c'est des centres commerciaux. T'es, ils ont créé des parkings et tout. Exact. T'as, c'est bien les States quand même. Hein. Ouais, c'est les... Bah là, t'as pris style américain. Donc, moi, je l'avais pas encore vu le style américain sur le jeu, mais. Et tu vois, c'est un centre commercial qui a un certain succès parce que j'ai 4 centres commerciaux, j'ai une voiture, quoi. J'ai un client. Pour l'instant, après, vous êtes 16 habitants, donc peut-être que ça s'explique. Est-ce que tu me renommerais pas la route là? Peut-être. Fais dézoomer un petit peu. Ouais. Là, t'as la rue des Saules. Rue des Saules. Tu cliques dessus et en haut ici voilà, tu peux renommer et après tu fais entrer. Rue de quoi? Le chat qui va choisir. Hein. Le rue. Rue de quoi? Rue de la Gaule. Rue de la Gaule, je trouvais ça bien personnellement. Bah un peu de culture quoi quand même. Ou rue du 20 mai. Non, du 20 mai. On va faire plus subtil. Je le vois dans le chat. Rue du Général de Gaulle. Général de la Gaule. Rue du Général de la Gaulle. Voilà, de la Gaulle. Avec un seul L. Avec un seul L. Un seul L, bien sûr. Voilà. Ok. Voilà. Comme ça, s'il y a des jeunes sur ce stream ce soir, des mineurs, eh bien vous révisez votre histoire. Exactement, rue de la Gaulle. Et là, vous avez deux événements. Parce que vous avez Général de Gaulle, normalement avec deux L. Hein. Attends. C'est deux L, c'est deux L. Deux L. Et la Gaulle qui nous emmène, bien sûr. Dans vos copies, ne mettez pas le Général de la Gaulle. Hein. Ce ne sera pas la même chose. Le chat propose. Rue Jacques Chirac. Le chat propose de renommer un supermarché le Monochibre. Pourquoi? J'ai pas la ref. C'était juste un petit jeu de mots avec Monoprix. Avec Monoprix et Monochibre. Ou sinon, on pourra aussi avoir une route bientôt, peut-être rue de la saucisse thaïlandaise, peut-être. Bah attends, on va le faire tout de suite, ça. Rue attends. De la saucisse thaïlandaise. Enfin, ici, là. Et je crois que c'est la même rue, celle-là. C'est la même? Ouais, ils ont mis la même rue, je sais pas comment ça se fait. Bah, comment on se repère? Ah non, tu peux faire rue de la saucisse thaïlandaise. Je peux? Bien sûr. Allez. Rue de la saucisse avec thaïlandaise. Avec un grand S parce que c'était une grosse saucisse. C'était une grosse saucisse. Je te jure que j'ai mangé ça hier soir. Mais c'est super. Et c'était super bon. Hein. Avenue Jacques Chirac, bien sûr. Bah, avec le musée Quai Branly. Ah oui, bravo. Oh, le Quai Branly, bien sûr, j'ai vu Seika. Ah oui. Mais je vais me faire ban de Twitch. Non, bien sûr que non. Non, je me porterai caution. C'est pour la culture qu'on fait ça. Voilà. Donc là, ça, c'est là, pour la culture. Rue du Général de Gaulle. De la Gaulle. Soyons précis. Et là, ça se développe. Voilà, et ce que je te propose, c'est peut-être que tu nous fasses... Donc là, tu as cette grande artère au milieu de ta ville. François Mitterrand.
François Mitterrand, non. Tous les présidents. Non. Les présidents de la Ve République. François Mitterrand, Jacques Chirac. Ah, ah oui. Et là, oh là, c'est quoi, c'est un petit bus ça? C'est un petit. Alors tu verras, tu pourras même développer des réseaux de transport en commun aussi. C'est quoi là, c'est ça, un camion? Ça, c'est un camion, effectivement. Il vient faire une livraison. Tout à fait. Incroyable, je peux cliquer dessus. Oui, tu peux même le suivre si tu veux. Ah, il est parti, punaise. Parce que tu peux même suivre des. Il est rentré. Ouais, tu peux dézoomer. Il est en livraison, il est en livraison, il est en livraison. Il va repartir, je pense. Ouais, ouais. Tu peux même suivre des voitures, regarde, clique sur la voiture. Ouais. Et t'as un petit pin en bas bleu là, en bas de sa case. Hop, ça va te centrer sur lui. Comme ça, tu peux voir où il va. Mais tu peux... c'est génial. Où est-ce que tu vas, toi? Et puis, il va sur le magasin. Oh non, les... Oh, t'as les détournements de nom de président. Je ne peux pas les lire. C'est exceptionnel. Oh, François Pompleu. François Auglande. Oh non. Georges Pompleu. Il est très bon, celui-là. Escobar X, bravo. Ouais. Ça, je reconnais le cerveau. Ça réfléchit très fort pour pas grand-chose. Bravo. Beaucoup de neurones utilisés pour très pour un jeu non plus que moyen. Alors les demandes, ça explose. Les demandes. Alors ce que je te propose, mets sur pause le jeu. Pause. Ouais, mets sur pause. Mettons parce que là il commence à y avoir trop de demandes. Mets sur pause et dézoome-moi un petit peu au niveau de cette grande artère à l'aménagement. Comment est-ce qu'on veut voir ces quartiers là? Reprends. Comment j'aime bien tu vois l'idée les routes de mettre des commerçants à pas loin des habitations. Ok. Tu vois, c'est-à-dire de construire des habitations et de refaire des petites zones commerciales au milieu, comme on l'a fait un peu là. J'aime bien. Très bien. J'aime bien cette idée là. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se développer autour de cette grande artère que tu as là et d'essayer de faire des sortes de petits... peut-être mettre des petites routes à gauche, à droite, un peu comme ça, ce que tu as fait. Mais peut-être se faire une sorte de grosse artère un peu où tu vas pouvoir mettre le long les commerces et sur les côtés, un peu comme ce qu'on a fait là, les habitations. Pas con. On peut imaginer un truc donc, un peu comme ça. Et donc, peut-être que je peux... Donc là, il faudrait peut-être les mettre les artères. Ouais. Donc c'est des petites routes, hein, je pense. Exactement. Voilà. Et on les crée. Tu pars en général, moi, pour le plus simple, je pars de la route pour essayer d'avoir à peu près la même distance ou quoi. Mais voilà. Franchement, fais comme tu veux, régale-toi, laisse ton inspiration aussi venir. Juste. Qu'est-ce que t'en penses? Juste clique comme ça. Peut-être un petit peu. Si, ça va. Un peu éloigné, peut-être, tu sais, pour optimiser l'espace, peut-être. Mais sinon. Toi, tu la ferais plus proche? Un poil, parce que regarde, du coup, tu vas avoir tes cases qui vont être. C'est l'optimisation, là. On est vraiment sur du tryhard. Ouais. Mais. Mieux, ça? Ouais, exactement. Sauf que part de la route, peut-être, pour que ce soit... Oui, bien sûr. De la route, là. Ouais, exactement. Là. Là, t'es très bien. Là, mieux, là. Ouais, parfait. Et là, je suis aligné. Je vois que je suis aligné, par parfait. Exemple. Exactement. C'est, t'as plein d'indicateurs visuels pour montrer que c'est aligné, etc. Toc. Voilà. Et tu peux en faire 3-4 comme ça. Mais là, par contre, j'ai laissé du vert. C'est pas grave. C'est pas grave. T'en fais pas. C'est pas propre. C'est pas, t'inquiète pas. C'est pas propre. C'est là, c'est quoi? Attends, là, c'est des maisons. En même temps, c'est bien que l'outil gris est vraiment sympa aussi et pratique pour les débutants. Ouais, mais l'outil gris, c'est un peu, c'est automatique, quoi. C'est bien que les maisons soient un petit peu séparées aussi. Ouais. Enfin, qu'il y ait un petit peu de, tu vois. Hop. Un peu d'air, ça aère un petit peu. Bon, là, j'ai envie de faire ça. Hop. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Hop. Tu peux dézoomer, tu peux en faire, tu peux. Tu vois, et on refait une route là. Ouais, exactement. Bah, du coup, alors je pars de la route. Baisse un petit peu parce que sinon ça va se superposer. Comme ça? Un petit peu. Regarde le cercle, en fait, il va t'indiquer la zone où il y aura le cadre. Voilà, là, t'es bien. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Hop, pareil de l'autre côté, attends, hop, 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 ah non, si. Si, très bien. Okay, ça y est, il commence à prendre son envol. Tu penses quoi du jeu? Moi, je pense que le jeu est bien. Le seul truc, c'est qu'il a des problèmes d'optimisation une fois arrivé à un certain nombre d'habitants. On n'y est pas, là. On n'y est pas. J'ai 16 habitants, moi. Pour l'instant, c'est le début. Hein. Regarde, 13, à partir l'instant. De genre 400 000... Ouais, à partir de la centaine de milliers d'habitants, ça commence à devenir difficile. Maintenant, il commence à avoir patché le jeu quand même maintenant, depuis quelques temps. Donc, ça commence à aller de mieux en mieux quand même. Après, maintenant... Attends, qu'est-ce que j'ai fait, là? Tu peux annuler? Tu peux faire... Qu'est-ce que t'as fait? Peut-être la remonter un petit peu, là, quand même. Ouais, tu peux utiliser le bulldozer, regarde, qui est juste en bas. Ici, exactement, c'est ça, voilà. Et tu peux... Comment il fait, lui? Tu cliques, voilà, il va te montrer les parcelles. C'est assez bien fait, tu cliques juste sur la parcelle que tu veux supprimer. Ouais. Voilà. Simplement. Ah oui, voilà. C'est une gomme. Exactement. Donc, je retourne sur la route, je prends ma petite route. Exact. Et tu vois, peut-être qu'on peut faire un truc comme... Tout à fait. Comme ça? Ouais, voilà, super. Et donc là, tu es en train de créer un peu cette artère peut-être centrale où on va commencer peut-être à construire notre ville. Pas mal, pas mal. Les commerces. Hop, je m'aligne. Voilà, tu peux faire ça comme ça. Voilà. Voilà, et donc là, tu as ta route et donc ça commence à ressembler, ça commence à être pas mal. T'as pas mis les flics. On n'a pas encore la police, mais tu vas voir, il y a le système, il y a les policiers, il y a des pompiers, il y a des hôpitaux que tu vas pouvoir mettre en place plus tard. C'est, le jeu est très, très, très complet. Moi, je vous le dis, c'est un de mes jeux préférés. Vraiment, donc là on est pas mal, on commence à avoir un truc qui se dessine. Là il faut peut-être que je construise des... Là tu peux commencer à mettre un peu des zones comme ce que tu avais fait. Commerce en bleu. Exactement. Donc on va mettre commerce. Donc tout ce qui est autour de des grands axes, tu peux commencer à mettre en bleu. On va zoomer un peu là, donc ça. Voilà. Ça. Voilà. Voilà, hop on descend, là.
Super. Bonne idée, les commerces, voilà. Près du groupe, de l'axe principal. Ouais, très bien. Voilà, et des maisons de part et d'autre. Exactement, de part et d'autre. Comment je vois qu'il y a une demande importante Alors ça, c'est, tu vas avoir, un, là, tu as, comme on est passé au niveau supérieur de la ville, ouais. Tu as un nouveau type de logement. Là. Donc ça, c'est les logements à moyenne densité, donc c'est les petits immeubles. C'est des petits immeubles. Peut-être que je peux commencer un peu à... Tu peux commencer aussi à en mettre par endroit. Pas tous au même endroit. Ouais, voilà, tu peux les disséminer si tu as envie. Tu fais comme tu veux. C'est toi qui. Comment tu vois la ville, en fait ? Ça, c'est qui est intéressant. Okay. Comment est-ce que toi, tu vois ta ville ? Comment tu la vois se construire ? Bien sur les petites parcelles, je vais mettre des immeubles comme ça, à forte densité. Proche des magasins, peut-être les immeubles. Ouais. Et plus à l'extérieur, peut-être les petites maisons. Ouais, je me dis. Enfin, pour moi, l'optimisation, moi, j'ai jamais eu de problème d'optimisation perso sur le jeu. Même, je crois que nous, on était monté. À combien t'es monté en termes d'habitants, les gens, sur Rift City ? Je sais plus combien, on était monté assez haut hein, et on n'avait pas eu de problème. Hop, tu vois, moi je reviens un truc comme ça. Ouais. Voilà, tu vois, pour pas trop. Un peu dispatché. Un peu dispatché, ouais. Éventuellement même là. Il y a des gratte-ciels dans le jeu, bien sûr, il y a très gros gratte-ciels. Un bon équilibre et le reste en maison. Bah, regardez toutes les zones grisées qu'a là où est Samuel dans l'onglet habitation. Bah, dites-vous que tout ça, c'est des types d'habitations différents. Vous avez même des habitations qui mixent les magasins avec les habitations, avec les magasins au rez-de-chaussée et les habitations à l'étage, comme on voit dans les centres-villes aujourd'hui. Quoi, tu vois. Ça, c'est plus tard. On peut se régaler parce qu'on peut rebaptiser toutes les nouvelles rues que j'ai croisées. Toutes les rues, effectivement. Là, tu peux remettre le jeu en... Oh, mais... Ah bah oui, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Tu peux même appuyer sur la petite, les petites flèches tu vois, à côté de la date. Exactement. On va accélérer. Tu peux passer en deuxième... Et là, on va voir les grues. Exactement. Et là, tu peux dézoomer, comme ça, tu vas voir les gens venir s'installer au fur et à mesure et tu vois tes jauges se baisser. Et les maisons qui arrivent. Tu réponds aux attentes. Et voilà, la ville commence à devenir vraiment une ville. Et d'ailleurs, pour faire pause, je crois que c'est. Tu fais barre espace, ça te permet de faire pause quand tu veux. Au lieu de. C'est un petit raccourci clavier. Mais là, t'es en pause et hop, quand c'est bleu, c'est qu'on est reparti. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose, cette. Eh, mine de rien. Donc, t'as un premier arche, on va dire, de ta ville. Quand il y a un. Il y a un petit truc jaune qui s'allume là, c'est quoi ce message derrière? Alors, ça, c'est juste. Prends le petit bulldozer parce qu'en fait, tu avais tiré un câble électrique tout à l'heure sans faire exprès. Il y a un truc qui va pas. Ouais, exactement. Donc, il faut juste que tu zoomes bien, que tu vises bien et que tu peux. Voilà, c'est un petit câble, un petit pylône électrique que tu avais. Je l'enlève? Tu peux l'enlever. Parfait. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un autre problème à droite. Il y a les réflexes, il y a les réflexes. Oui, ça c'est les câbles électriques, ça tu peux laisser pour le coup. C'est pas grave ça ? Non, je peux le supprimer, tu peux enlever si tu veux. Je peux enlever celui-là ? Comme ça, ce sera plus au milieu de ta zone industrielle et on ira en rechercher plus tard. Donc ça, je peux l'enlever ? Ouais, tu peux l'enlever. Ouais. C'est pas grave. C'est nickel. Parfait. Comme ça. Du coup, tu vois que tu as le câble, mais laisse celui-là, laisse-le là. Je le laisse. Exactement, il est à la limite de ta ville, donc ça c'est bien. D'accord, ok. Dézoome un petit peu pour que les gens voient comment est-ce que t'en es. Voilà. Voilà, t'es bien. On n'a pas construit près du littoral pour l'instant. Pas encore, mais. Tu vas voir, alors, comme on est débutant un jeu là, on construit, c'est normal, on construit un peu au fur et à mesure, au fil de nos idées. Là, on voit les très gros joueurs de City Skyline, de City Builder, c'est ceux qui arrivent à anticiper, à savoir, ok, là, je vais placer là, ce quartier-là, ce quartier-là, il va aller là, etc. Nous, on est vraiment dans la découverte, donc on voit pose que le un trafic peu... automobile est en train d'exploser là. Hein. Alors moi, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une zone forestière là. Ouais, tout à fait. Bah, moi, ma tentation, ça va être de pas construire là. Je me dis qu'un petit poumon vert... Au milieu de la ville. Dans la ville, en vrai, c'est tu sais cool, que tu quoi. Peux mettre aussi des petites rues. Ce que je te propose, c'est que plus tard, on pourra mettre des petits chemins piétons. Tu peux mettre des petits chemins de balade, etc. Ouais. Ça peut être. Pour ça que peut les être, gens profitent de la forêt. Exactement. Et que tu vois que la ville est encore des zones un peu pour se promener, s'aérer. Alors, on va regarder en bas à gauche maintenant. Tu vois, t'as village minuscule. Voilà. Oui. Tu peux cliquer ici. Là, sur le 1, je crois qu'il faut cliquer. Ouais. Clique sur le 1. Donc, ça, tu as débloqué un point de compétence. Ouais, et donc, c'est un peu une notion un peu. RPG qu'ils ont rajouté dans le jeu et ça permet de débloquer des nouveaux bâtiments en fait. Donc avec ce point là on peut débloquer des nouveaux bâtiments, ce point. Genre usine de traitement des eaux, là il faudrait deux points, là on en a qu'un donc on peut pas l'utiliser. Là on pourrait débloquer peut-être un crématorium, un hôpital aussi. On a même un service de gestion des déchets, donc on a une usine d'incinération. Si t'as une usine d'incinération t'as pas besoin de crématorium. Ça va. Mais il faut. Alors ça, c'est à voir. Ça débattre après en conseil municipal. Si tu dis pas clairement, c'est vrai. Tu fais juste une autre entrée. Oui, c'est juste. C'est le même bâtiment. Tu fais une autre entrée. C'est le même bâtiment. Exactement. Non, mais tu as une grosse économie. Oui, non, mais attention, une grosse économie. Et donc là, tu as les différentes étapes de la. Malin.
Donc là, tu as les différentes étapes de des villes. Donc nous, on est village minuscule. Et tu vas grandir au fur et à mesure. Les, et gens, sont, des trucs. Les gens sont choqués. Les gens sont choqués. Mais il est... Faut pas, t'es mort. Et de toute façon, pire. Hein, pas bon. Oh, wow. Plastique, oh. Carton, autre. Autre. Ce sera dans autre. Ce sera dans autre. Et donc là, ici, tu avais ce point de compétence. Donc, on va voir à peu près. Et après, tu as débloqué 3 carrés ici. Et donc, on peut déjà imaginer quoi peut-être acheter 3 parcelles supplémentaires. Je peux, là? Oui, tu peux. Si. Pourquoi? Comment j'ai... C'est incroyable. Tu les as débloqués parce que, tu sais, tu as passé un palier de ville. Et donc, en fait, à chaque palier de ville, tu débloques des carrés. Et comment tu vois que je peux débloquer, là? Lesquels je peux prendre, par exemple? Bah, tous ceux-là, tous ceux qui sont autour de ton carré. Non, c'est vrai, si, tu peux en acheter 3. Tu peux en prendre 3. Donc, idéalement... Bah, il faut, en général, t'es obligé de les prendre collés à ta ville. Collé. Maintenant, c'est est-ce que tu préfères que ce soit vers la mer, dans la mer? Bah oui, en direction de la mer. Et la mer, je sais plus où elle est, au sud. Moi, je pense que tu pourrais étendre un peu ton littoral, peut-être sur la gauche ou sur la droite. Enfin, c'est un peu comme tu veux. Mais je sais plus où elle est, la mer. Elle est... Attends, tu sais qu'on va faire? Ça fait échappe 2 secondes. Parce qu'on va enlever le cycle jour-nuit, il est sympa, mais en fait, là, les gens ne vont pas très bien voir. Non. Ouais. C'est là? C'est... Il me semble que c'est... Attends, je regarde le cycle jour-nuit. Ouais. Je ne sais plus c'était où, les cycles jour-nuit. Moi, je l'avais enlevé assez vite. Oui. Ouais, je crois que c'est dans l'option. Fais échappe, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est dans option, gameplay, et ça va être visuel jour-nuit. Voilà. Parfait. Comme ça, au moins, on va pouvoir... Voilà. Très bien. Donc là, tu peux... Donc, c'est au sud. Bah, au sud, après, t'as pas beaucoup de terrain pour l'instant. Ouais. Donc, peut-être essayer peut-être de chercher plus ici ou ici, peut-être plus par là. Oui, t'as raison. Peut-être pour à un moment donné réussir à récupérer cette autre autoroute là, tu vois, qui est traversante. Ah, pas mal. Qui nous permettra d'avoir ce. Pas mal. Peut-être qu'on peut essayer d'aller chercher ça. Ça va nous coûter 28 000, on en a 940 000. Donc on est bien. Donc on est très bien. Hop, on a étendu notre. On a étendu Gibraltar et donc regarde tout ce que tu peux avoir. Énorme. Nous, on est là. Hein. Et à un moment, on pourrait se rapprocher aussi de ce qui semble être la mer ou l'océan. Exactement, quoi. Tout à fait. Donc là, on est quand même sur un truc, c'est quand même balèze. Il y a même une espèce de lac, là. Oui, exactement. T'as plein de trucs. Attends, là, je vais te faire une petite zone résidentielle un peu chicose, là. J'aime ce que tu me dis. Hein? J'aime ce que tu me dis. Et tu as un gros outil aussi. Alors peut-être qu'on ne va pas trop aborder ce soir, mais j'en parle quand même, c'est important. Un gros outil. Ah, je vois que ma réputation m'a précédé. Exactement. Oh putain, c'est toute la soirée, quoi. Ça ne s'arrêtera jamais. Un énorme outil. C'est le. Avez-vous entendu parler de ma saucisse allemandaise? C'est ça, exact. C'est la terraformation. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux faire la terraformation dans le jeu, donc créer des montagnes. Non. Si, exactement. Donc, tu peux créer des montagnes, tu peux après lisser tout ça. C'est un gros outil, la terraformation. Peut-être qu'on ne va pas tout faire ça, mais. C'est incroyable. Peut-être que le gros engin attendra la prochaine fois, peut-être. Et ça, je vois les habitants qui se plaignent. Linda, cette ville est incroyablement bruyante, je sais pas quoi. Elle commente, Linda, ça va, Linda. Fabricio, nous avons ouvert au 46e recrutement. Ça embauche. Elle se rend pas compte de la chance qu'elle a, Linda, déjà d'être ici, à Gibraltar. Donc, C'est incroyable, tu peux terraformer. Ouais, quoi. Tu peux terraformer. Alors, dans l'édition, dans le jeu, dans le premier jeu, ça coûtait de l'argent. Ouais. Aujourd'hui, c'est complètement gratuit. Donc, du coup, ça te coûte plus d'argent de terraformer. Donc, c'est vraiment très pratique. Et donc là, tu vois, au final, t'as déjà bien fait échappe. Ouais. Donc là, tu vois, t'as déjà bien. Regarde la ville. Ça a pas mal, hein. Ça a pas mal grossi, hein. Regarde un peu à quoi ça ressemble tes bâtiments, tes nouveaux bâtiments. Nouveaux, la densité moyenne là. Donc c'est là, je crois. Hein. Donc baisse un peu. Parce que je crois que tu les as mis. Alors ça, c'est densité. Ça, c'est petite densité. Et densité moyenne, ça commence là, à se construire en bas. Là, regarde là. Ici, attends. Là. Ouais, là où t'es. Là. Ouais, exactement. C'est pas des commerces que j'ai. C'est pas des commerces. Ça, c'est comme. Non, juste à côté. Regarde là. Ici là. Ouais, ici, exactement. Là. Ceux-là. Tiens, voilà, bah, ça y est, on voit bien là. Tu vois, là, j'ai essayé de les dispatcher un petit peu. Tu vois, là, j'ai mis. Ça pousse à Gibraltar, ça pousse fort. Ça pousse. Il y a du monde là. Tu as les voitures, ça y va. Ouais, hein. Ça y va. Alors, ça y va, hein. Moi, c'est vrai que je te conseille de garder les magasins près d'axes quand même assez importants. Ouais. Parce que les magasins ont des fournisseurs, donc avec des camions. Et tu verras qu'à terme, les gens qui ont déjà joué à ce jeu le savent. Tu vas te retrouver avec des problèmes de circulation à un moment donné quand tu auras trop de monde. Donc voilà. Là, t'as plus de. Ah, je crois qu'on voyait plus. Alors, mais il n'y a pas trop de demandes. Il y a tous les 300 habitants en tout cas. 300 habitants? Là, regarde, 300 habitants. Ouais. On vient de passer les 300 habitants à Gibraltar. GG. Les 300 premiers Chibriotes. Chibriotes, très joli. Les Chibriotes sont là. Il n'y a pas trop de demandes pour l'instant. Est-ce qu'il y a des demandes d'habitants spécifiques sur, je sais pas, l'électricité ou l'eau ou les soins médicaux? Pour l'instant, je crois que c'est OK. Alors, tu verras. Alors, va dans I, ici. Voilà, parfait. Là, tu as un menu avec plein de paramètres. Tu peux mettre la circulation, par exemple, onglet circulation. Dézoome un petit peu. Tu vois... Oh, les petits points noirs qui commencent à apparaître. Exactement. Là, par exemple. Là, par exemple, c'est les endroits où la circulation est le plus dense.
plus c'est rouge, plus la circulation est dense. Là, c'est orange, donc ouais, c'est normal. Bah, c'est normal parce que c'est des carrefours, c'est l'endroit par où arrivent les gens, donc c'est logique que ce soit un petit peu plus chaud par là. Tu as l'électricité aussi, tu vas voir, tous les petits onglets sont un peu intéressants. Ouais. Donc ça, c'est ton électricité, tu vois où est-ce que ça en est. Okay. Et donc là, tu as, par exemple, sur l'onglet électricité, tu as disponibilité d'électricité. Donc là, tu es dans le vert. Tout va bien là. Donc tout va bien. J'ai pas de besoin. Là, c'est bon pour l'électricité. Donc ça, c'est si tu es en excédent d'électricité, tu peux le vendre. Je suis équilibré. Là, pour l'instant, ça nous, pour l'instant, c'est bon. Pour l'eau aussi, tu as la même chose, regarde. Au-dessus de l'eau ici. Parfait. Disponibilité de l'eau, tu es au maximum. Impeccable. Tu as commerce de l'eau, ça, on ne vend pas d'eau. Traitement des eaux usées, on est bon parce que tu es dans le vert aussi. Je suis à fond. Donc pour l'instant, on est bien. Et là, c'est quoi par exemple? Et ça, c'est le service médical. Tu es dans le rouge. Tu n'as pas de problème pour l'instant. Ça me semble essentiel. Attends, là, il y a quoi? Et là, c'est gestion des déchets. Pour l'instant, tu n'as pas eu besoin de... Il faut que je m'occupe de ça. Il faut que je t'occupe de ça. Donc, tu as les petits onglets qui sont en dessous, Attends, donc c'est là, voilà, exactement. Médicaux et soins mortuaires. Oui, tout à fait. Alors, les services de santé permettent aux citoyens de rester en meilleure santé, bien sûr. Et donc, c'est important d'avoir des services de santé qui fonctionnent. Bien sûr, mais c'est très important. Ça. Alors, on va choisir un lieu. Donc là, tu peux cliquer pour voir déjà quel bâtiment tu as de disponible. Ah oui, très bien. Donc, attends. Donc là, tu as une clinique. Clinique. D'accord. 60 000 euros, ça va? Exactement. Tu as 60 000 euros, donc tu peux poser ta clinique là où est-ce que tu penses que ça pourrait être. Okay. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Et tu as, regarde, un autre petit onglet aussi. Quoi ça? À côté, tu as le soin mortuaire. Et tu as un cimetière normalement. Clique dessus. On va créer ça. Hein. Tu as le cimetière. Le cimetière prend beaucoup de place sur le jeu. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc aussi grand. Mais, et il y a un crématorium. Et ça, c'est le crématorium, c'est ce qu'on pourrait débloquer plus tard. Mais pourtant. Alors, moi, j'ai envie de commencer par la clinique. Commence par la clinique. Et après, on va créer un cimetière. Très bien. Bah, mets ta clinique où tu as envie. Oui, ma ville, elle est là. Elle est là, ma ville. Voilà, exactement. Je zoome. Alors, réfléchissons un peu. Une clinique, bah, pas loin des habitations. Hein. Pas loin des habitations, c'est... Moi, je dirais... Ça, c'est les industries, ça bah, ouais. Par ici, moi, tu vois. Ouais, près de l'axe routier, ouais, de facilement routier. Accessible. Tu peux mettre sur les magasins. C'est pas grave de démolir des magasins, en vrai. Ah ça bon se reconstruit autour. Ouais, c'est ou soit vrai. Tu le fais à côté, ou soit tu le commences à le faire un peu plus loin, parce que tu as des zones qui ne sont pas du tout utilisées pour l'instant. Là, c'est pas trop loin. Peut-être sur le rond-point, ça commence à faire beaucoup. J'ai peur que ça amène trop de monde sur le rond-point. Donc peut-être un peu plus à décaler. Un peu loin. Attends. Voilà. Tiens. Tu peux la faire là, si tu veux. Tu vois, alors, peut-être en retrait de la route, peut-être, à cause du bruit pour les patients. Oui, si tu veux. Non, tu vois. Ah non, mais c'est l'enfer. C'est si tu veux. J'ai le droit, là. Oui, tu peux. Il faudra juste mettre une nouvelle route pour pouvoir... Je vais créer une route, mais... Exact. Tu vois, C'est vrai, pour les patients. Bah ouais. Mais monsieur, mais... Tu vois. Ministre de la Santé, le bruit pour les patients, s'il vous plaît, c'est insoutenable. En vrai... Tu vois, en vrai... Attends, désolé, mais je trouve que c'est hyper important de pas rater l'emplacement de la clinique, quoi. le bruit des odeurs. Tu me mets à côté du crématorium. Moi, je ferais bien... Qui est, en même temps, la station des déchets. Moi, je la mettrais bien là. Après, je vais créer les routes qui vont bien. Ouais. Mais je la mettrai là, moi. Ben, vas-y. Assez loin, quand même, des axes, du bruit. Je vais même la mettre là. Voilà. Là. Voilà, ça, parfait. C'est fait. Évidemment, maintenant, je vais... clic droit. Je vais créer... Et là, tu fais une petite route. Fais une petite route. Voilà, une petite route. C'est une petite. Moi, je peux faire une moyenne, comme tu veux. Moyenne. Une clic d'allongement de durée de vie. Exactement. Voilà, donc là, je suis... Là. Moi, je te propose qu'elle passe devant. Comme ça, tu pourras mettre d'autres choses après autour, des petits trucs autour. Comme ça? Ouais, très bien. Donc, je fais une route autour, comme ça. Non, pardon. Tu peux mettre, enfin, pas ce qu'elle passe. Hop. Ce que je peux te conseiller, c'est qu'elle passe peut-être devant comme ça. Comme ça, oui. Ouais. Et tu peux la tirer. Hop. Comme ça. Voilà, très bien. Qu'est-ce que t'en penses ? Parfait. Et je vais jusque là. Il y a aucun problème là. Ça va te. Ah, il y a un truc. Alors si c'est jaune, ça veut dire que ça va juste. Ça t'indique que ça va enlever un magasin, mais c'est pas grave dans un magasin. Tu feras ça tout le temps. C'est pas grave. Ah ouais, mais ça. Il y a des mecs qui ont commencé à construire des trucs. Non, mais... C'est les Jeux Olympiques. Ah on va. Ah, non, c'est non, pas non, grave. Non, c'est pas grave. C'est comme ça qu'ils font aux Jeux Olympiques. Ça me chiffonne. Tu sais quoi ? Ça. C'est pas bon ça ? Quoi ? Alors, il y a le cœur, mais il y a la raison aussi, Samuel. Oui. Alors, il y a le cœur, mais il y a la raison. Il y a une question de logique, de. Ça ne va pas ça ? Si, ça commence à partir sur un gros rond. Ça te fait rien de faire ça ? Quoi ? Ça te fait rien. Mais quel problème ? Dixit, il y a 15 minutes. Mais j'aime bien quand c'est clair. Ouais, c'est clair. J'aime bien quand c'est droit, j'aime bien quand c'est machin. Oui, mais je veux dire. Il faut savoir détruire pour reconstruire, Samuel. Ouais. Donc, c'est un magasin sur tout ce que tu construiras à Gibraltar. Ouais. Mais si tu veux, fais-le. C'est ta ville, ce n'est pas la mienne. Je pense que t'as trigger la moitié du non, temps. Non, mais connecter un gros rond-point à l'hôpital, c'est pas débile non plus. Oui, mais c'est l'axe que tu crées qui est chelou. Après, il est marqué forme non valide pour l'instant, avec l'autre route. Là. Vas-y, clique-moi. Vas-y, fais-moi cette rouge, je t'en conjure. Ça y est, elle existe dans ma tête déjà. Super. Voilà. Donc là, maintenant, il faut que tu. Et là, je vais pouvoir créer des maisons, là. Ouais.
autour de l'hôpital. Et même une petite zone commerciale, moi. Ça va être cette ville va être incroyable. Non, parce que moi je pense qu'il faut... Fais clic droit pour quitter la ville. Alors, là, j'ai créé l'axe. Ouais, fais échappe, appuie sur échappe. Comme ça, tu reviens en mode sélection normale. Ouais. Clique sur ta... Mon hôpital ? Ma clinique ? Ouais, sur ta clinique. On sent qu'elle n'est pas raccordée à l'eau, à l'électricité, à rien, en fait. Ouais, parce que... Hein ? Attends, est-ce que je peux te... On sent qu'il faut la connecter, quoi. Ouais, exactement. Donc là, tu as le menu déplacer ici, déménager. Hidalgo sort de ce corps. Elle est bien, ma clinique, là. Non, elle est loin de la circulation, loin du bruit, loin de la pollution des voitures. Elle est bien. Oh, le rond-point en cacahuète. Non, mais c'est très bien. C'est pas... En vrai, ça a du sens. Enfin, moi, en conseil municipal, je n'ai aucun problème pour justifier cette décision. Hein. J'espère que l'opposition, ils vont manger la poussière. Hein. En tout cas, tu as dû toucher une belle commission sur cette clinique, en tout cas. Hein, ça a dû bien manger. Elle est connectée, tout ce qu'il faut, tout va bien. Comme c'est une route, t'as l'électricité, t'as l'eau. Eh, regarde, il y a un motard qui arrive déjà. Comme par hasard. C'est parfait. Comme par hasard. En vrai, elle est parfaite, cette. Est-ce que. Moi, je te propose quelque chose. Regarde, et là, Samuel, c'est vraiment juste le maire qui te parle. Ouais, il se gare le motard. J'adore. Moi, ce que j'aime bien faire en général dans mes villes, c'est, comme tu disais, pour éviter le bruit des patients, petit village. J'ai été félicité. Pour éviter les bruits des patients, je te propose qu'on mette le cimetière directement en face de l'hôpital. Comme ça, les voisins ne sont pas bruyants. C'est pas con. Après, il faut... Et il y a un côté où tu gagnes du temps. Ouais, alors après, il ne faut pas que des chambres de l'hôpital, on voit le cimetière. Parce que pour le moral, tu vois. Oui, mais c'est, si vous ne vous battez pas, attention. Alors moi, non. Moi, j'ai une autre option. On a un petit côté un peu forestier, là. Ah, tu veux les mettre... Ouais. Toi, t'es en mode compost des gens ? Pas trop près de l'industrie, tu vois, mais que le cimetière dans la ville, non. Il y a des corps qui vont disparaître, mais il est passé où, mémé ? Tu vois, je crois qu'on l'a foutu dans le petit cimetière, pas très loin d'un axe routier, au sud de la forêt. Mais je t'en conjure, fais-moi cimetière à côté de l'axe routier dans la forêt. Gestion de déchets, c'est ça, le cimetière ? Non, non. C'est la clinique, ça, c'est l'icône clinique là. Là. Non, à gauche. Non, là. C'est pas recyclage le cimetière. On recycle pas les morts. Oui, bah. Pas... On ne recycle Samuel. On ne pas encore. C'est les morts, on les met dans une tombe. On les incinère. Le truc vert là, pas le rayon vert, le. Rayon vert ? Oui. Attends, il y a un moment, c'est un vieux film de science-fiction futuriste où ils imaginent que, en fait, les. Soleil vert. Tu connais ça, toi ? Non, j'ai pas vu Soleil vert. En fait, Soleil vert, c'est un vieux film. Et voilà, tu vois. Il y en a plein qui connaissent. Et en fait, à un moment, on comprend que. Donc, il y a une espèce de bouffe que tout le monde mange au quotidien, qui est une espèce de gelée, je sais pas quoi, une espèce de des barres nutritives. Il n'y a plus de vraie bouffe, tu vois, il n'y a plus de saucisse thaïlandaise, il n'y a plus rien, c'est fini, futur de merde. Et ils mangent, je crois, une espèce de gelée dure, voilà. Et en fait, à un moment du film, on se rend compte qu'avec quoi c'est fabriqué, quoi. Ah, ok, oui, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris le contexte. Tu vois, zéro perte, quoi. Ok, ça me dégoûte. Ah, ouais. Années 70, je crois. Ah oui, date. Ouais. Ah ouais, vieux film. Alors là, t'as repris une clinique, là ? Ah, je veux un cimetière. Un cimetière, exact. Alors, le cimetière, oh là là, il est grand. Gros, c'est très, très gros, le cimetière. Ça prend de là. Alors, moi, je vois bien ça au sud. Voilà, au sud. Attends, est-ce qu'on met ça à gauche, là ? Ouais, là. Un peu tranquillou, tu vois. Un peu au calme. Là, t'es pas sur la route, c'est juste ça ? Je zoome. Mais. Je zoome. Voilà. Et. Là, t'es sur l'autoroute direct. Peut-être que c'est un peu abrupt. Je prends la sortie cimetière. Mais on peut pas la mettre un peu de. Je prends la sortie cimetière. Là. Alors pour pivoter. Qu'est-ce qu'on pense ? Oh merde. Là, tu veux la mettre comment, c'est-à-dire ? Pas là, mal. Là, t'es pas collé à la route, c'est le seul truc. Non, j'aimerais le pivoter, ouais. Ah, t'aimerais le pivoter ? Possible ça ? Droit ? Oui, tu peux. Oh ! J'ai trouvé. Ouais, c'est ça, voilà. Oui, par contre, on peut pivoter pas comme on veut. Voilà. Alors, si tu maintiens clic droit, il me semble que tu peux. Voilà, Là, on pivote. Voilà, exactement. Et donc là, je pense qu'il vaudrait mieux que tu la relèves un peu. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, là, tu vas être sur l'autoroute. Donc je pense qu'il vaut mieux que tu recules un peu. Comment ça ? Genre mettre un tout petit peu plus haut dans le massif forestier, histoire que ce soit un peu au calme. Ah oui ? Personne ne va les réveiller, les gars. Mais là, t'es sur l'autoroute quand même. Ah, tu veux. Et alors ? La sortie va être un peu abrupte quand même. Ok, je vais faire un arrêt. C'est-à-dire que. Qu'est-ce qui va pas ? J'ai rarement vu personne. Alors, dans le chat, arrêtez-moi. Un cimetière bord d'autoroute, j'ai rarement vu. Pas faux. J'ai rarement vu le cimetière bord d'autoroute. C'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Et si on mettait dans le petit coin, là ? Avec une petite route ? Ça rappelle une sortie de route, c'est vrai que c'est. Tu vois, il y a une route, là, qui fait le. Non, c'est le bord. Non, c'est le bord, ouais. Bah là, tu vois, là, c'est pas mal, là. C'est une prévention routière, mais c'est un cimetière. Là. Oh, tu ne mettrais pas en bord de route, toi. C'est marrant que tu veux le mettre vraiment loin, ce cimetière. Ouais. Non, mais en vrai, ouais. Là, je le mettrais bien, là, moi. Bah, mets-le là. Hein ? Si tu veux. Ça prend une place, en plus. Ça cotise plus, en plus, ces machins-là. Hein.
Les gens, quand ils sont morts, effectivement, tu ne cotises plus. Cotise rien. Hein. Tu ne cotises plus. Et là, là, il est au bord de route, là, je peux y aller. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il va connecter? C'est le seul truc. Il est bien, là. Fais échappe pour voir. Il est pas mal, mais c'est bien, là. Hop. Oh, il est grand, hein. Tu m'étonnes qu'il est grand. Alors, est-ce qu'il est connecté? Non, il n'est pas connecté. Il faut que je le bouge un peu? Ouais, enfin, je pense qu'il faut falloir que tu le recules un petit peu. Comment je fais pour le prendre? Clique dessus, en ouais. Bas de, sa fenêtre, là. Ça? Exactement. Tac, déménager. Déménager. Tu le recules un poil et on va tirer une route directement... Comme ça. Non, parce que regarde, en fait, l'autoroute, là. Ça ne veut pas connecter. Comme ça? Ouais. Comme ça. Tu mets là. Voilà. Lac. Voilà. Là, tu prends une petite route. Une petite route. Et je vais connecter. Voilà. Voilà. Ah. Il n'y a pas un rond-point à faire. Non, bah on est sur une autoroute, donc les gens feront un petit arrêt angle droit, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils sont pas contents là? Tu cliques là? Là? Là. Voilà. Et hop. Clique gauche pour quitter. Ou clique droit, pardon. Ouais, ça, ouais, attends. Hop. Hop. Là. Ça a l'air ok en vrai. Ça me semble absolument parfait. Est-ce qu'il est connecté comme il faut là, tout ce qu'il faut là, il n'y a rien à faire? Alors. Je suis content parce qu'il est très champêtre mon cimetière. Il est très champêtre. Et il est un peu au milieu de la forêt. Hein? Non? Mais il est... Hein? Ça me fout droit de rire. Il est bien là. Les gens, ils vont arriver à 130 km/h sur le virage. Un énorme coup. De... Ah ouais, ça vient. Ah ouais, ah ouais. Ça va être un bail. En vrai, il peut y avoir des accidents ou pas? Non. Ah, parce non. Que là, c'est vrai que c'est pas terrible. Oui, bon, après, bon. Ouais, c'est vrai que... Énorme coup de frein à main, 90 degrés, Vin Diesel. Il va y avoir mémé dans le cimetière, lui déposer les fleurs. C'est vrai que c'est aucun sens. Faudrait que je fasse un espèce. Ah, mais après, je t'ai laissé faire. Des ronds-points. En fait, il faudrait faire un rond-point, là. Sur l'autoroute? Ouais. Ouais, toujours un 130. 130. De 130 à 0 en 10 mètres. Pied sur les freins. Non, mais après. Alors, s'il y a des accidents sur. Ah, si, maintenant, ils ont des accidents. Dead and Furious. Dead. Joli. Après, c'est bien, parce que l'accident, t'es pas en du cimetière, c'est tout est à propos. Là, je peux cliquer sur ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Non, pourquoi c'est rouge? Parce que t'avais toujours les routes de sélectionner. Fais échappe. Tout va bien. Quand tu fais deux fois échappe, ça permet de sortir complètement du... De, voilà. Pas mal les éoliennes, là. Parce juste à côté de... Oui, parce que les gens, souvent, se plaignent des nuisances sonores. Oui. Et là, qui va se plaindre, là? C'est sûr que personne. Ouais. Là, effectivement, les voisins sont moins casse-pieds. Elle est parfaite, ma ville. Elle est parfaite, ma ville. Vas-y, t'es où? Hein? Alors, le seul truc, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'électricité. Mais ou oui. Quoi. Bon, est-ce qu'ils ont donc on valide définitivement l'emplacement du cimetière. Ils ont vraiment besoin de la lumière. On valide définitivement l'emplacement du cimetière. Refoulement des égouts. Ouais, ça il va falloir qu'on gère ça. Tout ça. Oui, oui, moi ça me plaît. Eh bien, très bien. Eh bien, laissons ce cimetière en bord d'autoroute. On crée de la connectique. Alors sache qu'il n'y a pas d'aire d'autoroute. Par contre, il y a un cimetière d'autoroute. C'est là où tous les routiers de France et de Navarre, tous les chibriotes viennent se faire enterrer. Comment ils vont emmener les cadavres? Bah, ils vont emmener les cadavres par la route là qui est là. Voilà. Puis ils vont prendre un petit virage un petit peu sec. Et puis voilà. Regarde. Le cimetière. Regarde, d'autoroute. Bonheur des exact. Citoyens augmenté, plus 46 XP. C'est merveilleux. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Travis? Je vois beaucoup de beaux objets luxueux. Vous allez me trouver une bonne affaire. Alors, comment je connecte Comme l'autoroute, elle ne. C'est la particularité, contrairement aux autres routes, de ne pas emmener l'électricité, et si l'eau, chez toi. Et si je crée une petite route normale qui irait... Ça, c'est une autoroute, ça. Non, c'est une route, c'est la route moyenne. Si je crée une petite route normale, là, ouais. de desserte, en quelque sorte, mm-hmm. En fait, elle va tout me connecter, de là à là. Oui, mais tu as une seule entrée qui est là, sur ton, qui est l'autoroute. Il n'y a qu'une entrée? Oui. Ah, j'ai mis l'entrée sur l'autoroute. Oui. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de... C'est pas terrible. Ouais, bah, c'est notre discussion de 15 minutes, ouais. Samuel. Eh bien, vous avez raison. Et je vais la déplacer. Donc, je clique droit, je crois. Non, je ne sais plus. Ici, hop. Et je vais déplacer. Non, c'est l'autre. Ah non. C'est juste la centrée. Voilà. Et on va la mettre, du coup, là. Là, sur cette route, je peux. Exactement. Et on va la mettre là. Toujours en bordure d'autoroute, mais avec l'entrée là. Voilà. Et donc là, il est connecté à tout. C'est marrant. Vous savez quoi? Il me manque déjà ce cimetière d'autoroute. Non, mais il est pas mal, là, parce qu'il est au sud de la forêt. Il est au sud, mais il n'est pas tout à fait sur l'autoroute comme avant. Il est bon, il va être... Bien. Bien. Pas pour vous dans le chat, mais moi, il me manque déjà ce cimetière d'autoroute. Par contre, on va supprimer ce petit... À l'époque, quand on allait à Gibraltar, quand on allait dans la ville de Gibraltar et qu'on voyait cette aire d'autoroute cimetière, là. On va supprimer ça, là. Voilà, cette espèce de verrue, là. C'était presque le patrimoine. Et là, regarde, comment tu amènes les cadavres? Tu viens de là, tu prends le petit échangeur, là, paf, clic, clac, voilà. Moi, je vais te faire un petit...
Là, j'ai envie de créer une petite ensemble de commerce de gastronomie. Tu vois, de là. Gastronomie ? Oui. Tu vois, parce que souvent tu sors d'un enterrement, ouais. Tu as la dalle, souvent. il faut du réconfort. C'est vrai. Là, je vais te mettre une petite boutique de saucisses thaïlandaises, qui va faire un carton, là. Est-ce que nous serions pas, après avoir enterré mémé, lui faire une petite saucisse thaïlandaise ? Après l'enterrement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a toujours un goûter, un truc ? Il y a toujours toujours un petit truc, effectivement. Une bolée de cidre, hein, voilà. Tout à fait. Et il faut un café. Là. Je suis d'accord, bon café. Moi, je vais te créer un commerce. Donc, attends, alors ce serait un café qui fait du café, mais aussi des saucisses thaïlandaises ? Après, c'est la cuisine du monde, quoi. Ouais. Tu vois ? Là, de toute façon, ça c'est une ville qui va attirer du monde entier, donc il y aura des gens de toute obédience. Tout le monde, de toute obédience. Attends. Vous êtes de quelle obédience ? C'est où les boutiques ? Donnez-moi les boutiques. Non, c'est pas là, les boutiques. Oh ! Galet Saint-TV. Quoi ? Le renom du restaurant, le Mange T'es Mort. Le Mange T'es Mort ? Bah oui, ça me semble obligatoire. Juste le Mange T'es Mort. Ah ouais, Mange T'es Mort. Bah oui, bien sûr. Attends, on peut les baptiser, les établissements commerciaux. Alors, tu peux prendre une zone commerciale avec le Rubik's Cube. Je sais plus. Ah, c'est Rubik's Cube. Alors, commerce, c'est jaune. Voilà. Non, c'est bleu. C'est bleu, effectivement. Attends. Et tu peux mettre, peut-être pas aussi gros. Non, c'est trop gros. En face, regarde, juste en face, tu peux mettre là. On va reprendre le truc là, on va faire plus précis. Ouais. Comme ça, je crois. C'est l'autre. C'est celui-là. Ouais, exactement. Milieu. Donc, on va faire une petite, voilà. Oh, le centre commercial autour. Voilà. Alors toi, tu voulais en face, toi ? En face, c'est pas mal, en vrai. Comme ça, tu traverses juste la route. Ouais. Et tu veilles un peu sur où ils en sont au niveau de l'enterrement, quoi. T'aimes pas l'idée du vraiment à côté, quoi. Ah, mais si, vas-y. Moi, j'aime bien, tu vois, là. Moi, je te dis, Samuel, depuis le cimetière sur l'autoroute, plus rien ne m'étonne. Par contre, je vais pas construire de logement, parce que je trouve qu'habiter à côté d'un cimetière, c'est chelou. Donc là, tu vois, là, je vais mettre un peu de commerce là. Un peu de commerce là. Bien sûr. Voilà. Donc le Mange T'es Mort, il sera. T'imagines les réunions municipales. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on crée un tout nouveau centre, zone industrielle autour du futur cimetière. Je viens de créer une zone commerciale autour du cimetière. C'est bizarre. Mais non, mais c'est très bien. C'est nouveau. Qu'est-ce que disent les habitants ? Ils ont ça a l'air d'aller. Hein. Oh là, il y a une demande très importante de quoi ? De commercial. Justement. Tu vois ? Bah, comme quoi ? Ah bon, j'y vais avec Franco. Hein. Hop, c'est parti. Dans cette zone commerciale, il y a les pompes funèbres. Bien sûr, il y aura de tout. Il y aura de tout. Tout. J'aimerais vraiment avoir une maison ici en ville, mais il n'y a pas de disponible. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas vrai ce qu'elle dit, il n'y a pas de demande immobilière. Ça, c'est quelqu'un. Ça, c'est les réseaux, ça ? Ouais, non, mais ça, exactement. Ça c'est Twitter. Ça, c'est quelqu'un de l'opposition qui s'est créé un compte. Ça, c'est sûr, c'est les réseaux sociaux. Et on y va, moi, je crée du commerce, là. Voilà. Commerce. Tu vois ? Oh, la menteuse ! Ouais. Bureau du recensement de la ville. Les gens me commencent à mourir plus que d'habitude. Je vais créer un cimetière. Vas-y, dézoome vite fait pour voir. Hop. Non, il n'y a pas de problème particulier. Ça va aller. Au moins, les gens maintenant peuvent mourir parce qu'il y a un cimetière. Donc, du coup, c'est sûr que ça augmente. Est-ce qu'on peut nommer ? Oui, il faut que tu attendes que ce soit. Ah oui, on pourra nommer. Et tu pourras nommer, effectivement. Le restaurant Mange T'es Mort. Tu pourras tout à fait nommer le Mange T'es Mort. Donc là, je ne mets pas d'habitation. Et le nom de la rue, c'est quoi, du coup, le nom de cette rue avec le cimetière ? Ah bon, on va la baptiser. Il faut que tu trouves le nom de la rue, ouais. Il est là. Il est où ? Tu l'as trouvé ? Ici. Ici. Comment il s'appelle ? Rue des Pins. Oh, rue des Sapins. Attends. Si, comment on dit ça ? Attends, avec le bois. Ça sent le sapin. Ça sent le sapin. Mais c'est ça, oui. Rue des Sapins. Oui, c'est rue des Sapins. C'est pas mal en vrai. Rue d'Épine, insupportable. Regardez, Las Vegas. I went to hell. Rue des Squelettes. Pourquoi non, rue d'Épine, non. Rue Michel Sapin. Oui, bravo. La rue du Platane. Oh, pas mal. La rue de la Cagette, la rue des Planches, la rue des Boîtes à Sapin. Il y a un restaurant à... Attends, il y avait un commentaire dans le chat qui est génial, attends. Il y a Corsair Albator qui nous dit, il y a un restaurant à Moggio, près de Montpellier, en face du cimetière, le slogan c'est « on est bien mieux ici qu'en face ». Merci les modos. On est bien mieux ici qu'en face. Route du Paradis. Oh oui, c'est mignon ça. Ma grand-mère maternelle, qui était donc agricultrice, oui. Comme tous mes grands-parents, en Bretagne, vers l'Oudéac. C'était des lieux-dits, tu sais. Ouais. Et donc, elle habitait un lieu-dit qui s'appelait le Paradis. Oh. Et pour de vrai, il y avait deux autres lieux-dits à côté qui s'appelaient l'Enfer et le Purgatoire.
Mais c'est pas étonnant, en vrai, ça m'étonne pas trop. Ouais. Dans une région aussi catholique historiquement que la Bretagne. Et elle habitait le paradis. Rue du Paradis. Ouais. Et comme elle était super cool, je pense qu'elle y est. Alors que les autres, c'était moins le cas. Tu vois qu'il y a une demande, regarde, mes commerces secrets, là. C'est bien, ça. Tiens. Donc là, Tiny Toys. Tiny Toys. Il y a un magasin de jouets qui s'est créé à côté du cimetière. J'adore cette ville. Attends. Ah, ça, c'est un resto, je crois. Qu'est-ce que c'est, ça? Cryersters. Ça, je crois que c'est un resto. Quoi? Ça, c'est quoi, ça? Lawrence Lentils. C'est pas un magasin de lentilles. Des fois, ils disent pas trop quel type de, commerce c'est. Non, mais là, il y a clairement un magasin de jouets, quoi. Shoplate. Vend véhicule. Bon, bah ça, le restaurant va le rebaptiser. Attends, vend entreprise. Ah, si, véhicule, pardon, j'avais pas vu. Là, c'est restaurant. Là, ils mettent véhicule. Attends, est-ce que t'as pas un restaurant? C'est véhicule, là? Ouais, c'est véhicule. Ah, zut. Oui. Il y a un resto. Attends, alors ça. La cuisine est merveilleuse. Eh ben voilà, eh ben c'est vrai. Le restaurant, on l'a. Restaurant, mange tes morts. Voilà. Voilà. Le mange tes morts. Employé, très employé. Efficacité 98%. Tu m'étonnes, avec un nom comme ça. Pollution sonore basse, tu m'étonnes. C'est pas très bruyant. Là, il n'y a personne qui va. Il n'y a personne. Hein? Tu vois? Le fameux mange tes morts. Et regarde. Oh, il y a eu un accident là en vrai. C'est bizarre, il y avait deux voitures, il n'y en a plus qu'une. Voiture à haillons. Il y a des types de voitures et tout. Ouais. Mais il s'est garé. Il n'a pas vu qu'il y avait des places, lui. Il s'est garé sur la route à moitié. Il n'y a pas un autre restaurant qu'on appellerait le Bon Vivant? Attends. Ça, juste à côté du mange tes morts. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est produits pétrochimiques. Ok. Ça. Nourriture. Nourriture. Le Bon Vivant. Le Bon Vivant. Ouais, allez, let's go. Le Bon Vivant, juste à côté du mange tes morts. Et le slogan du magasin de jouets, ne jouez sans mortel. Que des noms comme ça. Et n'empêche que ça vous... En fait, moi ça vous stimule, hein. Moi, je pense, tu vois, ce qui est trop... En fait, c'est pour ça, ça qui est super, qu'on a fait du RP sur ce jeu. Oh, j'adore. Parce qu'en fait, tout ce que tu peux faire avec, dans les petits trucs de ce jeu-là, c'est ça prête à envie de jouer pour les gens, d'interagir, etc. J'adore. Alors, quand on a un parti politique qui est communiste, un autre qui est écologiste, un autre qui est de droite, enfin, je te dis, ça ne s'arrête jamais. On avait des journaux aussi. Ah, trop bien. On avait un journal, on avait même un membre de la communauté qui s'appelle Paulus Pocus, qui faisait un JT tous les jours. Non. Qui faisait des... Sur la vie sur de la ville. Etc. Ouais, exactement. Qui nous faisait des résumés hebdomadaires, etc. J'adore les habitants qui parlent. Ouais, exactement. Et alors, donc là, on l'a vu que les industries, là, c'est... On avait une radio aussi, bien sûr. Et là, on peut créer là, un journal? Non, c'est après, bien sûr. Ah non, le journal, c'est nous qui l'avions créé, c'est dans le RP. Ah oui, bien sûr. Nous qui l'avions créé. Mais là, on peut pas créer, par exemple, non, on peut pas créer le journal, de médias. C'est nous qui l'avions créé. On avait une radio communiste, on avait une radio de droite, on avait même fait un festival de musique à la fin. Mais sérieux? Ouais. En fait, on avait quelqu'un dans la communauté qui avait codé une radio, et donc on se connectait à la radio, et ça passait des slogans, ça passait des musiques du parti, etc. Incroyable. C'était trop bien. Donc on va créer un peu de logement là. Tu peux créer du logement. Tu vois, moi j'ai envie de poursuivre. Est-ce qu'on n'étendrait pas ces... Là t'as commencé, tu vois, regarde autour de cette artère. Oui, est-ce qu'on n'étendrait pas? Est-ce qu'on connecterait pas pour faire des quartiers un peu... Tu veux dire à droite ou à gauche? Ou on continue vers le sud là? À droite ou comme tu veux. Est-ce que tu veux aller vers le sud? Est-ce que tu veux étendre ces quartiers à gauche, à droite ou à gauche? Est-ce que tu veux te rapprocher un peu de la côte? Moi je voudrais qu'on aille vers la côte, effectivement. Eh ben vas-y, fais comme tu en as envie. Je vais recréer des petites routes. Genre... donc là, il faut que j'aille sur le... Là, t'es sur une moyenne, donc là, change de... Là, t'es sur la route moyenne. Ah, c'est une moyenne, ouais. Ouais, exactement. Voilà. Et tu fais comme tu veux. Qui partirait de là. Oh, il y a un truc que j'ai mal fait. Ah, ça va supprimer des... Là, ça fait chevauchement d'éléments. Attends, pourquoi ça marche pas? Parce que là, t'es vraiment sur la route. Il faut que tu prennes le côté de la route. Non. Attends. Là, comme ça. Vas-y. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me met chevauchement d'éléments. Je sais pas pourquoi ça te met ça. Est-ce que tu chevauches pas un élément particulier, je crois? Attends, je regarde. Ouais. C'est parce que des fois, tu as le relief aussi qui t'empêche de faire certains types de bâtiments. Donc là, tu commences d'ici. Parce qu'il y a peut-être tout construit, là. Ouais, mais du coup, tu vas le supprimer, mais ça va se reconstruire par-dessus, à côté, etc. D'accord. Tu vois, là, ça fait partie un truc, mais... Ah oui, bah oui, si, il faut. Voilà, je te laisse faire. Ok. C'est ta ville. Je vais recréer des routes, dans là. City. Petite route ici, hop, ici. Peut-être que je connecte en face, d'ailleurs. L'autre rive. Mais non, ils ont fait un journal incroyable. Voilà, donc on avait que des trucs comme ça, tu vois. Et tout le temps. Nouvelle tête au conseil municipal. Exactement. L'ancien maire.
Monsieur Enzi fait son entrée comme consultant dans les équipes du maire, monsieur Samuel. Je suis le nouveau maire. Exactement. Et on a des petites décorations, des petits des trucs et tout. Et bah dis-toi que nous, on avait ça tous les jours. Tous les jours, on avait ça avec des nouvelles, selon les, comment évoluait la vie. Bravo. Hein. Trop bien. Donc ça, ce sont les cerveaux. Exactement. L'autre rive. Et donc, on avait un journal comme ça, trop stylé. La classe. Et si je connectais en face, là ? Tu peux. Ça a du sens ou pas ? Oui, tu peux, en vrai. Tu vois ? Ouais, carrément. C'est quoi de l'autre côté, là ? Bah, c'est les commerces. Ouais. Et on va créer... Voilà. Là, je suis bien, là. J'ai l'impression. Les dessous d'une sordide alliance entre élites. Alors oui, l'autre rive, elle était un peu... Oui, du coup, on avait des journaux de gauche, des journaux de droite. On avait Et moi, je faisais revue de presse le matin, comme toi, mais que des journaux, que avec des journaux fictifs. Sur la vie de la ville. Sur la vie de la ville. Quel bonheur. C'était très très drôle. Attends, mais ça devait être prenant quand même. Ouais, c'était trop bien. J'ai bien connecté à droite que... là. Non, là faut que tu tires un peu. Ouais. Attends, comment je fais ? Comme ça ? Ouais, et tu tires jusqu'à la ville. Ah, mais bien sûr. Exactement. Là, tu vas voir le carrefour. Ah, mais attends, je suis sur mon restaurant Mange tes morts là. Je vais pas le supprimer, j'espère. Non, tu vas supprimer le Mange tes morts. Attends, je sors. Non, annule. On peut pas supprimer le Mange tes morts. Mange tes morts. Et là, c'est quoi là ? C'est le bon vivant. Ah merde. Ah oui, si on peut passer le lien des archives. Oui, tu peux passer le. Ouais, parce que du coup, quelqu'un a fait un fond d'archives avec tous les trucs. On va te montrer. Moi, je veux pas supprimer ces restos là. On va faire un contournement. Tu fais un contournement. Ouais, on va faire. Regarde. Tac. Ils sont bien vus, en tout cas, les proprios du Mange tes morts et du bon vivant. Bah attends. Ils ont leur place au conseil municipal. Tac. Et je vais faire un lien là. Comme ça. Alors, attention. Ouais, regarde là, tu es jaune. Donc ça veut dire que tu vas le supprimer. Tac. Donc voilà, là, t'es bien. Comme ça, c'est bien. Ouais, t'es bien là. Tac. Tac. Voilà. Bon bah oui. Enfin bon. On en parle haut. Voilà. Tu vois ? Ouais. Et double entrée pour le resto, là. Sinon, tu peux passer par le haut, aussi. Ça, tu peux passer. Tac, tac. Comme ça ? Ouais. Comme ça ? Oh, les pistonnés, eux, ils sont pistonnés de fou. Ouais. Attends, j'ai une bêtise, là. Tac. Ouais. Tac. Nickel. Comme ça. Et comme ça. Et. Voilà. Et c'est pas mal, ça. C'est comme ça que tu connectes au fur et à mesure. On va créer des logements. On va créer des logements. Il commence à découvrir par lui-même. J'aime bien. Attends, c'est génial. Pourquoi ? Hop. J'arrive pas à quitter. Ah voilà. Donc on va créer des logements. Les logements, c'est là. On va créer des logements bleus. Là, c'est magasin. Vert. Donc zone résidentielle. Là, regarde, là, t'as des nouveaux types. Oh encore. Des immeubles plus gros. Ouais. Donc on a, ici, on a maison en rangée de style nord-américain. Et là, c'est des petits immeubles carrément. Exact. Eh ben, on va créer des petits immeubles. On va créer des petits immeubles. Un petit. On va les disséminer. On va les disséminer. On va pas mettre partout. Attends, je zoome un peu. Je vais en mettre par exemple là. Voilà, très bien. Attends, hop, on va en mettre le petit pâté, là. Ça bouchonne ? Non, ça bouchonne pas, vous inquiétez pas, pas pour l'instant encore. Là, avec voilà. 874 habitants. Voilà. Je vais en mettre, genre, là. Oh non, ça, je voulais pas faire ça. Non, je voulais faire ça. Voilà. Donc, pas trop d'immeubles, quoi. Et un petit coup, là, peut-être. Voilà. Ah, c'est bien là, tu commences à un peu. À côté, je vais créer des maisons, des petites maisons individuelles. Alors, ça, regarde, donc là, tu vois. Dézoome un petit peu. Là, on commence à entendre des trucs un peu particuliers. C'est un problème de circulation. Non, ça, c'est pas la circulation. C'est les endroits où il est bon de construire tel ou tel type de bâtiment. Là, par exemple, là, sur ces petites maisons, là, on sait en rouge, elles se plairont pas bien. Les gens seront pas contents. Clique sur le bâtiment juste à côté, le type de bâtiment. Regarde, là, voilà. Ah. Là, c'est en vert. C'est-à-dire que là, si tu poses des bâtiments sur ces rues-là, les gens seront contents. En mode, ça correspond au type de rue. Les maisons, ils les veulent plutôt. Sur des petites rues calmes, où il n'y a pas trop de circulation, où c'est tranquille. Ah, okay. C'est des gens qui ont plus des moyens. Alors que sur des grands axes, tu vas plutôt mettre des trucs à densité moyenne. D'accord. Et après, des immeubles, genre de choses. Là, je vais alterner, regarde. Je vais mettre là, entre les deux, là. Ouais, voilà, très bien. Voilà, je vais recréer ici une zone un peu plus construite. Attends, je vais regarder si vraiment ils veulent pas. Ouais, là, ils veulent même eux, pas. Eux, ils veulent pas. Tu peux le mettre si tu veux, mais ils sont pas tout à fait. Ils sont prêts. Ouais, mais au niveau de la mixité sociale, c'est pas cool. C'est pas cool. Bah, ça la mixité sociale, c'est pas cool. Non, mais ça me pose un problème là. Donc moi, je vais. Tu vois, là, c'est volontarisme politique. Et là, il faut appeler le conseil municipal et leur dire qu'est-ce qu'on fait. Ah bon ? Non, mais je rigole. Nous, c'est ce qu'on faisait. Moi, je vais mixité sociale, donc je vais alterner. Et donc, je vais mettre là, par exemple, des résidences un peu cossues. OK. Ici. Ici, même s'ils ne sont pas contents. Ici. Voilà. Ici. J'adore. J'aime trop te voir jouer à ce jeu. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que chacun joue très différemment et voit les choses différemment aussi. Puis un peu comment tu vois ta ville, etc. Et là, je remets des immeubles moyens. Ouais. Hop. Du coup, c'est bien parce que tu vas avoir une différence de construction qui va être intéressante. Oui. Et puis encore une fois, tu sais, c'est comme ça qu'on crée des cités ghetto. C'est quand tu mets tous les immeubles au même endroit, tous les trucs, les habitations pas trop chères. Et en fait,
une des clés, c'est la mixité sociale, en fait. Voilà, là, j'ai un peu mélangé, je suis content. Même si les gens n'étaient pas très heureux. Pas quoi. Très chaud à la base. Voilà. C'est l'heure de c'est, ouais, alors là, mec, là, t'as mis le doigt dans l'engrenage, dans un engrenage très dangereux. La circu. Non, alors ça, c'est le... Il y a Joe qui montre les archives de nos journaux. Attends, c'est l'heure d'être pompette. Donc ça, c'était des membres de la communauté qui créaient aussi leur brasserie, etc. Donc là, là, vous mettez le doigt dans un engrenage très dangereux. Ce sont les archives de Rive City sur Mer, donc de la, avec tout ce qui a été créé par la communauté. C'est énorme. Donc là, tu peux quitter, je crois. Et donc là, t'as, tu vas voir les archives sonores. Donc il y a... Vous avez tout, il y a tout. Avez-vous juste individu UU, bien mais sûr. Mais ça a duré combien de temps, cette séquence? Ça a duré 3 semaines. Mais intense. Intense, très intense. Tous les matins. Tous les jours, on faisait ça. Quelle heure tu streamais? On streamait le matin, 9h, jusqu'à tard le soir. Attends, redis-moi. Tous les matins et après? Et après, non, tous les matins. Nous, on faisait tous les matins. D'accord. Et c'était... Tu relançais pas un stream le soir? Non, je relançais pas forcément le soir. Non. Ah, ça veut pas... Non. C'est énorme. T'as les archives de presse, peut-être, pour que... Incroyable. Là, sur archives de presse. Et là, tu vas pouvoir voir un peu... les journaux, les différents types de journaux qu'on avait. Il y a tout qui se montre pas. Ah, il y a MMG qui est un homolo qui dit GG aux viewers de Rive qui ont créé cet univers. Non, mais ils sont trop forts. C'est incroyable. Donc, c'est argent, un nouveau quartier d'affaires. Sur... Oh là 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 là. Parce que là, on avait construit le premier quartier d'affaires et donc quelqu'un avait, ils avaient mis des journaux, des unes de journaux comme ça en mode voilà, spécial, c'est un nouveau quartier d'affaires vient de se créer. Ah, et moi, j'aurais par exemple Closer, scandale, le maire de Rive-sur-Mer autorise un restaurant Mange tes morts à côté du cimetière municipal. Voilà, c'est ça. Tu vois, mais tu sais que je suis vraiment hyper reconnaissant de ma communauté. C'est ma une, me dit M. Non, mais trop fort. En fait, je suis genre hyper reconnaissant de ma communauté parce que si on a eu un arc City Skyline aussi stylé, c'est fou. C'est grâce à eux, tu vois. Et c'était à quelle époque? C'était il y a quelques semaines, c'était il y a un mois, je pense. Ah oui, c'est très récent. Ouais, c'est très récent. C'est la deuxième saison parce qu'on avait fait une première saison. Là, c'est la deuxième mais saison. Mais maintenant, je comprends pourquoi tu m'as proposé ce jeu. En fait, ouais, mais parce que nous, on a vécu un truc de fou ça, avec la communauté. Décembre, voilà. C'était en décembre, c'était genre incroyable. Ah ouais. Genre, c'est les meilleurs arcs RP qu'on fait sur la chaîne. Et là, cet univers, il vit encore un peu sa vie ou Est-ce que la radio, elle est encore en ligne ou pas? Parce qu'en vrai, on a arrêté évidemment, mais on avait la radio qui était lancée. Effectivement, la ville de vos rêves au bord de l'océan, bien sûr, évidemment. T'as vu, ça construit vite là, hein? Les immeubles. Ça construit très vite. Non, ah, la radio est arrêtée. Aïe, ils ont arrêté la radio. Ouais, on avait une radio avec des jingles et tout qui avait été fait spécial. T'avais une archive sonore. Est-ce que tu peux aller checker les archives sonores, juste voir s'il y a des trucs? Normalement, t'avais un truc. Oh non, dommage. C'est pas grave. Là, la demande, elle est quoi là? Bleu. Donc c'est commercial. T'as eu une demande commerciale dans ma ville qui est incroyable, quoi. Là, tu peux commencer, tu peux regarder, tu peux mettre un peu plus de... Moi, je ferais une route vers la mer, ouais, vas-y. Et je refais une zone commerciale de part et d'autre. Carrément. Let's go. Allez. Là, tu commences à rentrer dans le truc où tu commences à vouloir étendre, vouloir faire plus de quartiers. Là, une route... Moyenne, ouais. Prends le plus grand de ce que tu as pour l'instant. Et... Après, tu verras que les routes, tu vas pouvoir les agrandir au fur et à mesure que ta ville grandit. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, tu as des routes moyennes, tu verras qu'après, tu feras des grandes routes, etc. Alors là, je vois que tu peux pas le faire. Pourquoi il te dit que tu peux pas la... Regarde, tu vois... T'as la route qui... Ah oui, il y a un truc qui va pas. Ouais. Repart de... Parfois, il faut faire plusieurs fois, essayer plusieurs types de trucs. Attends. Part plutôt du bord du rond-point, plutôt. Ouais. Ah, non. Non, ça veut pas. Là. Mais elle est pas connectée, là. Ça veut pas. Là. Elle est connectée, là. Non, ça veut pas. Non. Là. Ce que je te propose de faire, c'est prendre le bulldozer dans un premier temps, en bas. Qui est là. Et supprime juste la partie rond-point. Tu vas voir. Oh, je fais une connerie, là. T'inquiète. Reprends la partie. Zoom sur le rond. Zoom sur le rond-point. Ouais, on y va. Tu prends le bulldozer. Ouais. Supprime la partie centrale du rond-point. Ça, là ? Exact, ouais, voilà, okay. Supprime. Dézoome un peu, quitte avec le bulldozer. Ouais. Ok, oh, ouais. Merveilleux. Vaste village. Vaste village. Et nous avons passé les 1000 habitants, je crois. Énorme. 1200 habitants, merveilleux. Énorme. Et là, tu peux reprendre la route. Voilà, reprends une route ici, tire la route... Vers le sud, comme on avait dit. Ouais, comme on avait fait. Parce que des fois, c'est un peu le rond-point qui peut... Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, il veut pas, hein. Il y a un truc. Qu'est-ce qui gêne, à ton avis? En fait, c'est la petite route, là. Prends le bulldozer et supprime la route, pour l'instant, cette route-là. Là. C'est là, hein? Ouais, comme on l'utilise. Non, l'autre. Voilà. Non, l'autre. Ah, merde. L'autre, t'inquiète, c'est pas grave. Il y a un mec qui a une route, il va pouvoir sortir là. Celle-là. Comme on ne l'utilise pas pour l'instant, c'est pas grave. Okay. Là, je crée ma route. Là, tu recrées ta route. Tac. C'est la bonne. Ouais. Et à partir de là. Exactement. Attends. Là. Ouais, fais ça. Comme ça. On est OK là. OK, vas-y. Hop.
clic droit. Ouais, resoom. Ah, mais tu vois, tu l'as pas fait au bon endroit à l'intersection, c'est bien ce que je me disais. Ah, ouais. Ça va pas du tout, ça. Regarde, hop, alors attends. Ton bulldozer, supprime. Ouais, supprime. Voilà, en fait, il faut que ça parte de là. Ouais, il faut que tu fasses là. Voilà, alors c'est parti. Je suis pas. Là. Voilà, t'en penses quoi ? Part de là. Là. Voilà, là, tu pars ici. Direct vers la mer. Voilà, direct vers la mer. Ils vont être trop contents, mes habitants, ils vont aller à la mer. Parfait. Voilà. 2 semaines que je suis dans la clinique, ça fait long pour une carie. Je sais. Là, tu veux faire clic droit pour quitter ton truc. Voilà. Là, réessaye de reconnecter avec l'autre, avec les deux grosses routes, là. Donc, on recrée de la route, là. Voilà, recrée. Attends. Là, tu repars d'ici. Donc, c'est cette route-là. Voilà. Ici, hop, et je vais là. Voilà, tu remets ici. Là, c'est pas mal. Parfait. Voilà. Clic droit et reconnecte ensuite ta clinique. Ah oui, dis donc. Ah oui, merde. Ils sont toujours un petit peu bloqués pour les gens de la clinique. Là, ils n'en peuvent plus, en fait. Bah, ici, peut-être. Ici et là. Ouais, peut-être que tu arriveras. Mais fais-la arriver avant. Là, voilà. Ouais, tu peux la faire arriver avant, à la limite. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Voilà. Ça fera l'affaire. Voilà. Clic droit, et puis maintenant, bah, je te laisse faire ton quartier sud. Oui, oui. Alors, bah, là, en fait, je te laisse faire maintenant. Bah, là, c'est toi qui gères. Bah, on a dit, hein, commerce. Commerce, il y a une grosse demande commerciale, là, y serait-on ? Donc, c'est parti. Commerce, donc, c'est. Ça y est, il gère la ville. Bleu. Il a les clés de la ville. Ah, par contre, j'ai toujours qu'un type de zone commerciale. J'ai pas encore. T'inquiète pas, ça viendra pour la suite. Débloqué. Hein ? C'est trop bien, mais vraiment ce genre de. Mais moi, il faut que j'arrête les addictions aux jeux vidéo, si tu veux, parce que le problème, c'est que. Tu du caca là que ça annonce radio, effectivement. On va vraiment arrêter la revue de presse dans pas longtemps, quoi. Qui reprend demain d'ailleurs. Mais ça, c'est ce genre de jeu. Pour ceux qui ont déjà joué à des City Builder, vous savez ce que c'est. C'est tu allumes le jeu, tu clignes des yeux, il s'est passé 8 heures. C'est le seul type de jeu auquel ça m'arrive, mais t'as raison. Mais en fait, je n'ai aucune notion du temps. Non, mais là, c'est le pire. Oui, c'est vraiment là, c'est le pire type de jeu en termes d'aspiration de temps. C'est horrible. Mais pour le coup, pour avoir connu SimCity au tout début, quand j'étais jeune et fringant, effectivement, ça a duré très longtemps. En même temps, je jouais parallèlement mon service militaire. C'est vrai que t'as fait le service militaire. Ouais, j'étais matelot dans la marine. T'as fait où ton service militaire ? En fait, j'étais matelot dans la marine, mais j'écrivais sur les bateaux de la flotte. Ah, et donc, j'étais dans un bureau près de la Tour Eiffel. Ah oui, d'accord, ce genre de matelot. J'étais journaliste pour l'armée. Ah, oui, et donc, on était plusieurs matelots. Et en fait, on avait mis, nos PC en réseau, en LAN en fait. On avait créé une LAN. Okay. Et en fait, donc on avait l'amiral à côté qui nous dirigeait, il avait un bureau à côté. Okay. Et donc on avait connecté tous les jeux, tous les PC, on jouait ensemble, et on avait un bouton, si tu veux, et dès que l'amiral venait dans le bureau, on a retrouvé sur nos fichiers Word à écrire les articles. Eh ben alors, mais vous pouviez faire ça déjà, vous aviez les PC pour pouvoir faire ça ? Oui, alors ça moulinait. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça moulinait. Bah dis donc, ça fait tourner hein, ce fichier Word. Puis il va décoller, tu sais. Et tu sais, il se méfie un peu, il voyait bien que. Oui. C'est marrant, ils avancent pas trop, ces papiers-là. Il en est où votre article, Samuel, sur. Bah, j'ai pas réussi à joindre. C'est marrant. J'ai pas le truc, il y avait un panique bouton, c'est exactement ça. Un peu, ouais. Okay. Tiens, on va remettre le rond-point d'ailleurs, on a oublié de le remettre. Ici, tu penses qu'il faut. Non, mais tu sais, là où on l'avait enlevé tout à l'heure pour voir. Alors, le rond-point, c'est vers les routes, je suppose. T'as le petit onglet rond-point, c'est un rond. Attends, il est où ? En haut. Juste au-dessus, t'as la barre. Je le vois pas. Un peu plus à droite, tu vas voir. Ça. Exactement. Ça. Et donc là, tu vas au niveau d'une intersection. Là, ici. Tu poses ton rond-point. Voilà, parfait. Pouf. Et voilà, ça fait un rond-point. Ça, c'est un bel ajout qu'ils ont fait dans le, c'est dans bien le nouveau. Ça. Ouais, bon, c'est et bien. Là, il y a une demande. Les ronds-points, ça règle tous les problèmes. De vous-même, logement. Vous savez, les gens de Rive City. Ah, ça précise, logement. Demande de logement de faible densité. Exactement. Et densité de moyenne. Exactement. Ah, on me demande pas de grande densité. C'est sûr. C'est densité moyenne pour l'instant. Ouais. Après, tu auras plus de densité. Appuie sur le 3 en bas à gauche. Ça ouais, exactement. C'est quoi, point de compétence. Comme je te disais, ça permet de développer des nouveaux bâtiments. Donc, à toi de voir qu'est-ce que tu as envie de développer. Tu peux développer des parkings. J'ai des points, j'ai 2 points. T'as 4 points, 6 points là. Tu les vois ? Ah oui, si, c'est marqué. Ils sont au-dessus. Donc là, je peux développer les zones de stationnement. Voilà. Et t'as plein. Là, t'as pour les routes, mais t'as aussi pour l'électricité. Donc, pour avoir une centrale d'électrique à gaz, pour l'eau, pour avoir une usine de traitement des eaux. Tu peux aussi avoir des éducations. Donc, tu peux débloquer un truc pour l'école. D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas fait, c'est le truc vert. Là, c'est quoi ça ? Ça, c'est le centre d'incinération. On l'a pas fait encore, ça. Ça, si tu veux faire une usine d'incinération, ben, on en parlait tout à l'heure. Usine d'incinération, centre de recyclage. Ça, tu peux le déverrouiller. Ça, c'est des nouveaux bâtiments. Alors, centre de recyclage, ça va pas polluer, ça. Alors c'est pour gérer tes déchets, effectivement. L'incinération, ça va polluer. Qu'est-ce que brûler les déchets, produire l'électricité à partir de la chaleur, c'est pas mal ça. Mais quantité élevée, voilà, de pollution des sols, tu vois. Ouais, exactement. Donc c'est à toi de voir comment est-ce que tu veux manager le truc. C'est pas mal ça aussi.
J'essaye ça un peu écolo, je suis un peu un mode écolo là. Ah, je vois ça. Allez, on essaye. Là, donc, tu fais déverrouiller. Tu vois, t'as le donc là, j'ai déverrouillé deux points. Exactement. Donc là, tu peux fermer cette. Là, après, tu peux en développer encore quatre. Donc, bah, carrément. Là, par exemple, la santé, je peux développer centre de contrôle des maladies. Ok. Là, tu peux avoir crématorium ou hôpital aussi que t'as pas encore. Ah, je sais. Là, ce qui est grisé, c'est que ce qui est oui, pas accessible. Oui, mais j'ai un cimetière qui est... Et t'as une clinique. J'ai un génie... Ouais, c'est bon. On va pas trop leur randonner. Non, mais je vois, par exemple, ça c'est que... Regarde, peut-être commencer à créer un petit peu des éducation et recherche. Donc là, t'as déjà des écoles. Là, c'est pour avoir un établissement d'enseignement supérieur. Mais des écoles, il faut que je les place ou c'est automatique? Tu dois les placer. Ah, mais il faut que je les place. Je vais les placer. Je m'en suis pas occupé. Et parce que là, tu viens juste de les débloquer, c'est pour ça que je t'ai pas encore... Est-ce que je m'achète une fac? Peut-être déjà débloquer les écoles au fur et à mesure. C'est où? Là, après, t'as les pompiers aussi, et voilà. Donc, tu peux fermer cette fenêtre. On y reviendra plus tard quand t'auras... On va mettre des écoles. Et donc là, t'as les nouveaux... là, tu vois, à côté du centre de recyclage, t'as des nouveaux onglets avec des pastilles vertes. Donc, ça veut dire que c'est nouveau. Ah bah, il y a des demandes d'école, là. Exactement. Là, tu vois, l'école primaire. Ouais, ça va. On a comme des jauges, comme pour l'électricité, comme pour l'eau. Et là, bah, tout est au plus bas parce que tu n'en as pas. Donc, maintenant, tu peux placer des écoles primaires pour tes habitants. Et là, j'ai quoi? Un lycée. Bah, on va commencer par une école primaire. Et donc, ça va. Maintenant, tu cliques. 100 000 balles! Ça coûte cher les écoles. Putain. Et ouais, ça coûte cher l'éducation, hein, ah ouais. Monsieur le Président. Ah ouais. Donc là, est-ce que tu essaies de mettre au niveau des, tu sais, au niveau des zones d'habitation, etc. Bah, logiquement, moi, je verrais bien ça, oui, par là. Tu vois, près des habitations. Là, j'ai quand même pas mal de voix. Là, je verrais bien ça. Dans le bois. Ouais, peut-être pas. Au bord de la route, idéalement. Là. Là, ce serait top, là. Mais j'ai plus trop de place. Peut-être au-dessus, peut-être juste dans la branche d'au-dessus, là, regarde, tu sais. Là. Ouais, là. C'est pas mal, là. Là, tu vas juste. Là, fais gaffe parce que t'as des maisons et des trucs. Là, t'es bien, en dessous. Celle d'en dessous. Je pense que t'es mieux parce que là, c'est. Ici là, ouais, dès qu'il y a un tout petit peu. Là, t'es bien. Ah oui, là, je comprends, je meurs. Ouais. Là, c'est bien, là. Ouais, t'es bien, là. Et regarde, il n'y a pas d'industrie parce qu'il faut penser aux poumons des enfants. Exactement. Hein? Et là, tu cliques et t'as construit ta première école. Ah, je suis content. Fais échappe, comme ça, tu vas pouvoir. Est-ce voir que les besoins sont suffisants? Ah. Oh, là. Tu peux. Avec la molette, tu cliques, tu peux faire le tour pour voir un peu à quoi ça ressemble. Comment t'es-tu... Ah, comme molette. Ça voilà, comme ça, tu peux un peu plus voir à quoi ça ressemble, etc. Waouh, là, c'est l'entrée, là. Voilà. Putain, je maîtrise bien la molette, hein, t'as vu? C'est le début, c'est le début. Ouais, c'est... Oula, ça va vite, hein. Hop là, hop là, hop là. On est tous passés par là, voilà. T'en fais pas. Comment je fais pour être un peu plus rasant, tu vois? Pour être un peu plus rasant, tu peux zoomer et après tu peux adapter l'angle. Et ça y est, j'ai compris. Hop, là et là. Putain, elle est grande quand même, l'école primaire. C'est une belle école primaire. Hein. Alors, comment je sais si les besoins sont OK? Eh bah, bien, tu recliques sur le petit onglet école. Et là, tu vois... Bah, ah, les besoins sont OK. Les besoins sont OK. Par contre, il faut un lycée. Maintenant, il faut un lycée, let's effectivement. Go. Donc là, tu vas mettre un lycée, tu peux en mettre un ailleurs. Je peux le mettre pas loin de l'école. Hein. Là, tu peux dézoomer un petit peu et voir trouver un autre endroit où tu veux poser ton lycée. Alors attends, pourquoi il me... J'ai pas dû cliquer là parce qu'il me propose. Je vois pas la map, tu sais. Si. Hop, là tu peux le prendre. Là c'est bon. Ouais, exactement. Voilà, si c'est. Et okay. Là tu choisis un endroit où tu veux le poser. Alors attends, mon lycée il est là. Il faudra nous donner un nom à l'école aussi. Ah bah on va se régaler. Donc là. Il faudra donner un nom à l'école et au lycée. On peut. Voilà, ici, attends, je vais zoomer un peu. Là, voilà. Alors attends. À côté, ça aurait du sens. Il faut pas que ça. Moi, j'aime pas trop casser des trucs. Voilà. Tu le mets un peu plus au fond d'une zone résidentielle, tu vois. C'est gros, hein. Mmh. Bah, pas grand. Pas trop loin de l'école, mais là, je peux par exemple là. Ouais, mais du coup, attention parce que du coup, t'as ta route qui va. Qui passe au milieu du lycée. Peut-être étant là, fais échappe. Ouais. Étant peut-être la route qui passe devant l'école là. L'école primaire, celle-là, là. Exactement. Ouais. Tu l'étends un peu plus loin, et comme ça, tu pourras poser ton lycée peut-être sur la même route. Comme ça fait le même endroit, ça fait une sorte de pas zone. Con, un pas peu... con, pas con, pas con. On voit que t'as de l'expérience. Hein. Voilà, c'est une route comment? Taille moyenne. Ça, c'est une route moyenne, c'est une route petite. C'est une petite. Ouais, c'est une petite. Une petite, ça suffira. Donc je pars de là. Voilà, tu l'étends. Je l'étends. Voilà. Bon, jusqu'au bout là, tu vois. Pas mal là. Hop. Pas mal. Parfait. Je reprends mon lycée. Tu reprends ton lycée. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Là, tu te déplaces et tu le cales à un endroit tu vois, où ça détruira pas des trucs parce que t'as pas envie. Là. Voilà, et tu poses là. Ça a du sens. Et voilà. Hein, ça a du sens. Le boulevard des écoles. L'enfer de tous les enfants, en mon Dieu. Ouais, il y a du monde là. Ils sont balèzes, hein. C'est des beaux lycées, hein. Et ne m'y ressemblait pas à ça. Et là, j'ai la demande. La demande est satisfaite. Donc là, t'es bien, ouais. Et là, j'ai une demande d'enseignement supérieur. Tu vas voir que... J'ai pas encore. Là, tu as, donc dans ces jauges vertes, là,
t'as le nombre d'élèves, donc là t'as 90 pour une capacité de 1000, donc pour l'instant t'es bien. Il y a 9 élèves aussi. Pour l'instant, au lycée il y en a 9. Est-ce que je crée une fac là? Pour l'instant, une fac t'as pas besoin. Pour l'instant, t'es vraiment au niveau, t'es pour 1300 habitants, une fac. Après, tu sais que nous on a déjà construit dans le jeu, tu peux construire une station spatiale. Tu peux construire une zone de lancement de fusées. Nous, on lançait des fusées dans une ville de 30 000 habitants. Le lycée Stanislas. Le lycée Stanislas, si tu veux. Je vois que certains suivent l'actualité. Lycée Stanislas. Vous avez construit une base de lancement de fusées, ouais. Non, mais sérieux? Oui, vraiment, on lançait des fusées. Et ça marchait bien. Ça marchait bien. Et elle a la gueule, ma ville, regarde. Elle est pas mal. T'es bien, là, quand même. Attends, pour prendre de la hauteur. On peut mettre des terrains de sport. Oui, vous pouvez mettre des terrains de sport, effectivement. Mais là, on n'a pas encore, on n'a pas encore débloqué. Mais tu peux mettre des terrains de tennis, des terrains de basket, tu peux mettre plein de choses. Tu peux créer un stade de foot. Il y a plein de choses à faire au fur et à mesure. Les habitants n'arrêtent pas d'écrire. Les habitants de cette ville n'ont pas l'air en forme. Quelqu'un devrait vraiment s'occuper de leur bien-être. Oh, joli. Arrêtez. Alors après, là maintenant, je peux créer. C'est tard, tu vois. Je vois comment ça va. Ah oui, risque d'incendie, 98%. Il faut que tu mettes. Il faut que tu mettes des. Effectivement, là, tu as l'onglet des pompiers, donc maintenant, tu peux poser une station de pompe-lard. Ah ouais, ça, c'est important, ça. Et donc, tu vois, en fait, quand tu poses ce genre de service, ouais. Que ce soit l'école, les pompiers, les policiers, pose-le sur une route, n'importe laquelle, celle que tu veux, ça n'a pas trop d'importance. Ouais. Tu vas voir, ça tout s'affiche en vert. C'est la zone d'influence des pompiers. Ah, donc là, tu es dans une petite ville, donc là, ils peuvent intervenir partout. Là, c'est bien, là. Exactement, donc tu peux le poser peut-être pas très loin, effectivement, des écoles. Bah oui, je trouve que c'est pertinent. Après, faut pas que les sirènes embêtent les enfants. Ouais, j'entends. Non, j'entends. Tu vois, mais parce qu'il est où mon cimetière déjà? Ton cimetière, il est de l'autre côté. Tu sais, il est par là. Il est juste à ta gauche. Il est là, ton cimetière, devant toi, derrière ton. Fais un petit clic molette parce qu'on est un peu trop. Regarde, on va juste remettre comme ça. Ah. Ça va mieux voir. Voilà. Il est à un cimetière. Le cimetière est là. Alors, ça c'est mon pompier, ça. Ça, c'était pompier. Donc, en vrai. Tu peux les mettre là si tu veux. Vraiment, c'est un petit peu décentré au cœur de la ville. Là. Ouais, c'est pas mal ça. Là, c'est pas mal, je trouve. Tu peux les mettre. Près d'un nœud. Près d'un nœud. Circulation. Les pompes-lards près d'un nœud. Voilà. C'est parfait. Non, ah. Si, ça a été accepté. Riff, peut-on faire des villes européennes ou bien sommes-nous limités là. À des villes américaines? Voilà. Non, nous, on a pris le thème avec Samuel américain. Mais on peut faire des villes dans un thème très, très européen. Et on va aller aussi. Voir la caserne. Il y a le thème européen aussi. On va aller voir la caserne. Elle est là. Lycée Jules Verge, ça marche aussi. Lycée Jules Verge, c'est très bien. Et la porte d'entrée. Non, c'est posé okay, la porte d'entrée, va, donc c'est bon. Ça va. Et donc, tu as un dernier onglet que tu n'avais pas encore ouvert qui est la police. Police. Ouais. Donc là, pareil, tu n'as pas du tout d'antiquité. Là, c'est la zone. Hein. Mais est-ce qu'il y a une demande? Oui, là, oui, en général, ouais. S'il y a les pompiers, il y a les policiers. Probabilité aussi. Moyenne de criminalité, 56%. Ça va en vrai? Ouais, pose quand même. En prévision. Alors, bah, à côté des pompiers, hein. Bon, je mettrai... Pour mater la racaille, bien sûr. Tiens, moi, je le mets à côté des pompiers. Là. Oui, les pompiers, c'est très bien, juste en face. Ouais, on est près du cimetière. Alors, décale un tout petit peu parce que tu pourras pas, parce que tu chevauches. Là, voilà, là, t'es bien. Là, voilà. On est quand même dans un quartier où tu as les pompiers, les policiers, le cimetière, un restaurant Mange tes morts et un autre resto qui s'appelle Le Bon Vivant. Ouais. Pourquoi ça y a des petites icônes là? Ça, je sais pas, parce que t'as dû poser un bâtiment sans faire exprès. Oui. C'est quoi comme bâtiment? Ah, c'est un poste incendie. T'as posé un poste incendie sans faire exprès. Bah ça, je supprime ça. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Et une petite étoile, là, c'est quoi? Je sais pas. C'est une activité, c'est... Et ça, après, c'est les restos, tu sais, c'est les petits trucs que t'avais posés. T'as 11 employés sur 13. 18 employés sur 21. Quartier de la vie, finalement. Ça bosse, hein. Ça travaille. Tiens, on va voir Mange tes morts si ça marche bien. C'est lequel, déjà? C'est celui-là, le Mange tes morts. Mange tes morts. 19 employés sur 21. Ça roule. Efficacité 101%. Je savais que c'était une bonne idée. Je vous l'avais dit depuis le début qu'un restaurant, restaurant mange tes morts. Juste en face du cimetière, ça marcherait. Les gens ont faim, surtout. Tout le monde a la dalle en Non, t'as envie de boire obsèques. Un coup pour célébrer la vie, tu vois. Finaise. Mais moi, la dernière fois que j'ai fait les obsèques, c'était pas fou hein, ce qu'on avait mangé. Hein. C'était pas. Ah bah, c'est pas non plus un. Tu vois. Franchement, on pourrait faire un effort, passer un bon moment après un moment triste. Non, mais moi j'ai connu des. Je propose qu'on développe un business, Samuel. Moi j'ai connu des obsèques, mais parfois c'est un peu. Est-ce qu'on ferait pas une boîte qui s'appellerait Sam Party et c'est que des soirées après des enterrements. Oh putain, le concept. Et on est spécialiste de ça et tu fais des quiz. Le concept. Tu fais des. Pour un peu. Sur la vie de la personne qui vient de disparaître. Attends, le concept. Quelle était la couleur préférée
de Josiane. Ouais. Le rose est et tu mets des buzzers. Et là, tu mets des buzzers. Tu mets des buzzers. Oui, c'est ça, exactement. Et bravo, bravo. Tout et à voilà. Fait. Et tu as gagné un demi de bière qu'il faut partir. Un demi sec. De bière, exactement. Exactement. Et attends, on l'appellerait, cette discothèque, on l'appellerait. On va lui trouver un petit nom sympa. Le Manche des Morts, c'était pas mal quand même. Ouais, mais c'est pris. C'est pris, il a dit, il a donné ça dans un restaurant qui n'existe pas, il m'a c'est dit pris, c'est pris. C'est pris. Ah, c'est vrai que c'est. Le Sam Domfin, le Sam tué, ouais. La mise en bière. Oh, la mise en bière. La mise en bière. Incroyable. À la mise en bière. Oh là là. Et le 4 à la suite serait le 4 à la. Question pour un champion, question pour un cercueil. Question pour un cercueil. Je suis. Ça m'éclate, c'est pas mal. Oh, le ça m'éclate, c'est pas mal. Ouais, bon. Attends, avec un buffet saucisse thaïlandaise, je suis d'accord. Non mais franchement, c'est quoi ça ici par exemple? Ça c'est quoi ça par exemple, ce bâtiment? Entreprise. Dans le quoi? Je sais pas. On sait pas ce qu'ils font là. Attends, c'est gros. C'est vraiment américain, c'est gros hein. Tiens, là ça dit quoi là ça? À l'abandon? Bah, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit y avoir. Bah là tu peux détruire ce bâtiment avec le bulldozer. Il y a un problème? Ben je sais pas pourquoi il a abandonné. Pourquoi il a abandonné? Parce que peut-être. Ce bâtiment est abandonné par ses occupants. Il est mal placé? Attends, qu'est-ce que j'ai peut-être créé là parce que... Malheur, regarde, les gens sont tristes. Parce qu'en fait, y a pollution sonore. Mais oui, il y a trop de bruit. Parce qu'en fait, ils sont à côté d'un grand axe et qui sont à côté d'habitations aussi où il y a trop de, il y a du monde. Et donc du coup, ça, c'est, je le dis, c'est des gens qui veulent vivre un peu tranquille. Ah, la mixité sociale, mais c'est oui, long, quoi. Eh oui. Ah putain. Et oui, la mixité sociale, ça les rend tristes d'être à côté des pauvres. Ah, c'est dingue. Ah oui, mais ça rend triste d'être bourge. À côté des gens. Oh, ils ont quitté leur maison. Quoi. Incroyable. La boîte qu'on va créer, c'est la Discopsec. La Discopsec. Et on fait des quiz sur les gens qui sont défunts, avec, ils font des rêves parties, mais ce serait trop bien. Et ça m'ennuie. Ça mettrait une bonne ambiance. Ça m'ennuie cette maison à l'abandon, je suis vraiment triste. Non mais en vrai, c'est triste. Attends, tu vois, à côté, ils sont contents. Ça montre que t'es proche de tes riverains, ça tu fait vois, plaisir. Ils sont contents, c'est marqué contents. Qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger cette maison? Bah là, la maison, je pense qu'il faut la détruire, ils vont la reconstruire. Bon, je pense qu'il faut faire table rase du passé, des fois. Non, c'est triste, c'est triste. Bon, parce que là, je vais pas construire. Bah, je vais rien construire. Après, ils reconstruiront quand il y aura de la demande. Sur mes points, il n'y a pas de demande. Mais c'est vrai que là, peut-être cet axe, il faudrait le poursuivre peut-être un peu là. Peut-être que tu pourrais poursuivre un peu ces axes-là, mais comme tu voulais partir vers le sud, après, c'est à toi de voir. De toute façon, tu auras bien le temps de regarder. Voilà, ça parle. Donc là, on a vu qu'on parle. On sait que c'est pollution sonore, mais parce qu'en fait, les gens sont effectivement peut-être un peu proches de certains magasins et de grands axes. Il faut clairement créer des logements, et il faut créer des logements de moyenne densité. Exactement. Donc, on y va. On est parti pour les logements de moyenne densité. C'est-à-dire construire des routes au sud ici, avant là. De. Ouais. Ici, là. Exact. Tu vois. Donc avant, il faut que tu fasses des petites routes. Ah oui, toujours. Comme ça, tu. Ah, ouais, c'est les routes qui vont te donner les cases pour développer. Et les logements sociaux. On ne peut pas tout faire, d'accord? On ne peut pas satisfaire tout le monde pour l'instant. Ouais, là, on ne propose pas des logements sociaux, moi. Non, il n'y a pas de logements sociaux. Enfin, si, t'as des logements à haute densité, oui. À faible. Je crois qu'il y a, je crois, mais c'est plus tard. Est-ce que les routes peuvent aller jusqu'à la mer? Parce qu'attends, pas forcément. Oui, tu peux aller jusqu'à la mer et tu peux créer un front de mer, mais. Mais par routier, c'est assez affreux. Tu vois, juste piéton? Ouais, c'est possible ça? Non, tu peux pas faire un truc juste piéton. Pour l'instant, en tout cas, tu peux pas le faire. D'accord. Attends, on fait ça. Ouais, si. Avec des quais. Tu peux faire des quais. Ça, c'est vrai que tu peux faire des quais. Là, je suis allé trop loin. Comment je fais pour reculer? Tu vois ce que je veux dire? Tu peux, ça? Non. Après, tu peux les relier, les deux, déjà, là, tu vois. Regardez, tu peux relier tes deux routes, là. Quoi? Comme ça? Non, l'autre, celle qui est juste à côté. Celle-là, là? Ouais. Ah, c'est dans l'eau. Ouais. Tu vas aller trop loin, je vois reculer. Ouais. Bon. Tu fais échappe. Échappe. Et tu prends le bulldozer. Et tu recules un petit peu. Ah, je peux. T'es à côté, tu cliques à côté. Comme ça? Voilà. Tac. Ok, je reprends la route. Tu reprends la route. En fait, je l'ai fait trop loin. Exact. Tu vois, je vais la faire. Les modos peuvent avoir un logement d'ailleurs. Là. Bah, dis donc, vous êtes exigeant. Ah, bah non, je peux pas pouvoir là. Si. Là, non. Ah, ça te met toujours dans l'eau. Non, ouais. Regarde, hop, échappe. Tac. Tac. Ouais, essaie de venir peut-être moins à la même hauteur que l'autre et ce sera plus simple, je pense. Je pense que je suis trop prêt. Hop. Pour l'instant, dites-vous qu'il n'a fait que des routes droites. On n'est pas encore aux routes complètes. Oh là, oui. Ah, bah oui, t'as raison. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Oui, là, voilà, parfait. Voilà. Échappe. Et là, on va faire des maisons. Exactement. Et donc, des maisons, on l'a dit. Bah, attends, je vais en créer d'autres. Hein. C'est parti. Hein. Vas-y. On va faire plusieurs rangs. Hein. Hop. Des routes courbes, on n'y est pas encore. Ok. Des routes courbes, des routes. Vous êtes des foufous. Hein. Voilà. Et hop. Et pareil.
ici, voilà, je me lance dans un grand projet immobilier. Tu t'en sors de mieux en mieux là sur les contrôles, tu sais, tout ce qui est prise en main du... Mais ce qui est fou, c'est ce que je découvre, c'est que chaque jeu a ses spécificités au niveau de la manière de gérer les manettes. Particulièrement sur les jeux de gestion comme ça, sur des villes, sur des simulateurs, sur des city builders, c'est particulier, ouais. Mais quand on, une fois qu'on a les choses en main, c'est assez... C'est assez... Alors là, au départ, ouais, ouais. Il faut bien que tu connectes avec ta... Là. Exactement, il faut bien là. Que tu colles, et là, c'est bon. Hop, j'aligne, parce que je suis un peu maniaque. Alors, tu vois, j'ai laissé un peu d'espace vert, c'est pas mal, ça. Non. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, là. Et là, tu pourrais relier toutes ces petites rues, là, avec un axe qui les relie. Tu crois? Ouais, tu peux, hein. Ah, mais ça va créer du... Du trafic. Ouais, mais des nuisances peut-être, tu vois. Je me dis que ça peut être un peu. Ils sont les petites rues en général, ouais. Ça crée pas trop de nuisances. Si tu commences à faire des grosses. Toi, tu relierais tout là. Je pense que je prendrais le bout de chaque petite route là. Ah et oui. Puis j'en ferais un. Ouais, voilà. Et je passerais sur chacune et je relierais. Comme ça. Ouais. Là, du coup, en fait, là, t'as relié. Et je relierais. Là, t'es bien, t'es quasiment relié sauf celle qui est au milieu là. Mais sinon, t'es bien. Et je peux le relier. Ouais. Tu peux. Faut que je parte de là. Ouais. Voilà. Je pense que c'est OK là. Ah, nickel. Hein? Donc là, il y avait un gros besoin de logement ici. Exactement. Donc de densité moyenne. Et on y va. Densité moyenne. Je reconnais la ville de Détroit. C'est vrai que c'est un peu. C'est droit, mais quand tu. Ah, c'est américain, moi j'ai. Mais c'est normal, c'est comme une map américaine. Hein. C'est comme quand vous commencez à jouer à Minecraft, les City Builders. C'est au départ, vous faites une maison toute carrée, toute droite, avec pas de déco, et vous dormez dedans et ça suffit. Au départ, c'est pareil pour Siskin, vous faites des routes droites, utilitaires, qui vous permettent de combler vos demandes de logement, de magasins, d'industrie. Et au fur et à mesure, une fois que vous contrôlez le jeu, vous arrivez mieux à créer des routes avec des courbes, des quartiers, des échangeurs. Vous arrivez à rendre tout ça joli, harmonieux, réaliste pour certains. J'ai mis un peu de logement social en douce. Et tu sais ce que je vais faire? C'est qu'au bord de mer, là, qu'est-ce que je vais créer? Des logements un peu chicos, quoi. Bah, comme quoi, ça te rattrape au final. Tu vois, ils veulent pas, ils sont au bord de mer, là, qu'est-ce qu'ils... En fait, en gros, parce qu'ils sont à côté de logements... Oh eh oui. Et surtout, ils sont à côté d'un axe moyen aussi, donc tu sais, c'est plus ça s'éloigne de l'axe moyen, mieux c'est. Ok, donc, ok. C'est plutôt les quartiers au bout, là, qu'il y a fort. Oh là là plus... Ils sont exigeants, c'est des chansons insupportables. En mode dinar, exactement. Ouais. En mode dinar. Insupportable. Insupportable. Hein. C'est insupportable. Là, ils veulent bien, là. Ouais, allez, ok. Ah ouais, c'est. Et on voit, c'est fou, hein. J'aime bien faire avec des mods un layout de vraie ville. Ah, tu peux reproduire des vraies villes dans le jeu, ouais, c'est possible. Hein. Donc là, plutôt de la densité moyenne, là. Ouais. Et après, sur le 1, il y avait beaucoup de mods qui amélioraient beaucoup de choses. La circulation qui améliorait, qui vous créait de nouveaux bâtiments. Sur le 1 aussi, il n'y avait pas de parking. C'était très, très chiant. Ah, là, je peux faire un petit peu de HLM. Ouais, carrément. Du venu connu. Hop. Sur le 1, il n'y avait pas de système de parking. C'était un peu casse-pied. Donc il fallait. Les gens bidouillaient des trucs un peu bizarres. Oh, qu'est-ce qui se passe là? T'as vu, il y a un truc qui est apparu là. Ouais, je sais pas ce que c'est. On va aller voir. Oh, tu peux regarder sur la petite icône. Ouais. Condamné. Le bâtiment se trouve dans la mauvaise zone ou en dehors de la grille de zonage. Parce que t'as dû mettre un type de bâtiment, ouais. En tout cas, c'est rien. Mais en vrai, ça, c'est pas mal ça. Donc là, j'ai une demande qui commerciale. Qui est un... Voilà. Voilà. Et dans les nouveaux trucs, j'ai tout créé. Là, c'est d'autres trucs qui vont apparaître après. C'est d'autres trucs au fur et à mesure que tu vas développer ta ville. Attends, un petit peu de commerce. Et commerce, par contre, j'ai quoi? J'ai toujours que les commerces. Non, ça c'est très industriel, t'inquiète pas. C'est industriel, ça. Commerce. Exactement. Bon, j'ai pareil, commerce et que... En fait, t'as commerce. Mais ça, c'est différents types de commerce après, donc... Commerce. Attends. Commerce. OK. Alors là, commerce. Commerce, en vrai, tu peux en poser un peu, peut-être le long du gros axe, là, que t'as... Beaucoup. Ouais, là. Ouais, exactement, ouais, tu peux en faire là. Et oui. Là. Ah, c'est très bon, ça, oui, le long de la route, toujours. Ouais, le long de la route, comme ça, c'est... Soyons. Mais en face de la clinique, si tu veux. Y a, c'est quoi, mes bâtiments? C'est des écoles, là. Où ça? Là, les deux gros. Les deux gros, là, qui sont sur là. Ouais, c'est des écoles, là. Bon, là, tu vois, on peut faire... En fait, là, t'as le quartier. Comme ça. Lycée, école primaire, et en dessous, t'as la clinique, sur la rue d'en dessous. T'en fais n'importe quoi. Et t'es à 1500 habitants. Bon, t'es bien, là. Hop. Oh, j'ai vu un truc intéressant, là. On va retourner là, et créer là, voilà. Et on va en faire... Voilà, c'est ça que je voulais faire. N'hésite pas à rezoomer, à bouger ta caméra pour...
te voir plus voir les choses plus simplement, ça peut t'aider. Ouais, petite... Fais une rue de la soif. Une rue de la soif. Pour les Rennais, ça leur parle. Bah, tu sais qu'il y en a dans plein de villes, en fait. Hein. Oui, à Lille aussi, t'as une rue de la soif. Est-ce qu'il y en a dans le sud, il y a des rues de la soif? Je pense. Hein. Parce qu'en Bretagne, à Rennes, il y en a plusieurs. Ah ouais? Enfin... Moi, je connais pas bien Rennes du tout. Hein. Je sais que je suis jamais allé dans le centre-ville de Rennes. Toi, t'es de... Je suis de Brest, Brest-Quimper. Est-ce qu'il y a plusieurs rues de la soif à Brest? Avec une. Bah, Brest est une ville de la soif, donc donc il y a pas vraiment de rue. Donc oui. À distrait. Tu vois, et le long de la route, on pourrait faire que du commerce, quoi, en fait. Ouais, carrément. Quoi. Fais comme tu le sens, et après tu verras, tu vas tester des choses et après je verrai s'il y a des. En fait, sur City Skyline, il n'y a pas de bonne façon de faire au début. Il faut faire comme on le sent, comme on a envie, et puis au fur et à mesure, tu te rends compte que. Bon, bah effectivement, c'était peut-être plus optimisé de le faire comme ça. Tu vas avoir des problèmes de circulation sur certains trucs, mais tu apprends au fur et à mesure. C'est le jeu de. Tu peux te rater en fait sur les city builders, c'est pas grave. Tu vois, je vais créer des commerces, mais pas trop près comme de l'école. Je vais créer des logements. Là, de toute façon, les commerces, c'est vrai que les commerces, ils t'en demandent beaucoup. Mais... C'est vrai? Bah, en fait, là pour le coup, ils t'en demandent plus. Donc, ça va? J'anticipe un peu? Ouais, tu peux anticiper. C'est drôle, voilà. La Bretagne et la région de la soif. Bah, c'est le monolithe de pierre. Alors ça, c'est un bâtiment unique. Ça, t'as des bâtiments uniques, donc tu peux faire appuyer sur OK. Tu peux aller, tu vois, à côté du Rubik's Cube, là, celle juste d'à côté. Ça. Exactement. Bâtiment emblématique. Bâtiment spéciaux unique. Ouais, c'est ça. Hop, qui accorde des récompenses en XP et offre divers avantages dans leurs environs. Exactement. Ah. Alors, ils coûtent cher parce qu'il faut les mettre en place, parce qu'ils coûtent de l'argent. Donc, c'est celui-là. C'est celui-là que tu as débloqué. Et ils coûtent au grand village. Bravo. OK. Et ils coûtent... Ah, il te coûte rien, celui-là ? Une litre de pierre. Mais on diversifie, mais on valorise l'environnement. Crée du bien-être. Exactement. Donc, tu peux le poser quelque part. Alors, moi, j'ai envie de le créer. S'il crée du bien-être, il faut le créer près de l'école. En général, tu mets les bien-être plutôt à côté de tes zones d'habitation, de maison. De manière, parce que c'est plutôt un bâtiment d'habitation, de manière à ce que tes habitants soient contents. Mais l'éducation, c'est tellement important. C'est toi qui vois. Moi, je te parle de pragmatisme, du jeu de statistiques. J'ai des petits qui n'arrêtent pas de râler sur les devoirs. Les devoirs. Moi, je veux une école sans devoirs, il y en a marre des devoirs. Est-ce qu'il y a un métier où on n'a pas besoin de faire de devoirs? Des métiers où il n'y a pas besoin de faire de devoirs. Mais en même temps, en vrai, ce qui est dur à l'école, je trouve, c'est que quand tu as des cours, parce que je sais pas. Quels sont les horaires, tu vois, de tes enfants? Mais c'est vrai que moi, je me souviens quand j'étais à l'école, on commençait tôt, on finissait tard, on avait encore des devoirs. Ça, Moi, je suis un peu râle là-dessus. Moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de devoirs après l'école. Bah, en fait, si tu bosses déjà de 9h à 17h, tu rentres encore, tu es en mode devoir. Non, mais c'est la pire vie. C'est trop dur. J'espère que les enfants ne regardent pas. Je leur ai dit que ce soir, ils pouvaient regarder, parce que tu sais, Malo, il peut regarder mes streams, mais pas tous. D'accord. Tu vois, quand je joue à. Valorant, bon, il n'a pas le droit. Là, je lui dis qu'il pouvait ce soir. Donc, quelle heure il est? Il est 22h32. Ok, donc je pense qu'il est couché. En vrai, il a raison. Il devrait pas y avoir de devoir après l'école. 9h, voire 8h30, 17h, avec une petite pause d'une heure le midi, quoi. Mais c'est épuisant, quoi. Moi, je me souviens, j'étais rincé, c'était super dur. Hein. Et moi, le lycée, c'était atroce. Pas trop aimé, moi. Moi, j'avais une option. Moi, j'ai pas aimé le lycée, parce que j'avais une option sport. Ouais. Donc j'avais 4 heures de sport supplémentaires dans la semaine, 6 heures de sport même en seconde. Du coup, j'avais des semaines à 38 heures de cours. Ouais, et plus les devoirs le soir. Mes devoirs, le bac à préparer, etc., ouais. Bac S. Je ne finissais pas de mes... Et moi, quand j'ai découvert la vie active, en fait, j'ai fait... Ah, le soir, quand tu finis ton taf, ta petite soirée tranquille, qu'est-ce que je mange, petit dîner... On se fait un petit film. Ah ouais, vraiment. Hein. Mais le bonheur, quoi. Ah, c'est vraiment, c'est la vie facile, quoi. Mais ouais. Et en fait, c'est trop. Ils ont raison, les gamins. Moi, je ne devais pas avoir de devoir après l'école. Mais tu sais que, en plus, moi, ce qui était trop dur, c'est que j'étais pas un très bon élève. Du coup, je travaillais parce que j'avais vu que j'avais. La commu s'appelle les cerveaux. Tu me l'as fait pas. Oui, mais j'étais pas un bon élève dans le sens où j'avais pas de facilité. Arrivé en première terminale. Ouais. Du coup, ce qui faisait que. Moi, j'avais des potes au lycée, tu vois, ils arrivaient en une demi-heure, ils bouclaient leurs devoirs. Je sais pas comment ils faisaient, tu vois. Ouais. Moi, il me fallait deux heures. Ça m'énervait trop, ça. Les gars en maths, ils voyaient l'exo, ils faisaient. Et je les voyais toujours. Moi, j'étais à l'internat, et genre, moi, j'utilisais jusqu'à la dernière heure d'étude, minute de l'étude, pour pouvoir finir mon devoir. J'allais les voir, je disais, les gars, j'ai besoin de ça sur l'exercice. Les mecs jouaient dans leur chambre déjà sur leur PC. J'étais en les gars, s'il vous plaît, filez-moi un coup de main, je galère. C'est chaud, ça. C'est... Moi, j'avais ça pour les maths, putain. Mon meilleur ami, tu sais, il prenait le truc, il disait, bah si, ouais.
Et donc en 10 minutes, il réglait le truc et moi je pouvais passer 2 heures dessus. Ouais, pareil, mais pareil, j'étais exactement comme toi. Putain. J'étais exactement comme toi. Trop de devoirs, trop de devoirs. Attends, c'est vrai, attends, ça devrait être une vie un peu cool, l'enfance quand même, tu vois. Faire du temps pour faire du sport, découvrir des trucs, et faire du sport et tout, artistique, ouais. Tu vois. Non, non, t'es là, tu revois chez toi pendant 2 heures les trucs que t'as vu toute la journée. Mmh. Je sais pas, c'est mal fait. Je sais pas. Je sais pas s'il y a des profs dans le chat. Parfois, j'ai beaucoup d'enseignants avec moi. Plus de profs, moins de devoirs. Ouais. On a eu une discussion avec mon frère qui est prof, tu sais, qui oui. déjà bien sûr. On a eu des discussions très intéressantes sur. Qu'est-ce qu'il en pense, lui ? Sur quoi de. Bah, mon frère, il est biaisé dans le sens où il est prof, mais bah, pour parler de l'uniforme, on parlait de l'uniforme. Il disait, ouais. Peut-être, avant de payer 3 milliards d'euros des uniformes, peut-être vaudrait. Parce que ça va coûter 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Ah, ils vont le faire ? Ils vont le généraliser, finalement ? Bah, ils savent pas, mais tu sais comment c'est souvent. C'est comme le SNU, tout le monde a dit. Enfin, ils font le généraliser. Enfin, ça va coûter 3 milliards s'ils le généralisent, en tout cas. Il disait, mais c'est dommage, ce serait cool plutôt de mettre 3 milliards d'euros dans le recrutement de professeurs en plus, quoi. Pour éviter d'avoir des salles d'à 35 élèves. 3 milliards l'uniforme ? Je crois que c'était extrême. Si c'est généralisé, c'est extrêmement cher. Regarde, du coup, suite à notre discussion, je le mets où ? Près du collège et du lycée. Ouais. Voilà. Mais près des habitations aussi. Non, mais en fait, je sais pas, mais c'était énorme. Le prix, il m'a dit, je t'ai demandé, what the fuck, c'était. Voilà. Le prix était abusé. Tiens, on l'a mis là. Le monolithe. Tu vois ? Monolithe juste en face de l'école. Ça va leur donner envie, je pense, d'étudier, d'avoir un truc comme ça juste en face de chez eux. Ah oui, mais ça crée du bien-être, on a vu. T'as vu ? Tu vois ? Là, il y a le, l'école primaire. Là, il y a le lycée. 200 euros par élève, fois 12 millions. Ben voilà, ben, je vous laisse faire le calcul. Très bizarre comme bâtiment. Bon, on va aller le voir, d'ailleurs. C'est quoi ? Ça fait 1 milliard. C'est un panneau solaire. Panneau solaire. Petit rooftop. Ouais, donc, et c'est marrant parce que j'ai pas du tout eu le même bâtiment, moi, dans ma partie. Mon premier bâtiment. Et là, hop, tu m'as dit. Là, je tourne autour. Hey. Mais en fait, c'est des apparts de luxe, ce monolithe-là. Ouais. Regarde. Waouh. Ah si, ça a l'air sympa, en fait. Mm. C'est un bâtiment un peu archi, quoi. Ouais, exactement. Donc, t'as des bâtiments comme ça, uniques dans le jeu, qui vont donner des statistiques en plus pour ta ville, etc. Quoi. Trop bien. Vas-y, fais un petit peu un dézoom de la ville, là, qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Hop. Putain, ta molette aussi, toujours. Voilà. Attends. Hop. Voilà. Là. Hop. Écoute, c'est un début. Hein. C'est pas mal. Penses. Tu vois ? On sent que c'est plein de potentiel. Ouais. On sent qu'il y a plein de petits trucs qui sont allumés aussi, là. En fait, c'est les endroits, tu sais, c'est les maisons à faible densité que tu as voulu mettre à côté de maisons à haute densité. Ah, putain. Et du coup, les gens n'ont pas kiffé. La mixité sociale, c'est ça fonctionne pas. C'est dingue ! T'as vu ? C'est mais fou, alors, hein. Ça, c'est vraiment ça. Ça va pas du tout, ça. C'est tout. C'est... Ah, c'est les petites maisons, là, qui sont tu vois, à l'abandon. Sont... Joe. Eh, oui. Tu te rends compte, les gens sont partis, quoi. Ils ont dit, non, on veut pas vivre près des immeubles. On ne veut pas être à côté. C'est fou. Mais moi, j'ai essayé de créer du lien, tu vois. C'est comme ça qu'on crée des ghettos. Ah, c'est pas cool. Ouais, c'est terrible. C'est Boulogne. Incroyable. C'est Boulogne. C'est terrible. Hein. Alors, attends, là, c'est donc le jeu qui t'a beaucoup pris il y a quelques semaines. Et là, t'es sur un autre jeu, là. Là, écoute, on va lancer une aventure football manager dans pas longtemps, avec un collègue streamer qui s'appelle Poney Club. Ouais. Et donc, on va être coach d'une équipe, tous les deux, de foot. Tu sais, football manager, c'est un jeu de gestion de gestion d'équipe, ouais. Et donc, on va bientôt lancer une aventure à deux dessus. Donc, ça va être sympa. On va être tous les deux coach d'une même équipe. Donc, ah, on va coach de la même équipe, ouais, les deux. Exactement, ouais. Et donc, parce que lui est très. Moi, je joue moins à. Moi, je joue moins que lui, ouais. Mais l'idée, c'est de prendre un club et un peu d'avoir nous nos pépites, chacun à son préféré. Et tu vois, ça crée un peu d'embrouille, mais en même temps, on va être content parce que c'est Emeric, c'est celui avec qui je prenais club, c'est lui, avec lui qu'on fait les viewing parties de rugby, avec qui on regarde le rugby. Ah oui, bien sûr, bah oui. Et donc, on va parler de on avait envie de vivre une expérience un peu comme ça, sport, jeux vidéo ensemble. On a hâte de voir ce duo légendaire. Et donc, du coup, on va faire une aventure avec un club. On n'a pas encore annoncé quel club on va faire. Ah bah justement, la question était posée. Et non, on ne prévient pas. C'est un club existant. C'est un club qui existe, effectivement. C'est un club qui existe. Un club breton. C'est pas un club breton. Non, c'est pas un club français. Ok. Avec lequel on va jouer. Ok. Donc voilà. Football Manager. C'est pas Zach qui aime bien jouer à ce jeu aussi ? Si, Zach aussi. Hein, PA aime beaucoup aussi PA jouer. Aussi, hein. PA, il joue avec. Il est avec Aubagne, je crois. Mais il s'est relancé récemment. Ouais, exactement. Hein. Il a fini à Aubagne en National 2, si je dis pas de bêtises. Et donc on est sur plusieurs jeux en ce moment. Et on vous a mis la chaîne de Poney. Merci beaucoup. Si vous voulez aller suivre ce qu'il fait sur.
c'est super bien ce qu'il fait sur... Moi, je trouve que Poney Club, si vous aimez bien un peu Football Manager, c'est la meilleure porte d'entrée. Enfin, j'adore ses streams, j'adore ce que fait PA aussi. Et je trouve que il vient du milieu de la radio, Poney. Il a beaucoup travaillé à Énergie, etc. Donc, tu sais, il a cette science d'une jingle, de la musique, du bon rythme, etc. Donc, moi, j'adore ce qu'il fait. C'est pour ça que je suis trop content. Je vais aller voir. Faire un truc ensemble. Alors, je connaissais le nom parce qu'on m'a déjà parlé de lui. Ouais. Mais je suis jamais voir ses streams encore. Ouais. Et il est super. Le matin sur. Alors, il fait beaucoup de jeux de sport. Ok. Donc là, il était sur des jeux de cyclisme. Alors c'est pas la dernière rediff, je crois. Ok. C'est du vélo. On voit du vélo. Ouais. Et donc là, il est avec. En ce moment, il joue. Avec Swansea, il était sur les jeux de tennis, enfin tu vois, il est sur plein de trucs quoi. Donc pas mal de sport quand même. Ouais, beaucoup de sport. Tu vois, il était avec Swansea, donc un club gallois. Ok. Et donc il est super. T'as vu, là j'ai des commerces qui n'ont pas assez de clients parce que j'ai créé trop de zones commerciales là. Ouais, pour l'instant. Et j'ai pas d'habitation. Ouais, il faut que tu crées d'autres habitations. Ouais. Tu vois, t'as des demandes d'habitation, donc crée tes demandes d'habitation et puis ça va te. Parce que là je suis un peu malheureux, tu vois, les pauvres. Bah oui, mais là il faut que tu mettes plus d'habitations. Pas assez de clients. Donc je vais. Là c'est quoi ces bâtiments là? Ça, c'est de la résidence, ça. Ouais. Bah, je vais en créer un petit peu là. Allez, vas-y. Je vais. Parce que je suis un peu triste, là. Ah, si, je suis tombé dans la boucle Anno aussi. Attends, comment t'écris Anno? A-N-N-A-N-N-O. A-N-N-O. Je connais pas. Anno 1800, c'est un jeu. C'est un peu un city builder aussi, mais très gestion, ambiance période victorienne. Et donc, l'idée, c'est de construire ta ville. T'as des systèmes de. T'as des systèmes de production dans ta ville aussi, t'as des systèmes de ressources à gérer entre le charbon, les briques, la nourriture, tu dois commercer avec les autres villes, etc. Et à quelle époque? C'est 1800, ils disent. En vrai, on est plutôt à la fin des deuxième partie du 19e siècle. Et c'est un 19e siècle un peu fantasmé, quoi, tu vois. Mais super chouette, super intéressant. T'as des différents types de populations que tu dois gérer, les ouvriers, les paysans, les artisans. Et j'adore Anno, on va y rejouer cette semaine là. Franchement, incroyable. Je suis tombé dans la boucle. Et pareil, c'est des jeux, tu ne vois pas le temps passer. Donc on est un peu sur un city builder aussi. On est un peu sur un city builder, effectivement. Mais avec une gestion des ressources qui est un petit peu plus casse-pied, qui prend plus de place. Casse-pied entre guillemets, hein, mais vous avez compris, qui prend plus de place. Mais voilà, tu vois, j'ai créé ma ville, c'est super beau, c'est Ubisoft qui fait ça, c'est génial. Tu vois, là, à tout à l'heure, momentanément, il y avait un peu plus de clients. T'en fais pas. De toute façon, au fur et à mesure où ta ville va grandir, ça va. Là, je vais créer une route peut-être derrière les commerces. Tu peux. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je pense qu'il faudrait aussi que tu remplisses un peu tes zones d'habitation là. Non, ça touche pas là. Ça va pas. Non, ça touche pas. C'est bon. Oui, mais je veux dire, ça va si je la crée là. Ouais, très bien. Mais ça va connecter avec les commerces quand même. Oui, ça va pas connecter avec les commerces parce qu'ils sont déjà connectés. Mais par contre, tu pourras construire d'autres rues, etc. Ouais. Donc là, je peux faire ça. Ouais. Frostpunk est pas mal aussi. Ouais, Frostpunk, ce serait très rigolo avec toi pour le coup. Pourquoi Frostpunk, c'est quoi? Frostpunk, c'est un jeu aussi City Builder, sauf que c'est un jeu où rien ne va. C'est-à-dire qu'on a toujours des dilemmes. Et c'est un jeu où, par exemple, là, dans ta ville, imaginons, là, on joue à Frostpunk avec toi. Ouais. On construirait une ville, mais en fait, on est dans un monde un peu post-apocalyptique. Et donc, pour que cette ville survive, il faut qu'on décide de sacrifier une partie de la population. Qu'on décide de donner à manger ou pas à la population. Est-ce qu'on les chauffe dans les jours qui vont arriver? Parce qu'il va faire très froid dans les 48 prochaines heures de la ville. Et donc, tout ça fait que c'est un jeu qui demande de prendre. De faire des choix et donc il faut réussir à faire tenir le plus longtemps possible ta colonie pour réussir à gagner le jeu. D'accord. Donc voilà, Zerator, t'en avais parlé, Samuel. Ah, peut-être que ça. Ouais, effectivement. Ah bon? Ouais. C'est un jeu où du coup tu dois faire travailler les enfants. Ah si, c'est vrai. Tu dois faire. C'est des dilemmes permanents. Et en fait, il n'y a pas de bon choix. C'est juste. Il avait comparé ça d'ailleurs à la vie en général. Ouais, c'est un roguelike City Builder. Ouais, c'est la vie en général. Il n'y a pas de bon choix. Donc voilà, Hearts of Iron 4. Alors, sachez que j'ai hésité aujourd'hui à faire découvrir Crusader Kings 3 à Samuel. Hésité en fait. Je pense qu'on a bien fait de commencer d'abord tranquillement par en jeu de gestion par Cities Skylines. Et peut-être que si on se refait une deuxième soirée ensemble, on fera Crusader Kings 3. Sauf que je me rends compte que ces jeux en fait peuvent te prendre un petit peu de temps quoi. Hein? Un petit peu. Un petit peu? Un petit peu de temps. Un petit peu. Oui, on lui a pas encore parlé des civilisations. Alors, tu sais, j'ai joué moi aux civilisations au tout début. C'était un des jeux qu'on avait mis sur les PC des matelots. Ah ouais? Ouais, ouais. C'était genre civilisation. Ben, ça se régalait, ça, les militaires. Ah bah oui, ouais. Est-ce qu'ils font ça au SNU maintenant? En même temps, on était payé, je sais pas, la solde, ça devait être à l'époque. La solde, ça devait être 300 francs par mois. Ah ouais. Mais t'étais logé du coup au service militaire à Paris? Non. Ah ouais. Du coup, tu vivais. C'était chaud, quoi, en fait. Le service militaire était cool, mais en fait, la solde ne permettait pas de te loger, quoi. Il fallait te débrouiller. C'était 300 ou 700 francs par mois.
Ah ouais. Tu vois, on, ça ferait. Bon, il y a eu l'inflation, mais ça ferait. Ça ferait. Hein, combien ? 45 euros. Ouais, c'est entre 50 et 100 euros, quoi. Ouais, là, c'est la solde, quoi. Ah ouais. Vous n'avez pas connu ça, vous, la plupart, hein ? Ah non. 45 et 50 balles, ah la dinguerie. Bon, après, on a connu les francs, quand même. Moi, j'ai pas connu les francs. Enfin, moi, je suis 95, donc en vrai, les francs. Enfin, j'ai connu les francs, mais je j'ai jamais appris à compter en francs, si tu veux. Moi, j'allais acheter les baguettes de pain avec 10 francs. Ah ouais, putain, non, j'avoue. 10 francs ? Ça m'est jamais arrivé. Ah oui, 10 francs, t'avais des baguettes de pain. Oh, moi, j'ai connu la baguette à 1,50 francs, moi, 2 francs. Non, mais tu prenais 3 baguettes et tu prenais des bons. Ah oui, d'accord, ok, tu prenais pas une baguette. Ah ouais, tu demandes 10 francs à tes parents ? Attends, c'était 1,50 francs la baguette ? Ouais, c'était pas cher. C'était 2 francs, ouais. 1,50, 2 francs, ouais. Bah ça, c'est, ouais. Ça a bien changé quand même depuis, parce que si peu. C'est 1,15€ la baguette... Moi, j'ai connu les clubs à 7 francs, 8 francs. Dinguerie. Donc ça faisait 1€ quelque chose, quoi. Putain, mais tu m'étonnes que mes parents se sont payés une bête de baraque si tout coûtait pas cher comme ça. Bah, c'est l'inflation, quoi. Ah ouais, là, putain, je suis malheureux pour mes commerces, là. Mais t'en fais pas. En fait, il faut que tu comptes. Là, t'as de la demande, tu vois, de demande de densité moyenne. D'accord. Donc, même densité élevée. J'en ai... Et même élevé. Donc je te propose de continuer à construire, à faire venir des gens. On est à 2400 habitants, quasiment 2500. Mal, hein. Donc là, le long de la route, je peux construire là. Ouais, construis. N'hésite pas à faire des zones. Il faut pas hésiter à. Même de la densité. Là, je peux faire de la densité forte même. Même fait de la densité forte, même. Ah, attends, est-ce que tu peux faire... Là, je peux, j'ai le droit, il veut bien. Hein. Ouais, tu peux, vas-y. Let's go. Alors, je vais faire un petit peu. Oula. Ouais, fais plutôt avec le pot, comme je t'avais dit. Ouais. Le petit Rubik's Cube et tu fais avec ça. Exactement, ouais, ça sera plus. Et ici. Ouais. Ici. Parfait. Hein. Okay. Je voulais pas faire tout ça. Avec 10 francs, tu avais ton paquet de bonbons. Aujourd'hui, à 2 euros, t'as 4 bonbons. Putain, j'ai pas connu cette époque. Hein. Attends, ça a construit, là ? Moi, c'est pas mal. Attends. Et moi, j'étais à une époque où il y avait certains jeunes qui avaient 2 ans plus que moi qui comptaient en francs et moi qui comptais pas en francs, tu vois. Tu sais que moi, je compte encore en francs. Mais il y a des trucs où je me dis... Pourtant, on n'a pas tant que ça d'écart. 15... Bah ouais, mais pour moi, genre, 15 euros, c'est 100 francs. Et tu sais, je compare avec... Si, ça permet de garder la valeur des choses, en fait. Et te rendre compte que tout est super cher. Quoi. Ah, mais du coup, moi, comme j'ai grandi avec l'euro, là, tu peux recliquer parce que t'as pas les mêmes... Oui, il y a un truc qui va pas, ouais. Là. Donc, reclique sur ça. Comme ça ? Ouais. Comme ça ? Exact. Et pareil sur ton petit carré, là. Voilà. Voilà, c'est bon. Bon, là, j'ai fait un gros bloc, par contre. Hein. Bon, c'est pas grave. Je compte en francs, moi aussi. Ouais, mais c'est ouf. Choqué. Je serais curieux de voir si je peux faire de la petite maison. Ah non, il veut pas. Là. La petite maison, ça va être. Ah, tu peux pas le faire là-bas. Il veut pas. Mais non, mais il veut pas. Putain, j'ai vraiment des habitants, c'est un peu des rupins, tu vois. Tu vois des rupins. Voilà, je suis au bord de l'eau là. Je suis au bord de l'eau. Je peux pas créer de la petite Arsène maison rupin. Sympa là. Non mais tu vois, c'est fou ouais, ça. Mais peut-être essaie de dézoomer un peu que je vois est-ce que tu peux construire tes petites maisons. De toute façon, t'as pas de demande pour les maisons pour l'instant, donc. Ouais. En fait, dis-toi, dans ce carré là. La mixité sociale. La mixité sociale. Si, là. Ouais, tu peux. Mais de toute façon, je pense que tu as de la demande sur de la densité élevée, donc il faut plutôt faire de la densité élevée. D'accord. Regarde, t'as les gros immeubles là, à droite. Ouh ouais, logement à loyer modéré, donc ça, c'est les logements sociaux. Ah, c'est très bien ça. Voilà. Bah, ça, je peux en construire partout. Tu peux en faire là-bas. Oui, bah, ils acceptent. Hein. En général, les gens sont moins rupins. Hein. Attends. Des logements sociaux sur la côte, hein, s'il vous plaît. Hein. Attends. On aimerait un logement social sur la côte. Hein. Bah, tu sais quoi, je vais créer des logements sociaux sur la côte, moi. Eh ben, voilà. Allez-y, monsieur. Ouais, parce que hop. Est-ce... Voilà, ouais, très bien. Et en face, hop, mixité sociale, hop, du moyen. HLM vue mère. Et là, voilà. Et là, je vais recréer un gros. La map n'est pas infinie, non. La map est très grande, mais elle n'est pas infinie. Tac. Oh, c'est quoi là ? Ah, il y a un truc déjà. Tu peux... Tu fais un petit... Fais échappe pour voir. C'est quoi, ça ? C'est un resto ? Non, ça, c'est la police. C'est la police. C'est un resto. Il rentre chez les gens. Bonjour, c'est ici qu'on peut manger du poulet ? Non, c'est la police, là, c'est monsieur. Il faut s'en aller maintenant. Ah, c'est pour ça qu'on dit. Bon, et comment se comporte ma ville ? En tout cas, ta ville va bien. 2 millions. Donc là, c'est... Oula. Là, t'es bien. Alors, va sur la côte, vite fait. Bah, toi, sur la côte. Là ? Va un peu à droite. Ouais. Et là, tu vois, t'as une petite tache marron. C'est pas bon ça. Mais ça, c'est les évacuations. Ça, t'as pas le choix. C'est-à-dire que pour l'instant, attends. Où t'en es dans le jeu. Mais c'est pas bon ça. C'est le caca. Mais alors, il faut faire une station de trucs là. Bah, pour l'instant, tu peux pas faire encore de station d'épuration. Station des déchets là. Oh merde, ça c'est quoi ? Ah, mais c'est chaud. Ça pour. Tu dois laisser ça comme ça pour l'instant. Ah je suis désolé. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir dormir là-dessus. Ah, je sais. Le cacalac is alive, mais oui, je sais, le cacalac, c'était notre boisson qu'on avait fait à la base. Mais une zone de baignade. Mais une zone de baignade. Là ça pourrait, hein. Le popo dans l'eau. Je vais faire chier les gens qui ont un peu de sous, je vais créer des belles résidences là. Je vais les mettre là. Tu peux leur dire, les rupins. Hein ? Les rupins. Là, je vais mettre des belles quartier résidences. Quartier de Saint-Germain en Vumère. Attends, on va voir s'ils veulent. Vumère. Attends.
vue merde. Attends. Regardez s'ils veulent bien des belles maisons. Ah, ah, ils sont belle maison vue merde. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils vont venir dedans puis ils vont les abandonner. Et donc on dirait que la ville fait une gastro en fait. Tu vois oui, les gens font caca, Samuel. Oui, mais j'ai pas un système de. Alors si, alors va dans amélioration. Alors va dans ton niveau ici. Ici. Exactement. Tu vas dans ville, dans l'onglet ça, haut ici. Ça. Au-dessus. Non, ça. Ici. Donc là, t'as usine de traitement de l'eau. Ouais. Station de pompage des eaux usées. Ouais. Donc ça, tu pourras le débloquer, mais plus tard. Ça. Et donc ça va. Tu pourras le mettre à côté côté du caca. Ouais. En fait, ça pourra pomper l'eau du caca. Oui. Et ça te permettra de nettoyer l'eau. C'est ça, c'est ça. L'eau. Mais là, je peux pas le débloquer. Là. Mais tu ne peux pas le débloquer pour l'instant. J'ai pas assez de points. T'as pas assez de points. Là, tu peux mets juste vite fait l'usine de traitement des eaux. Ouais. Ça, j'ai pas encore été testé dans ma partie. L'épuration de l'eau et le traitement de la purification des eaux usées peut être remise en circulation en toute sécurité dans le réseau de l'eau ou l'environnement. Très bien, tu peux déverrouiller ça. Ça se tente, hein. Ouais, carrément. Moi, je l'ai pas encore utilisé ce bâtiment, donc là, pour le coup, je vais le découvrir avec toi. Attends, toc, on y va. Non, c'est dans. Ah non, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau, effectivement. Et. C'est tout à droite, du coup. C'est ton nouveau bâtiment. Là. Usine de traitement des eaux usées. Tu traites les eaux usées, purifie les polluants. L'eau traitée est ensuite renvoyée dans le réseau d'eau. Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que l'eau a comme un petit goût de mer ce matin. Bah, c'est normal. Il y avait une petite fuite dans le système de recyclage de l'eau. Attends. Donc. Qu'est-ce qu'on pense ? Ouais, ça, t'es pas obligé de le coller, je pense, parce que ça va être un système... Ah bon ? Moi, je te propose ce truc-là. Moi, souvent, ces bâtiments un peu, tu sais, mi-industriels et tout, je les mets dans la zone indus. Comme ça... Ah, donc c'est pas grave bruit, si c'est pas près de la zone caca ? Non, je crois pas, en tout cas. C'est la première fois que je vais utiliser ce bâtiment avec toi, donc... La zone industrielle... Elle est à gauche. Elle est à gauche. Elle est là ? Exact. Donc, okay. Peut-être mets-le de l'autre côté de la route, comme ça, tu le vois bien, ton ici. Bâtiment. Voilà. Collé à la route. Colle-le à ta route, je pense, parce que là, il est pas collé. Qu'est-ce qu'on pense ? Ouais, il est bien, mais colle-le juste à ta route, tu penses. Il est pas collé là ? Non, là, t'es sur les cases. Tu veux dire comme ça ? Voilà, exactement. Là, c'est collé ? Ouais, c'est collé. Hop. Alors, ok. Et donc, ce qu'on peut tester. Il est relié là, impeccable. Ouais. Est-ce que tu peux aller supprimer. Prends le bulldozer. Ouais. Et supprime le truc de traitement. Enfin, tu sais, qui déverse tout le caca dans la rivière. Voir ça. Supprime. Quoi ? Supprime, ça là ? Ouais, supprime ça. Mais c'est quoi ça en fait ? Ça, c'est ce qui rejette, tu sais, l'eau usée dans l'eau. Ah oui ? Donc ça, supprime, comme ça, il n'y aura plus d'eau usée dans la mer. Mais. Et du coup, c'est le traitement des. Tu sais, c'est ta station que tu viens de poser qui va prendre le relais. C'est moi qui l'avais posé ce truc ou pas ? Oui, c'est nous qui l'avions posé. Ah bon ? En fait, on n'avait pas le choix au début. J'avais oublié. J'étais obligé de le mettre au début. Sinon, caca, il va où ? Sinon, il va dans le. Il reste dans les tuyaux. Le bidon des petits gens de. Il reste dans les tuyaux ? Ouais, chez les. Cacaville. Chez les Chypriotes. C'est Cacaville. Il va chez les Chypriotes. Il va dans le ventre des Chypriotes, le caca. Attends, je supprime ça. Hop. Ouais. Fait oui. On va voir. Ah, ça se trouve, attends, ça se trouve ce qu'on fait là ? Ça se trouve, là, on va contaminer toute l'eau de la ville. Merdrouville, quoi. C'est pour ça qu'il est toujours bon de faire pause après avoir fait ça. Ouais. Voilà, alors, vas-y, attends. Fait. Il y a un truc bizarre qui s'est affiché quand même. Ça, c'est juste là. Ça veut dire qu'il y a. Et là, on va avoir plein de messages d'alerte. Dézoome un petit peu pour voir. Ouais. On a fait une dinguerie. Attends. Non, c'est bon. C'est sûr ? Ouais. Va c'est sur quoi, le point bleu là ? C'est parce qu'il n'y a pas encore assez de clients, t'as beaucoup de magasins. Oh là là, j'ai créé trop de zones commerciales. Mais oui, mais tu es un capitaliste effréné. Oh. Va sur le point info pour voir vite fait. Ici, là ? Exactement. Va sur l'onglet, le petit haut, tout en haut. Là. Voilà, exactement. Et on est le traitement de Zoé. Ben parfait. On est bien. C'est bon. Donc on a mis fin à. Bravo, monsieur. À la gastro. On a mis fin au caca dans la rivière. Par contre, tu vois. Franchement, on aurait pu faire ça avant dans notre partie. Non, mais j'ai développé trop les zones commerciales. Je t'en supplie, Rivenzi, il faut que tu parles de Hearts of Iron. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas ne pas le faire. Hearts of Iron. Oh là là. Iron. Alors là, c'est terrible ce que je viens de parler. Vas-y. Alors, Hearts of Iron, c'est le jeu l'un des jeux les plus dingues auxquels je n'ai jamais joué. Ok, tu n'y as pas joué. Ah, là, il vient de voir à quoi ça ressemble, il est en bonne main, maman. Tu n'y as pas joué. Ah, moi, j'ai joué. C'est un des jeux les plus dingues auxquels j'ai joué. Ok. En gros, Hearts of Iron, c'est quoi ? Hearts of Iron 4 ? Iron. Ce jeu te replace dans. Non. C'est juste ici. Alors, Hearts of Iron 4, c'est un jeu. Ah, c'est Risk ? C'est un peu comme un Risk, exactement. Tu es en 1936, tu commences en 1936, et donc tu peux incarner un pays. À la veille de la Seconde Guerre mondiale. Go l'Allemagne nazie, c'est parti. Tu peux jouer si tu veux l'Allemagne nazie. Allez. Si tu veux, tu peux jouer l'Allemagne nazie. On va prendre nazie. Les bâtards. Wow, le clip out of context qui va faire mal de fou. Ah ouais. aïe, le clip out of context. Mais Modo, on va désactiver la possibilité de clipper. De clipper là. Aïe, c'est terminé. C'est terminé, Samuel. Et les gens. T'inquiète pas, je te laisserai des créneaux sur ma chaîne, t'en fais pas. Va. Et donc, en fait, l'idée, ce jeu est absolument incroyable parce que donc tu peux mener des guerres face à tes voisins. Tu peux décider de faire des choix historiques, de faire comme l'histoire s'est déroulée,
Donc imagine si je joue la France, et ben la France perd, donc je me fais battre, et puis après je joue général de Gaulle, j'essaie de survivre, etc. Soit je peux décider de prendre un vire, j'ai des grandes décisions qui peuvent être prises, et je peux décider de faire une uchronie, donc changer complètement l'histoire. Et créer des alliances. Et créer des alliances qui sont impromptues. Par exemple, dans la partie que j'avais fait, moi je jouais la France, Hitler avait été renversé en Allemagne dès 1937. Et donc Hitler n'avait jamais déclenché la Seconde Guerre mondiale. Et grâce à qui? Et en fait, c'était le descendant de Frédéric II, donc de l'ancien empereur, qui était revenu, qui avait créé un nouvel empire d'Allemagne, mais qui n'était pas nazi, qui était un empire d'Allemagne un peu plus classique. Et Adolf qui faisait de la peinture à l'époque. Et Adolf, c'était Tchao. Et nous, par exemple, on avait fait revenir sur le trône Napoléon VII. On avait, la France était redevenue un empire. On avait créé le Troisième Empire français avec Napoléon VI. Et en fait, tu peux faire en sorte que la France devienne communiste, tu peux décider qu'elle devienne une royauté, un empire, tu peux faire ça avec la Russie, tu peux faire ça avec l'Italie, tu peux faire ça avec... Et tu peux quasiment jouer tous les pays du monde, avec chacun leur arbre de décision. Oh, mais tu mets le doigt là-dedans, mais c'est absolument exceptionnel. C'est sans fin. C'est absolument exceptionnel. Et du coup, tu peux faire... Elia peut, quand tu décides de ne pas faire un choix historique, ça part dans tous les sens. L'Angleterre, elle devient communiste, ils se sont alliés avec l'URSS, moi j'étais dans mon coin, et puis en fait, on a conquis tout le monde entier. Tu peux voir notre dernière partie, le dernier épisode, on avait conquis le monde entier. On était devenus empereur du monde. La France ? Ouais, la France, ouais. La France ? Ah, c'était incroyable. Ça, c'est beau, c'est exceptionnel. Et ce qui est très bien fait dans ce jeu, c'est que toutes les options sont vérifiés historiquement. C'est-à-dire que si, imaginons, un communiste arrive au pouvoir, eh ben, c'est Maurice Thorez, donc c'était un vrai français communiste de l'époque, qui devient président du Conseil, qui devient le chef de ce nouveau régime communiste. Par exemple, en Allemagne, c'est des vraies personnalités politiques, elles ne sont pas inventées. Si mais Napoléon VII, par exemple... Il a vraiment existé. Napoléon VII était résistant français pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, ah bah oui, descendant. Il était le descendant était résistant français, s'est battu pour la France. Et donc, ils ont récupéré son vrai portrait. Et donc, quand tu le mets sur le trône, c'est son vrai portrait histo. Mais c'est un boulot de fou. C'est exceptionnel. C'est un studio français ? C'est le même studio qui fait, Cities Skyline et Crusader Kings. Et je crois que c'est, du coup, c'est un studio qui est... Napoléon VI ou Napoléon VII. Enfin, c'est Napoléon VI ou VII. Je crois qu'il y a le développeur et puis il y a le studio. Et donc, c'est suédois-finlandais, je crois. Alors, c'est un jeu qui est extrêmement complexe à prendre en main. C'est très, très difficile. C'est de la production, c'est machin, mais les possibilités sont exceptionnelles. Ça s'appelle Hearts of Iron 4. Toutes les flèches que je vois là, c'est des offensives. Ça, c'est des zones de déploiement de parachutistes militaires, ouais, exactement. Parce qu'on avait attaqué l'Angleterre. Et on avait fait, et là, pour le coup, ce qu'on avait fait, on avait aussi fait un délire RP sur ce jeu. Et donc, ce qui fait que chaque membre de la communauté incarnait un représentant du pays. Et donc, on avait créé la Société des Nations, qui était l'ancêtre de l'ONU. Et donc, dès qu'on prenait une décision d'attaquer un pays, il y avait une réunion de tous les pays en vocal sur Discord. Non ! Et chacun représentait un pays en mode « Oui, bah, nous, on est le Luxembourg, on n'a pas envie que vous attaquiez. » On est « Oui, mais vous êtes le Luxembourg, on s'en fout. Ouais. » « Ouais, mais on est quand même le Grand-Duché du Luxembourg. » Et donc, à un moment donné, sur notre partie, on a eu la très grande alliance de la France, des États-Unis et du Luxembourg qui se sont alliés pour défaire l'Allemagne, pour défaire l'Allemagne, quoi, tu vois. Et donc, on avait la Société des Nations avec Sophie de Saxe, évidemment, bien sûr, à Rennes, tout à fait. Et ça, c'est sorti quand, ça? Et ça, c'est sorti... c'était qu'il est assez vieux, le jeu. Hein. Il date de 2000... Ah, je ne sais plus, les gens, vous allez me dire, mais il date un peu. Et là, comme tu joues à un chef d'État... Ouais. Du coup, t'es en costard, cravate. On avait pris des vrais costards des années 30. J'ai vu là. C'était un vrai costard des années 30 qu'on était allé récupérer dans une boutique. Et tu te balades après sur le jeu. Il y a des moments où tu vas nous voir avec la Société des Nations. Je sais pas trop quand on est dans le bureau ou quoi. Incroyable. Ici. Donc voilà. Oh là, tu vois, c'était des représentants en vocal des pays. Ah, c'est génial. Ouais, exactement. Donc ils nous faisaient des communiqués en mode ben voilà les alliances. Et le RP, etc. C'est avec des amis streamers. Ah non, c'était des viewers. C'est des viewers. Comme pour Cities Skyline. Pareil que c'était des viewers qui acceptaient de jouer, le jeu. Et en vocal. Exactement. Avec les vrais visages, là. Alors oui. Alors nous, du coup, on avait... moi, j'avais été fait un visage dans le jeu. Et j'avais un maréchal donc, qui était Squalala, qui était un membre de la communauté, qui lui gérait toute la partie militaire de la partie. J'avais Hervé Robichet qui gérait un peu la partie diplomatique. Et après, on avait des vrais gens qui jouaient des vrais personnages historiques. Mais c'est un travail de prépa de fou. Bah, en fait, après, ils les faisaient un peu légèrement, tu vois. Mais ils avaient Sophie de Saxe, ça vraiment existait, par exemple. Ça, c'était très rigolo. Mais c'est fou. C'était vraiment, vraiment chouette, ouais. Mais ça, c'était une aventure de fou aussi. Bah, tu vois, je regrette que mon petit Malo de 7 ans soit sûrement couché, là, parce que ça, je pense qu'il aurait. Ouais, mais ça, c'est un jeu complexe, mais qui est. Il aurait vu jusqu'où ça peut aller, quoi. Ouais, ça peut aller loin. C'est encore une autre dimension, tu vois. Ah, mais c'est fou. Et tu sais, quand tu peux créer des uchronies, en fait, là, on vient de faire le Troisième Empire français, là. Et là, on attaque. Enfin, c'est trop stylé.
La prochaine fois, il faudrait qu'on fasse un jeu comme ça. Jeu histoire, quoi. Ah, bah on peut, hein. Histoire. Bah, Crusader Kings, c'est un peu dans ce style-là. Ouais, mais on avait hésité, hein. J'avais hésité. Bah, la prochaine fois, du coup, on pense que c'était dans ce style-là. C'était plus complexe pour moi. Crusader Kings. C'est pour ça que celui-là, on commence par ça. Et. En fait, c'est complexe, mais différent. C'est-à-dire que ça ne demande pas des mécaniques. Ouais. Mais ça demande de connaître le jeu finement. C'est-à-dire que c'est des tableaux, si tu veux. Donc ça ne va pas te demander de bien viser, de bien cliquer, de bien machin. Par contre, ça va te demander de réfléchir, de manigancer, de trahir, de réfléchir. Ben, voilà, Joe, tu voulais montrer un truc, pardon. Ça, c'est Crusader Kings, c'est le jeu auquel que j'ai hésité de te faire on jouer. On hésitait entre ces deux-là. Ça, là, je jouais un seigneur norvégien. Et donc, là, tu... Ouais, donc, en vrai, j'ai hésité, parce que je suis allé voir le jeu quand tu m'as proposé, je suis allé voir les deux. Ça. Et c'est vrai que l'univers était super séduisant. Ouais, et donc là, tu peux... là, l'idée, c'est que tu joues un seigneur. Là, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de moment d'action, vraiment de... C'est vraiment que de la réflexion. C'est comme risque. De la stratégie. C'est risque, en fait. Voilà. Et donc, tu peux décider... Là, tu joues un petit seigneur, donc tu peux décider de jouer soit le roi de France. Moi, j'avais joué le roi de le duc de Bretagne, oui, parce qu'à l'époque, c'était des tout petits royaumes, quoi. Ouais, et du coup, tu peux jouer duc de Bretagne, et puis tu décides de monter dans la hiérarchie. Donc, comment est-ce que tu fais? Tu décides de faire la guerre, très simple, efficace. Créer des et alliances. Si t'es plus petit, est-ce que tu vas pas plutôt créer des alliances? Te marier avec des filles ou des fils de puissants? Est-ce que tu vas pas tenter d'assassiner aussi? Tu vas essayer de tromper, de te rapprocher, de faire partie de conseils. Est-ce que tu dois te marier avec ta cousine, pas avec ta cousine? Exactement, c'est ça le truc. Et c'est ça, c'est un jeu, c'est des jeux qui sont exceptionnels et c'est des jeux qui sont un peu difficiles à prendre en main. Mais une fois que tu as compris. Par exemple, quand je me. Moi, je me promène beaucoup sur, sur Twitch pour voir les streams, pour voir ce que les gens streament, de quoi ils parlent, qu'est-ce qui... c'est marrant parce que subitement, parfois, tu vois un jeu qui est plein de gens dessus, tu vois. Tout ça, tu le connais par cœur. Bah, ces jeux-là, je ne les vois pas beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est des jeux très niches parce qu'ils sont compliqués à prendre en main. Mais, quand les gens tombent sur des streams de gens qui jouent, ils sont contents parce que... Je n'avais pas vu. On fait des petites danses traditionnelles. Il y a Beatle qui dit si c'est qui demande si c'est un seigneur norvégien ou un sosie de Patrick Juvet. Ah, c'est un peu les deux, je pense. Patrick Juvet. C'est génial. Et donc, c'est trop bien parce que dans ce jeu, tu peux créer ta propre religion. Incroyable. Tu peux décider de partir en guerre contre le pape. Enfin, voilà, il y a tellement de possibilités. Qui sont... Enfin, moi, je trouve que c'est... Mais tu sais, je le répète à chaque stream, mais c'est fou parce qu'à chaque stream, je découvre un nouvel axe, un nouveau bout de cet univers qui me semble, du coup, mais aujourd'hui infini. Alors, il est peut-être fini, mais moi, il me semble infini. Ouais, il me semble infini parce que, tu vois, j'ai l'impression d'avoir déjà découvert beaucoup de jeux. J'ai découvert 20 jeux, mais en fait, 20 jeux, c'est rien. Après, tu as découvert des jeux avec des styles différents quand même. Quoi. Oui. Tu vois, Valorant, c'est pas City Skyline. Tu as découvert encore, avec The Great Review, tu avais Outer Wilds. Outer Wilds, tu vois, as découvert plein de choses. Encore autre chose. Moi, je trouve que c'est cool que tu découvres des jeux parce que les jeux sont tous différents. J'ai la petite ville minuscule. C'est bon, ça continue à se développer. Bah, incroyable. Sans rien faire, j'ai développé un truc. Bah oui, ça continue à bosser. Exactement. La ville, elle tourne. Hein. Elle ne s'arrête pas de tourner. Hein. Donc non, il y a plein de choses qui sont... Tu avais fait Hitman aussi avec Zari. Oui, tu vois, le stream était super. Pour une raison... D'ailleurs, c'est fascinant parce qu'à un moment, il y a un jeu qui rentre en écho avec ta personnalité et tu ne sais pas forcément pourquoi. Pourquoi, par exemple, j'ai été happé par Valorant alors que Hitman est un jeu où... c'est pas la même chose, bien sûr, mais où tu vas quand même flinguer les gens et viser un peu le headshot. Même si c'est pas du tout la même mécanique, j'ai pas du tout été attiré. Tu vois, c'est marrant. À aucun moment, je me suis dit, je vais rejouer à Hitman. Mais toi, t'as un vrai côté où t'aimes le tryhard et le ranking, je pense. Toi, il te faut de l'esport. Ah, t'aimes bien le côté compétition, quoi. Ah ouais. Tu crois? Bah, tous les jeux auxquels tu t'accroches, à part la narration. Regarde les jeux narratifs, j'adore. Les jeux narratifs, oui, mais parce que c'est un film. Mais vraiment, tous les jeux que t'aimes bien, généralement, il y a une petite dose de tryhard. Tu crois que c'est ça? Je sais pas. Bah, regarde, dans Detroit, tu veux faire les meilleurs choix. Tu vois, parce que moi j'essaie souvent de. Moi, c'est mon côté un peu, tu vois, optimiste, de que les choses se finissent bien, que les méchants soient châtiés. Ouais, sauf que du coup, ça se passe pas tout le temps comme ça. C'est pas pour être. Mais Fall Guys, il y avait pas de fun dans Fall Guys. C'était gagné, lui. Ça s'amusait pas. C'est clair. Il aime juste la dopamine comme le café. Il aime juste la dopamine. C'est exactement ça pour le coup. Non, c'est peut-être pas que ça, parce que Hitman, c'est peut-être du tryhard aussi. C'est peut-être autre chose, je sais pas. Non, il y avait un côté dans. Ah oui, dans Hitman, il y a un truc qui me gênait, c'est que il était amené à tuer des. On sentait qu'il était amené à tuer des innocents, quoi. Et moi, je peux pas, en fait. D'accord. Moi, j'essaie de. Tu trouves une justice. En fait, j'ai du mal à séparer qui je suis du personnage que je joue. Okay.
Tu vois, par exemple, dans The Witcher, je joue un Gérald de Rive qui est assez fidèle, qui refuse les avances de toutes les magiciennes. Du coup, quand sur Hearts of Iron, on t'a parlé de jouer les nazis, t'as sauté sur l'occasion, quoi. Bah justement, c'est loin de moi. Oui, c'est ça, bien sûr. Je pourrais pas, quoi. Évidemment, j'entends. Mais peut-être qu'à un moment, d'ailleurs, je vais me déconnecter de ça. En même temps, sur Valo, j'arrête pas de flinguer des gens, quoi. Ouais, c'est un peu ça, le truc. Il faut que j'analyse tout ça. Ouais, c'est ça. Il va y avoir... Valo est plus raisonnable, évidemment. 23h04, les amis. Je vous ai pas beaucoup remercié pour les subs ce soir. Donc, je vais faire un petit coucou à Petit Paul, à Mioborg, à Smith94, à Luigi's. Il y avait un raid de Dabi Doster que j'ai pas vu, Midze, Malako, Blackout, Shankum, Alexandal. Que des pseudos sages, d'ailleurs. C'est marrant. On s'est lâché dans le jeu avec notre Gibraltar, là. Mais les pseudos étaient calmes. Tu vois ce que je veux dire, les pseudos? Bien sûr, les gens sont très bien. Voilà, ils sont... Ouais. Tiens, hop, je vais regarder un peu tes petites rues. Merci en tout cas. Joe, merci. Non, merci à toi, c'était cool. C'est des jeux auxquels tu as joué, toi, les jeux comme celui que Rive m'a moi, fait découvrir ou pas? Moi, je suis moins fan de, par exemple, City Skyline, mais je suis très très fan de Anno. Ouais. Je trouve ça formidable. Anno. Et je trouve que justement, en plus de rajouter un petit côté où... Enfin, ce que tu as dit tout à l'heure sur le temps, le côté tu peux commencer à jouer à 6h du soir, enfin 6h de l'après-midi, tu as fini à minuit, tu t'en es pas rendu compte. Enfin, il y a un vrai truc où je suis happé. Il y a rien qui est en train de m'arranger en deux clics, en train de m'arranger ma ville. Non, pas du tout. En fait, je suis en train de regarder un petit peu parce que le dernier volet qu'il fallait que tu découvres aussi, c'est les transports en commun. Et là tu as créé une station. Un dépôt de bus, et donc tu peux poser après les arrêts de bus. Après, tu peux avoir genre métro. Ouais, exactement. Métro, tu peux avoir des avions, tu peux avoir un tramway. Ah, mais pour réduire la pollution en plus. Exactement. Parce que qui dit bus, transport en commun, moins de voitures. Parce que souvent, tu as des problèmes de circulation. Et donc, du coup, pour avoir. Tu évites les problèmes de circulation, tu commences à créer des lignes de bus. Incroyable. Et donc là, tu commences à avoir. Imagine, je commence ma ligne de bus ici. Et métro, il y a métro ? Il y a métro, bien sûr. Mais ce sera plus tard quand on aura une ville plus grande, parce qu'un métro avec 3000 habitants. Ouais. Ouais, on va bien. Mais c'est vrai que c'est. Vous faites un peu de zèle, monsieur Étienne. Folie des grandeurs, quoi. Mais exactement. Et donc, tu peux créer ta ligne de métro, tu peux faire plein de trucs. Enfin, c'est un jeu qui est hyper complet, quoi, tu vois. Mais elle est bien, cette petite ville-là, Gibraltar. Bah ouais, à un moment, je vais devoir la retrouver. Il va falloir que je m'en occupe un petit peu, quoi. Un jour, hein. Il va falloir que je la retrouve. Joe, ça, c'est via Steam ? Ouais. Ouais. Juste à connecter. C'est ça. Et là, je retrouve ma partie. Je retrouve Gibraltar. Il faut qu'on le mette sur le cloud, alors. On va vérifier juste après. Ouais. Bon. Mais attends. Ah, mais. J'ai jamais zoomé comme ça, moi. Là, ah oui, mais tu maîtrises quand même vachement mieux la caméra que moi, quoi. Et là, c'est bien détaillé quand même, hein, quand tu vois de près comme ça. Ouais, c'est incroyable. Là, tu peux descendre super bas dans la précision. Ouais, exactement, pour aller voir les petites voitures, tu peux voir les bus. Tu vois pas les habitants ? Si tu vois les habitants, si tu vois de temps en temps. Si, tu as beaucoup de points liés aux piétons, les demi-tours. Il y a sur ligne jaune. Ouais, c'est pas très bien ça. A-t-il vu une grande ville ? Faut que je te montre une grande ville en vrai, pour que tu vois à quoi ça ressemble. Yes. Comment tu vas faire ça ? Tiens, je vais vous montrer la ville d'un créateur que j'adore sur City Skyline, qui est sûrement le créateur de contenu, Bill Silverlight, qui est le mec qui fait les trucs les plus fous, je pense, sur... voilà à quoi ça ressemble une ville. Oh putain. Ah oui, ça ressemble pas à la mienne du tout. Incroyable. Ce qu'il fait, c'est fou. Donc lui, tu vois, il a fait du terraformation pour que ces petites îles-là, ça puisse être carré, que ces rues fassent vraiment les angles, etc. Et lui, enfin après, lui, c'est la préparation en amont aussi, parce qu'il sait où est-ce qu'il va mettre quoi, etc. C'est le mec est très, très, très fort, quoi. Et donc après, bah, c'est du travail de précision. Enfin, il a un niveau qui est... C'est un Américain ? C'est un Français. C'est un Français ? C'est un Français américain. Enfin, franco-américain qui fait ses vidéos en français. C'est propre, hein. C'est très très vu propre, les routes, c'est pas. Et là, il y a pas de place au hasard, quoi. C'est tellement bien ficelé, etc. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un endroit où on voit bien la ville un peu dans l'ensemble ? Tu vois, puis il explique tout est logique. Tu vois, là, il part en souterrain pour parce que tu peux faire des routes en souterrain aussi, bien sûr. Tu vois, il y a des petites îles où il sait qu'il va mettre déjà des habitations par endroit. Enfin, c'est fou le niveau. Et là, c'est ses dépôts de bus ici. Avec ses lignes de bus, c'est fort, il est très fort. C'est pas la même. Ah, écoute, après, un jour peut-être. Chacun son truc, quoi, tu vois, après, c'est ça aussi. Mais bon, c'est... Voilà, à un moment donné, tu peux arriver à un truc comme ça, quoi, si t'es très fort. Ouais, je sens que je vais m'y remettre dans pas longtemps, quand même. Ça t'a plu ? Ouais, mais il faudra que je trouve le moment. En plus, mais je me dis qu'on n'est pas obligé de jouer très longtemps, qu'on peut reprendre...
tu vois. C'est, ah si, si. Ouais, c'est marrant, hein, ça, non. Non. C'est ce qu'on se dit, hein, mais... Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Genre, et en fait, c'est vraiment moi, c'est vraiment un jeu du chill, c'est-à-dire que c'est un jeu où tu fais ta ville, il n'y a pas de pression, tu n'as pas vraiment d'objectif, si tu veux, à part créer une ville sympa. T'es pas en compétition avec quelqu'un d'autre. Du coup, souvent, moi, c'est des jeux où moi, j'adore quand on peut discuter avec le chat. Alors, nous, on a le RP. Et en fait, le RP se place bien dans ces moments un peu de calme, de chill. C'est que nous, on avait des sessions avec le RP où on n'ouvrait pas le jeu pendant 3 heures. Parce que les gens alimentaient le RP, on avait des discussions, mais, etc. Mais je trouve que c'est un bel outil d'échange avec le chat. Oui. Parce que tu vois, chaque décision renvoie des choses qu'on connaît, qu'on vit. Exactement. Ouais. Tu vois, dans la vie de la cité, dans la vie du pays. Mm-hmm. Voilà, j'ai beaucoup parlé de mixité sociale, par exemple, parce que c'est un vrai sujet. Voilà, et on a vu que le jeu, par exemple, ne le permettait pas. Donc ça, c'est un truc qui m'a un peu embêté. Ouais. On a parlé d'écologie, on a parlé de plein de choses. Et du coup, sur une chaîne où on parle pas mal d'actu, c'est pas mal. Non, mais c'est intéressant. Enfin, tu vois, nous aussi, c'est live sans jeu, bien sûr, au Toulouse, tu sais. Mais en fait, c'est des trucs où nous, on a mis du RP, et puis c'est rigolo parce que ça faisait beaucoup écho par moment à l'actualité, bien sûr, parce que ça nous faisait rire sur beaucoup de choses. Et en fait, ben, c'était le meilleur RP et le plus facile parce que vu que ça nous concerne directement, c'est un truc très réel aussi. Donc top. Ça fonctionnait bien, quoi. Mais je suis content que ça t'ait plu. Peut-être, tu vois, genre peut-être parallèlement à la revue de presse, c'est-à-dire en même temps. Carrément. En même temps. Tu te dis, allez, en même temps que je suis en train de... Voilà, on va aller dans le ciel, on va aller dans le... Puis je vais créer des bâtiments qui vont des bâtiments de journaux et on va aller dans Libération. Mmh. Ce serait drôle. Il y a des bâtiments sociaux pour aider les classes populaires. Ouais, exactement, oui. Tu as des endroits où tu peux poser des bâtiments pour d'aide sociale, etc. Ok. Mmh. Ça vient après. Ouais, ça vient après, ouais, dans le jeu. Nous, on en avait débloqué aussi, évidemment. Et du coup, alors évidemment, il y a des programmeurs qui ont construit le jeu, ouais. et du coup, qui ont donné une certaine orientation... socio-économique au jeu ou pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que la philosophie derrière le jeu, elle est plutôt libérale, plutôt social-démocrate? Déjà, la vision, elle est américaine. Donc plutôt libérale. Donc déjà, ce qui fait aussi déjà que la construction de ta ville, elle est plus simple quand tu veux faire un modèle américain. Okay. Tu sais, quand les villes en Europe, elles ne se sont pas construites de la même manière qu'aux États-Unis. Donc ce qui fait que moi, je trouve que c'est plus simple de... Le jeu est pensé pour optimiser plutôt les statistiques, d'accord, sur un modèle de ville plutôt américaine. Okay. Déjà, ça veut dire quelque chose. Ensuite, la mixité sociale, c'est des choses un peu, tu vois, particulières, mais malgré tout, on reste dans un jeu vidéo. Moi, je trouve que c'est plutôt dans la construction de la ville que vraiment dans le côté social, etc. Tu peux lui donner un petit peu le visage que tu veux, quoi. Ouais, mais quand même américain. C'est-à-dire que tu peux vraiment rester sur des constructions de villes américaines. Mais toi, t'as joué pas mal avec des constructions avec européennes. Avec le modèle européen. Mais malgré tout, c'est compliqué de créer une sorte de centre historique, ah ouais, qui va grossir de manière un peu naturelle avec, ah ouais, un centre historique, avec des remparts, avec des trucs. Ça, c'est compliqué à faire dans le jeu, je trouve. Parce que moi, j'ai créé beaucoup de rues parallèles et croisements à 90, mais j'ai vu qu'on pouvait aussi créer des choses un peu plus... Ouais, complètement, ouais. Nous, on a fait au début, tu fais ça, tu fais des plans un peu droits. C'est normal, c'est quand tu débutes. Et après, quand tu commences à avoir l'habitude, quand tu anticipes ce que tu vas construire, tu peux te permettre d'être un peu plus, de créer des choses un peu plus naturelles. Mais c'est plus compliqué. Et puis souvent, ce que font des mecs comme Bill Silverlight, c'est qu'ils vont prendre des photos de plans de vraies villes pour pouvoir s'inspirer en mode, ah, dans une ville, ok, donc c'est plutôt comme ça. Là, on passe dans un niveau, on fait un plan local d'urbanisme. Architecte, quoi. Architecte. Qu'est-ce que tu me montres, Joe, là? Là, c'est une partie de ma ville, ça. C'était une des parties de ma ville. On avait fait un truc un peu rond. C'est pas mal. Et on avait testé des trucs aussi, quoi, tu vois. Mais c'était intéressant. Entre tradition et modernité, finalement, exactement. J'adore. Ton prochain stream arrive. Toi, t'es plutôt... C'est demain. Le matin? Ouais, 10h demain. 10h. Nous, on fait le débrief de l'actu sport le lundi matin. D'accord. Lundi, effectivement. Et puis après, ce week-end, cette semaine, on va jouer à Anno. On va faire notre documentaire histoire, évidemment. T'sais, on regarde les docus le mercredi. Ok. Et notre prochain live histoire, parce que tu sais, on invite des historiens, à la maison le mercredi. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et toujours le matin ou plutôt le soir? C'est le soir. C'est le soir. Le mercredi soir. Okay. Et le mercredi 31 janvier, on accueille un super historien de la faculté de Nantes pour parler des Templiers. Génial. Et pour parler de les mythes autour des Templiers, le mystère du trésor des Templiers, etc. Voilà, donc tout ce qui est les ordres hospitaliers, tout ce qui est les ordres hospitaliers et parler des croisades, etc., de la place des Templiers dans tout ça. Donc j'aurai le plaisir de l'accueillir, ce sera le 31 janvier et ça va être chouette. Et bientôt, tu auras le tournage de ton prochain docu reconstitution historique. Alors, on a tourné beaucoup de docu la fin d'année 2023 et là, on a fini l'écriture du prochain. Okay.
on est en phase de montage actuellement et il sortira. Ah, donc il est déjà tourné. Ouais, il est tourné. Okay. Et il sortira fin janvier, normalement. D'accord. Donc à peu près dans les mêmes eaux que sur, là, le et ça, prochain. Et ça va sur YouTube. Ça va sur YouTube, effectivement. Et ce sera un documentaire, moi, qui me tient très à cœur personnellement, parce que c'est avec un historien que j'aime vraiment beaucoup. Et donc après le sujet, vous verrez quand, ouais, quand ça sortira. Pour on devrait mystère. Commencer à teaser dans les jours qui arrivent là, et, normalement. Et puis, petite info comme ça, avec Théo, on va se revoir dans quelques temps. Ouais, on c'était va... bien qu'on se revoie. C'était notre première fois pour cette année, mais on va se revoir régulièrement, de ce que j'ai compris. On va refaire un truc dans pas longtemps, là. Dans pas longtemps. Ouais, exactement. Ouais, bah, fin, ouais finalement. Là, donc pas le. Ouais, 15 jours, on se revoit. Voilà, pas d'indice, mais un truc pas mal. Ouais, exactement. Pas mal. Et puis, peut-être que dans le reste de l'année, on va faire des trucs ensemble encore. On va se recroiser pas mal aussi. Voilà. De temps en temps. On devrait c'était cool qu'on commence cette année comme ça. Et j'en suis content. Non, c'est chouette, ça va être super. Et merci pour la bouteille de cidre. Voilà. Mais de rien, avec plaisir. Bonne année sans alcool. Merci pour l'accueil. Ouais. Qui t'emmène jusqu'à quand alors? Qui m'emmène jusqu'au 28 août 2024. Putain, c'est. Ouais, c'est chouette. Hein. Ouais, mais c'est. C'est une. Écoute, c'est une. Je t'en mode, est-ce que je suis capable? Est-ce qu'on est capable de vivre sans alcool après avoir bu machin? Ouais. Et puis, franchement, c'est cool, quoi, tu vois. Okay. Puis j'arrive à mes 30. Pas loin de mes 30 ans, je vais sur mes 29 ans en 2024. Je me dis, bon, allez, s'il est temps d'avoir enfin une shape de zinzin, arrêtons l'alcool, ce sera plus simple. Et puis voilà. Moi, j'ai pas décidé du tout d'arrêter et je vais goûter ça. Oui, mais t'es pas un très gros buveur. Non. Là, je l'ai été jeune. Quand je faisais la fête en Bretagne. Est-ce que tu penses que je suis un très gros buveur? Oui. Moi, j'ai eu écho de certaines soirées. Tu m'as vu à certaines soirées? Ouais, j'en ai pas fait beaucoup. J'étais. T'as des soirées non, de non, Twitch pas des où soirées. J'ai fini vraiment caisse. C'est rare quand même. Non, jeune. On en reparlera en off parce que je vois pas de quoi tu me parles. Ouais, c'est parce que j'ai sûrement oublié. C'est ça qui fait peur. On a une vidéo. C'est zéro alcool, zéro, mes Camille. Ouais, zéro alcool pour le coup. Théo, un grand merci. Donc, merci à toi. À demain matin sur ta chaîne. Ouais, exact. À partir de 10h, c'est ça? Ouais, tout à fait. Moi, je vous retrouve. Alors, retour de la revue de presse. Pardon, j'étais un peu absent des journaux parce que. Oui, t'as laissé un peu tomber. Là, t'étais sur l'Arc Valorant. Bah oui, en fait, il y a eu les vacances en fait de Noël. Ouais. Donc, j'ai passé un peu de temps en famille. Voilà. Et puis, effectivement, il y a eu l'arc de jeux vidéo qui fait que. En fait, tu sais, pendant Question pour un champion. Avant, quand il y avait question, je ne faisais pas la revue de presse. Mmh. Et après, je trouvais dommage de m'absenter 7 jours par mois, de ne pas streamer 7 jours par mois. Je trouvais ça un peu con, quoi. Je me trouvais un peu streamer par intermittence. Oh, question pour un champion, j'adore ce jeu. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Et donc, à un moment, je me suis mis à mettre le réveil tôt le matin, lire les journaux très tôt, partir à question pour un champion et streamer l'actu le soir, les journaux du matin, pour quand même streamer. Ouais. Mais c'était. Ça piquait un peu, tu vois, parce que je me levais très tôt, couchais très tard. Mmh. Et puis à un moment, j'ai découvert le jeu vidéo et je me suis rendu compte que pas me lever très tôt pour lire les journaux, lancer un petit stream Valorant après Question pour un champion, c'était assez cool, tu vois. Voilà, donc j'ai fait une petite pause de journaux. Ça reprend demain matin, 9h. Voilà, toute la semaine, lundi, mardi, ne monte pas Valorant. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les matins. Ce qui n'empêchera pas que le soir, il y aura sans doute des petits streams de Valorant. Ou une petite suite des 3 Become Human, ou une petite suite du jeu qu'on a découvert avec Théo ici. Voilà. Donc, ça double stream. Et vendredi matin prochain, il y aura une petite surprise. Une petite surprise. Vendredi matin. Tu l'as, Jo? Vendredi matin. C'est le visuel que je t'ai montré. Ah oui. Ouais. Donc, une bonne surprise, parce que c'est vraiment. C'est un prolongement de ce que je fais sur l'actu. C'est un nouveau truc. Voilà. Très bien. Et un truc qui est très cohérent par rapport à ce que j'ai fait avant. Et pour ceux qui craignaient que je m'éloignais un petit peu de l'actualité, vous allez voir que pas du tout. En fait. Voilà. J'en dis pas plus. Super. Voilà. Et je pense que je vais balancer le visuel qui annonce ce truc demain. Après-midi. Joe, tu stream demain? Ouais, demain fin d'après, mais demain soir, ouais. Fin d'après. Donc, avec Pépin, on va jouer à World of Warcraft. Ouais. Incroyable. Et normalement, on va se retrouver d'ailleurs mercredi soir, parce que depuis la semaine dernière, j'ai expérimenté le jeu à plusieurs. On a eu des petits problèmes sur Lethal Company. Quoi. Un jeu était compréhension sur Lethal Company. C'est dur, Lethal Company. Rien compris. J'ai rien compris. Mais, non, mais on était avec Marie, Pépin et Sam. Okay. Ouais. Personne ne connaissait le jeu. Ah ouais, c'était incroyable. Ah ouais, ça devait être un grand moment. Donc on va rééditer mercredi, peut-être avec un autre jeu, on ne sait pas. Il y aura Marie encore, Pépin, Joe. Pépin, c'est sûr. Marie, a priori, ça devrait le faire, toi. Et on est en train de se tâter, mais peut-être un jeu que tu avais envie de découvrir. Tu avais dit que tu voulais essayer ce jeu-là, donc peut-être. Pas trop compliqué?
Ça dépend, ça va dépendre, ça va dépendre que de toi en fait. Donc voilà, bon, c'est chargé quand même. Ouais. Merci beaucoup. C'est dense. C'est super. Invitation, c'était super. Ouais, merci de ta pareil, la pédagogie, je suis régalé. Joe, bah, bonne soirée à toi. On se retrouve demain matin pour la revue de presse. Merci Boulanger, merci Lenovo, Gamme Légion pour cet accompagnement, pour cette liberté que vous me laissez dans cette émission. Je me régale. Et puis on se retrouve très très vite. Bien sûr qu'on fait un raid. Théo, est-ce que tu as des amis en live actuellement? Là, maintenant, des gens dont tu aimes bien le travail. Attends, des gens dont tu aimes bien le travail. Je regarde sur mon computer. Tu regardes et tu me dis, moi j'aime bien que l'invité propose s'il voit quelqu'un. Des gens que j'aime bien qui sont en live. Ouais. J'aimerais bien vous faire découvrir. Tac. Oh, il y a Berlu là qui est sur Echo en ce moment. C'est quoi Echo ? Echo, c'est un jeu vraiment super chouette. Bah, on parlait de RP justement tout à l'heure. Et en fait, Echo, c'est un jeu où vous avez 30 jours dans la vraie vie. Tu arrives sur une planète avec tes copains, tu peux être 8, 10, 20, 30, 40. Ouais. Et dans 30 jours, une météorite va s'abattre sur la planète la détruire. Okay. Donc il faut que tu t'organises, toi et ta communauté avec tes amis, pour développer la planète, pour trouver de nouvelles technologies, etc., pour réussir à détruire cette météorite et à survivre. Sauf que, En 30 jours. Sauf que chaque ressource que tu construis, ça crée des déchets. Chaque technologie que tu découvres amène à des dérives. Et donc, tu as des gens qui vont en abuser, d'autres qui. Et du coup, lui, il donne un côté RP à tout ça. Et donc, voilà, sur Echo, donc, c'est... Donc il stream ça ce soir. Il est en stream, là, actuellement. C'est super. Donc, voilà, donc Berlu. B-E-R-L-U. Exactement. Joe est en train de charger le raid. On propose le jeu de la semaine prochaine, je ne peux pas vous le donner, parce qu'en fait, parfois les gens ont des problèmes de dernière minute avant un stream, et donc mon invité de la semaine prochaine ne peut pas venir finalement. Voilà, je vais lancer quelques pistes et je vous tiens au courant assez vite, donc je n'ai pas d'indice à vous donner, mais un simple, sûrement dimanche prochain à 20h. On va voir Berlu, prenez soin de vous. Des autres. Ciao. Soyez heureux, mettez du bonheur, de la douceur dans ce monde. Merci d'avoir été avec nous ce soir et à très vite. Ciao.